Tous les jours, en direct à partir de 13h55 sur Canal+. Avec Orange, partenaire principal du Top 14, retrouvez les meilleurs essais avec Orange World. Partagez les valeurs du rugby avec la GMF. GMF, assurément rugby, assurément humain. Retrouvez le Top 14 avec Société Générale, par amour du rugby. Allez, dans le couloir, comme à notre habitude sur Canal, avant la folie, le délire du stade Vélodrome, on va vous faire vivre en ambiance la sortie des deux équipes. D'abord les remplaçants et maintenant les équipes qui sortent. Derrière Aurélien Rougerie, l'équipe de Clermont maintenant la sortie de l'USAP. Allez, Jean-Philippe, plaquage à l'avance. Perry Freshwater, le capitaine, qui disait « Il ne faut pas cette fois tout lâcher dans le vestiaire comme on avait pu le faire avant le quart de finale de Coupe d'Europe contre les London Irish que les Catalans avaient perdu. » Oui, il faut savoir garder de l'influx dans ces moments-là, Thomas. Ouais, c'est vrai que tout lâcher dans les vestiaires ne sert à rien. Hein. L'important, c'est d'être présent au coup de sifflet donné par l'arbitre. Avec beaucoup d'émotions, hein. Christophe Porcu qui doit penser que c'est peut-être son dernier match. Les joueurs qui sont très concentrés, Montgomery qui sait qu'il doit énormément apporter, plus d'apporter à cette équipe, Tungagi, le franchisseur, face à cette équipe de Clermont qui est réellement l'ogre de ce championnat. À votre gauche donc, Clermont, numéro 1 de la saison régulière et qui donc doit s'imposer en demi-finale et en finale pour décrocher le bouclier de Brennus et le titre de champion de France. Et à votre droite, Perpignan, numéro 4 qui n'était pas en demi-finale la saison dernière. Les Catalans ont pris cette année la place du Biarritz Olympique. Et voici les joueurs qui vont pénétrer en marchant dans un vélodrome chauffé à bloc par leurs supporters. Et autant vous le dire aussi, sous une chaleur caniculaire. C'est l'ambiance qui nous fait frissonner chaque année, c'est formidable, c'est fantastique dans ce stade magnifique où sont venus tous les amateurs de rugby du sud-est de la France. Première des deux demi-finales en attendant le choc des stades demain à Bordeaux. Clermont, Perpignan, Mario Ledesma n'a jamais perdu ici, ni avec Clermont, ni avec les Pumas argentins. Et Rougerie et les Clermontois viennent donc avec le statut de favoris sur cette pelouse où ils avaient fait tomber le Stade Toulousain la saison dernière. Ouais, c'est toujours des moments magiques, hein. Avec un feu d'artifice de couleurs vraiment qui se déclenche des tribunes. Monsieur Berdos, tout juste revenu d'Australie, où il a arbitré Australie-Irlande, sera au sifflet pour ce match. Laurent Dom, lui, aux manettes
de la vingtaine de caméras que Canal a déployées pour cette affiche. Le stade, vous me disiez, Thomas, le stade Vélodrome, convient bien à ces deux équipes et à leurs supporters. Ouais, pour les supporters, ça permet réellement de voir toute l'ambiance, toute la ferveur qui peut régner autour du rugby, et surtout dans un climat totalement sain, ce qui est vraiment extraordinaire. Le toss a été gagné par les Clermontois, ils ont choisi le coup d'envoi, et c'est leur demi-mêlée, Bob James, qui va taper le premier pour le coup d'envoi de cette première demi-finale du top 14. Allez, c'est parti, Clermont, Perpignan, premier ballon, chaud, très chaud, récupéré illico par les Clermontois avec Marius Joubert pour un premier ballon, Mignoni pour Canal et maintenant, et premier ballon large maintenant, où se trouve Mario Ledesma, le talonneur qui charge, qui est plaqué par Porcu. Le rythme risque d'être difficile à soutenir à cause des conditions et de l'extrême chaleur qui règne sur le Vélodrome. Pour l'instant, ce sont les Clermontois qui ont la main sur le ballon avec un mêlée ouverte. Mignoni passe un peu dans les chaussettes de son demi d'ouverture par-dessus la défense. C'est une récupération de Julien Cardolon qui va essayer de relancer. Il est plaqué. Sentez les plaqueurs. Bonne libération, Durand, coup de pied à suivre. Attention, ce rebond capricieux. La belle passe pour Benoît Babi qui va essayer de trouver du champ dans la défense de Perpignan. Cache, appel de trois plaquages qui a transpercé le rideau défensif. Benoît Babi qui a tenu soutien. La passe va finir par arriver quand même sur Nalaga. Premier ballon pour Nalaga, un avant signalé par monsieur l'arbitre. C'est parti fort. Ah, c'est parti fort. On a vu toute la classe de Benoît Babi étincelée sur le terrain. Vraiment, il a perçu ce petit trou dans la défense catalane après 3-4 phases de jeu. Un joueur est vraiment doué, on va le voir là, perçoit qu'il y a un trou, il arrive à se dégager. Rien pour un ministre. Peut-être là, il aurait dû un peu se renseigner, lever un peu plus la tête pour pouvoir passer la balle au joueur de Clermont qui s'était décalé. Très belle action de la part de Clermont. C'est la première mêlée du match avec un départ au ras de Tuilagi, plaqué par Bonnet. Sans dire qu'il va y avoir une très grosse exploitation devant dans cette demi-finale. Durand cherche et trouve la première touche qui va nous permettre quand même d'aller saluer M. Guillard, le deuxième homme de terrain sur cette demi-finale. Salut Lagui, notre cher monsieur Météo, irremplaçable. Et qui a mis la veste et la cravate pour l'occasion. Ah oui, c'est beaucoup. En demi-finale, c'est quand même la tenue des faciles. Hein. On rigole pas. Non, le terrain est, vous imaginez, magnifique. Le temps est magnifique. Le vent était un peu fort tout à l'heure. Il est tombé. Donc, il ne devrait gêner aucune des deux équipes. Donc, place au jeu maintenant. Avec cette balle qui n'est pas captée en touche par les Clermontois. Ballon gagné. Premier lancé gagné par Perpignan sur lancé Clermontois. Et pourtant, la touche est l'un des points forts de Clermont. Coup de pied dans la boîte de Durand sur l'aile de Planté. Planté face à Nalaga. Finalement, ballon qui n'est pas capté par les deux joueurs. Avantage en cours pour les Clermontois. Avec Mignoni, bien joué de la part de Mignoni. Encore une accélération de Pierre Mignoni qui va être repris par le plaquage de Grand Claude. A pu donner son ballon à Babi. Mêlée ouverte. Beaucoup de rythme dans ce début de match. James pour l'attaque avec Vermeulen qui oublie le ballon en route. Pierre Mignoni est resté au sol. Hein. Ah, attention à suivre, Pierre Mignoni est au sol. Le demi de mêlée de Clermont. C'est un coup sur la tête, hein. C'est pas. Rien à voir avec éventuellement sa blessure. Il reprend sa place. On voit Elvis Vermeulen qui s'est mélangé un peu les pinceaux. Et la percée remplie de détermination de Pierre Mignoni qui a vu ce trou qui s'est engouffré. Voilà, qui arrive à dégager son ballon. Très important, Benoît Babi au soutien. Action. Permettra touché. L'action de rebondir. Très bon début de match de la part de Clermont. Durand pour son demi d'ouverture. Nicolas Larague passe. Directement pour solliciter Rougerie qui ne va pas pouvoir espérer que ce ballon rentre dans son but et doit dégager. Coup de pied. Okay. Captain ah non, il est à la touche, perd Simon Gomery. Non, il a lâché le ballon, donc l'arbitre considère qu'il n'y a pas touche et laisse jouer cette action avec Larag maintenant. On faudra revoir ce ralenti de cette petite action là de Montgomery. Coup de pied à suivre de c'est Marius Tinkou, le talonneur. Rougerie. Long dégagement d'Aurélien Rougerie qui sollicite encore une fois l'arrière champion du monde, Percy Montgomery, revenu en début de semaine à Perpignan. À toi, à moi. Cette fois, le coup de pied de James va aller trouver de très belles touches dans les veines de Catalan. Alors on voit là la réception de Montgomery, difficile, il juge qu'il va aller en touche,
Donc il n'est pas en touche, mais il y a au moins en avant. Donc erreur d'arbitrage de l'arbitre de touche. Voilà, il fait tout pour sauver le ballon. Il ne touche pas la ligne, mais malgré tout, voilà, il fait rebondir le ballon devant lui. Petite erreur. Mais avec Percy Montgomery, on attend beaucoup de lui. Vraiment le joueur qui a pratiquement 100 sélections avec l'équipe d'Afrique du Sud, qui revient une victoire face au Pays de Galles où il a marqué un bel essai. Qui doit apporter plus à cette équipe de Perpignan. Lancé de Tinkou, capté par le grand numéro 7, Gerry Britt, ce sud-africain, qui joue souvent en deuxième ligne, qui a été titularisé en troisième ligne pour cette demi-finale. Durant la rague, il a donné un petit peu d'air à cette équipe. 5 minutes de jeu, toujours 0-0, sous l'œil donc de Julien Malzieux, l'un des grands absents de cette demi, par choix de son entraîneur. Non, on joue, c'est difficile pour un joueur de cette classe d'être laissé sur le côté, mais ça montre aussi la qualité de l'effectif clermontois. Et c'est la révélation Nalaga qui lui a fait du mal à Malzieu alors qu'il avait été l'une des attractions de l'équipe de France pendant le tournoi. Mario Ledesma trouve Odebert, Mignoni, James Canal est lancé, ouais. Relâche le ballon. Là-bas, c'est l'arrière. Et monsieur Berdos, c'est l'arrière. Laisse profiter les Catalans de ce ballon. Durant la rague. Pour l'instant, les Catalans assurent et trouvent les touches. Ils sont sous la pression clermontoise, Clermont qui essaye de donner du rythme, de donner du jeu. Et qui est Perpignan essaye de récupérer ses ballons et d'aller territorialement dans le camp clermontois pour pouvoir se positionner. Christophe Forcu, la grosse chaleur n'est pas un avantage pour lui et ses 37 ans. Les entraîneurs catalans ont choisi tout de même de le faire démarrer le match. Il considère qu'il a plus d'impact quand il rentre d'entrée de jeu que s'il rentre en fin de match. Moll Clermontois qui est en train de progresser. Cornaqué par Mignoni avec Vermeulen qui s'arrache. Vermeulen qui aurait pu donner à Mignoni qui l'a oublié en route. Qui peut donner derrière lui. Mauvais contrôle de Zirakashvili. Et les Catalans qui récupèrent ce ballon. Alors que c'était la première occasion d'essai dans ce match pour Clermont. Et la belle charge maintenant de Nicolas Mas, le pilier droit international. La rague passe un peu haute qui va quand même arriver pour le dégagement. De Grand Claude qui arrive dans les mains de Rougerie. Attention à Rougerie, il ne faut pas lui laisser de champ, bien évidemment. Gros tampon là de Grand Claude qui réussit à mettre au sol le 3 carré, capitaine de Clermont. Sur le petit côté. Mignoni, justement. Avec James, voilà. Avec James qui il était parti un chouïa devant. En fait, de passe de James qui trouve du soutien. C'est Bonner, je crois, qui était là avec Mignoni. Brock James encore. James sur Joubert. Petit en avant. Non, c'est ici. Ah, il faut qu'on revoie cette action de Vermeulen qui a, me semble-t-il, oublié Mignoni. Vermeulen, s'il vous plaît. Pas de commentaire comme ça. Alors là, on voit en avant de Brock James, plaqué par Porcu. Pas le voyage à vide. Ami Christophe Porcu. Et là, Rougerie qui contre-attaque et qui remet le danger dans la défense de Perpignan tout de suite, qui va au contact face à Hume. Très physique. Et là, on voit Vermeulen qui s'extrait du regroupement. Il faut qu'il lève la tête. Son demi-demêlé, la pelle lui tape sur les fesses. Et il va s'empaler sur planter, si j'ose dire, ou se planter sur planter. Ce sont des opportunités qu'il faut absolument saisir en demi-finale. On va le voir là. Il s'extrait. Il n'a pas. Voilà, son demi-demêlé, la pelle signifie bien Mignoni qu'il est à côté, mais voilà, il n'en tient pas rigueur. Reprise, messieurs. On y va, s'il vous plaît. Et ça aurait pu se transformer en essai. Pour Clermont. Donc encore une occasion loupée après cette percée de Babi tout à l'heure. Ouais. Flexion. J'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup de points. Tuilagi, serré de près par Odebert. Ils ne veulent pas lui laisser du champ au puissant troisième ligne Samoan. Vaki lâche le ballon en avant des Catalans. Et M. Berdos va sans doute siffler une bonne mêlée pour les Clermontois dans les 22. Il y a deux talonneurs de Perpignan. D'accord. Domination territoriale des Clermontois, Thomas, depuis le début du match. Hein. Domination territoriale, ils mettent la pression sur l'équipe de Perpignan. Malgré tout, ils font quelques petites erreurs, ils tombent des ballons, ils ne concrétisent pas leurs occasions. Écoutez-moi. Mais on est parti sur un gros rythme. Maintenant, je compte sur vous. D'accord ? Allez. Quand on dit occupation de Clermont, la statistique prouve qu'elle est flagrante. Flagrante. On y va.
18. La marque est ici, messieurs. Les axes. Flexion. Touché. Stop, entrée. Mais qui tourne. Non. On l'a refait, messieurs. Et surtout qui s'est effondré à refaire. Donc toujours introduction Pierre Mignoni pour Clermont. C'est à moi, même dire. S'il vous plaît. Merci. Je compte sur vous, les deux dans l'axe. Et les trois quarts, Clermont 3 très profond. Flexion, touché, top, entrée. Non, on l'a refait. Non, il n'y a rien. Non, non, il n'y a rien. Non, non, on l'a refait. C'est un problème. Allez. Là qui roule. Flexion. Touche, flexion, s'il vous plaît. Touché, stop, entrée. Bon, ce sera coup franc en faveur de Clermont que Vermeulen joue rapidement. Charge d'Elvis Vermeulen. On est dans les 22 mètres de Perpignan. Mignoni tarde à sortir ce ballon. Reculez. Double, double. Donc on ne s'affole pas, on va se repositionner. Avec une charge au ras de Laurent Emmanueli, épaulé par Zirakashvili. Tuilagi éjecté du regroupement. Et tapé le drop. Pour le drop de Brock James. Drop de James, bien placé et qui ouvre le score dans cette demi-finale. Les premiers points pour Clermont. Drop goal signé Brock James. 3-0. C'est la difficulté et l'intelligence aussi de cette équipe clermontoise qui ne s'affole pas. Refait un regroupement et donne un beau ballon à son demi d'ouverture dans l'axe pour lui permettre de mettre 3 points. Ce qu'il fait calmement, posé. Permet à son équipe de prendre l'avantage 3-0 face à cette équipe de Perpignan. Avec Jean-Marc Lhermé, Verne Cotter, Lhermé, manager aujourd'hui, ancien capitaine de cette équipe de Clermont, et Verne Cotter, l'entraîneur néo-zélandais, qui en termes d'exigence a complètement relancé l'ASM vers le haut niveau et en fait pour la deuxième année consécutive un demi-finaliste du championnat. Dégagement du capitaine Aurélien Rougerie. Finalement, c'est pas très cher payé pour Perpignan. 3 points, 10 minutes, avec une domination territoriale outrancière des Clermontois. Ouais. Pour l'instant, il laisse venir. Et il laisse venir. La domination est clermontoise, mais on sent les organismes déjà fatigués. On sent qu'il y a des problèmes dans le replacement, ce qui laisse augurer voilà, d'opportunités pour le futur de ce match et peut-être nombreux points qui risquent d'être scorés. La touche n'était pas droite. Du moins, on l'espère. Mais... on n'est pas droite. Touche ou mêlée. On rappelle que Perpignan avait pris un départ catastrophique dans le championnat en étant seulement 10e après 12 journées. Puis a remonté. Jaune. A fini par rattraper Biarritz, dépasser Biarritz et se qualifier pour ses demi-finales. En gagnant 12 de ses 14 derniers matchs. C'est pour ça qu'on disait que c'était finalement l'équipe en forme du moment, c'est Perpignan. James, longue passe de James qui lobe Joubert, qui trouve Babi, repique vers l'intérieur, échappe à un plaquage. James encore, Nalaga maintenant, qui échappe à un planté. Accélération de Napoléon, Nalaga maintenant. Nalaga face à Montgomery, qui emporte 3 Catalans avant de passer au sol. Audebert est au soutien. Mêlée ouverte, Mignoni qui va ressortir ce ballon encore sur le large avec Brock James. Brock James pour Emmanueli qui repique, qui charge, qui libère bien ce ballon au sol, qui est vite éjecté par Mignoni. Avec James, c'est un ballon d'essai pour Clermont encore une fois. Rougerie sur un pas pour les Desma qui rafute un ballon. Attention, y a-t-il essai ou pas? Je pense qu'on aura arbitrage vidéo demandé par monsieur Perdos. Fantastique. Une action vraiment fantastique de la part de Clermont avec. Il y a Rougerie qui est quand même au sol sur le choc de. Allez, alors sur la passe qu'il a faite. Le vidéo arbitrage de monsieur D'Artigas, c'est arbitre vidéo de ce match. Deux choses. Est-ce que tu peux regarder la validité de l'essai? Pour moi, je doute sur la dernière passe. Et en deuxième temps, tu ne regarderas pas s'il y a du jeu déloyal sur l'ailier du jaune, s'il vous plaît. Enfin, sur le 14 jaune. Thomas. Difficile à juger. Pour moi, il y a essai. Alors, il va falloir voir exactement s'il y a la pression jusqu'au dernier moment du ballon. Alors là, c'était le jeu déloyal dont parlait M. Berdo. C'est le plaquage à Outpol de... Vous n'avez pas manqué de points. On en est toujours à 3-0 pour Perpignan. L'essai sur lequel tout a disjoncté n'a pas été accordé. Il y a eu ensuite une pénalité pour Clermont qui a été manquée par le buteur clermontois. Suite au jeu déloyal. Suite au jeu déloyal de Vaki. Donc j'espère, si on peut nous faire un petit signe, que vous nous avez recevé à Paris. Je récapitule. Toujours 3-0 pour Clermont face à Perpignan, toujours 3-0 pour Clermont face à Perpignan. Et c'est donc bien le stade Vélodrome qui...
qui a disjoncté. On croyait que c'était le foot qui faisait disjoncter, mais non, mais... c'est le rugby. Le rugby a fait disjoncter le stade Vélodrome et on a fait le maximum pour vous rétablir au plus vite l'image. On espère évidemment que ça ne va pas se reproduire. Heureusement que François Triot est en stand-by à Paris. Et on va revenir sur cette demi-finale avec toujours donc 3-0, prise de balle Vaki. Et pénalité donc manquée par Brock James avec charge de Marius Tinkou. Rassurez-vous, ça n'a absolument pas perturbé les joueurs et les spectateurs qui ne se sont rendus compte de rien. Il y a un avantage en cours pour Perpignan avec une faute de Thibaut Privat. Avantage laissé par M. Berdos avec la première véritable action des Catalans dans les 22 de Clermont depuis le début du match. Avec le drop de Percy Montgomery pour profiter de l'avantage, ce drop ne va pas passer. Et M. Berdos Thomas va revenir à l'avantage et à la pénalité. Oui, Perpignan suite à la mêlée a tapé une pénalité. Venu dans le camp de Clermont pour leur mettre la pression et... L'arbitre a jugé que Thibaut Privat s'était positionné hors jeu et avait écroulé ce mol, chose qu'il ne pouvait pas faire, donc fort logiquement accorde une pénalité. Que les Catalans vont tenter. Thomas, vous ne voyez plus sur votre écran le petit chronomètre qui a disjoncté également. Évidemment, donc qui est perdu. Donc on va faire à l'ancienne en vous donnant le temps et juste une info Eric à propos du chronomètre. Celui que vous avez sur les écrans géants du stade est bon. Car il correspond exactement à celui que le délégué a sur son chronomètre. Ouais, c'est bon. Merci Pierre. Je suis avec celui qui a le chrono juste à côté, donc tout va bien. Et... Lui, il n'a pas lâché, et comme c'est un chrono électronique qui marche sans électricité, il n'a pas disjoncté, lui. Merci, Lévi. Attention. Première tentative pour le buteur des champions du monde sud-africain, Percy Montgomery, qui va rater de peu cette première tentative qui a rebondi sur le juge de touche. Et Benoît Babi peut aplatir. La réussite de Montgomery sera aussi l'une des clés du match. On vous expliquait que sa réussite au pied cette saison est largement inférieure à celle qui était la sienne lors de la Coupe du Monde avec les Springboks. Ouais, il faut qu'il se réadapte à un nouveau championnat. Pas forcément évident pour lui, le langage. Voilà, mais c'est vrai que pour les coups de pied, c'est des choses qui n'interviennent pas. Malgré tout, il est moins en confiance. Qu'il a fait pour la Coupe du Monde. Alvarez Cairelis passe par le sol. Durand. Larague. Non, c'était Youm qui s'était positionné avec la charge maintenant du leg. Oh, très bien plaqué par Audebert. Récupération du ballon, je pense, par les Clermontois qui va ressortir pour Canale. Et le jeu au pied de Pierre Mignoni. Le rebond peut être dangereux pour planter parce que Nalaga arrive dans son dos. Planté Nalaga, finalement personne. Et c'est Britz qui s'est couché sur ce ballon. Bien en avant. Derrière. Durand. Pour son arrière, Percy Montgomery, malgré la montée de Thibaut Privat, peut trouver la touche. Nalaga, un véritable poison. On n'a pas vu tout à l'heure, mais suite au stade qui a disjoncté, mais il a réellement mis sur place, planté pour déborder tout à l'heure et créer justement cette opportunité d'essai pour son talonneur. Et là encore, il a porté le danger, il a failli récupérer ce ballon pour amener une action d'essai du côté des Clermont. Un extraterrestre du rugby. 22 ans à peine, celui que tout le monde surnomme Naps, comme l'on surnommait Rups Rupeni, Sosoni Boussa, son glorieux prédécesseur. Très admiratif d'ailleurs, hein, ce joueur. Thomas, Clermont a eu des occasions d'essai que les Clermontois n'ont pas converties pour l'instant, même s'ils mènent toujours 3-0. Lancé Mario Ledesma. Bien pris par Bonner, Ledesma, Mignoni, limite à hauteur pour Vermeulen. Mignoni, renversement sur le fermé maintenant, avec coup de pied rasant de Babi. Planté, va servir Montgomery. Hop, Montgomery, pas mal fait, pourquoi pas, pour Candelon. Et c'est Candelon qui frappe en touche. Oui, Candelon qui décide de se dégager, qui avait peut-être l'opportunité de pouvoir déborder... Le second de ligne clermontois. On ose moins du côté de Perpignan. On essaye d'abord d'aller dans le camp clermontois pour se rassurer. On sent que c'est une équipe qui est, même si elle a gagné des matchs quand même, moins en confiance que l'équipe de Clermont où le jeu est beaucoup plus léché, beaucoup plus préparé. Ouais, mais petit raté aujourd'hui dans la si harmonieuse touche clermontoise depuis le début de la saison, alors que Tinkou se heurte là à Ledesma. Je crois que c'est le deuxième ballon récupéré par les Catalans sur lancé clermontois. Et molle catalan. Alors que vous avez le plaisir d'avoir retrouvé votre chrono et tableau de score à la bonne heure. Et pénalité contre Clermont.
retournez. Allez. Non, non, attendez. Je veux voir les deux. Non, le deux. Pénalité pour vous. Non. Non. Appelez le deux, s'il vous plaît. Non, non, venez me voir, vous savez pourquoi. Venez me voir. Non, non, mais levez-vous, il n'y a rien. Venez me voir. Venez me voir. Décidément, le problème avec l'autre numéro 2, ça continue. Ça, c'est inutile ce que vous faites au sol. Vous le savez, prochaine fois, j'irai voir. D'accord, je compte sur vous. Oui, mais cette indiscipline coûte une pénalité aux Catalans. Un peu le péché mignon de cette équipe dans le passé. On pensait que c'était terminé. On va le voir là. Peut-être pas sous cet angle. Mais Tinko a marché sur le joueur. Voilà, très bonne explication. Et cela offre une nouvelle pénalité à l'artilleur Clermontois. C'est une grosse erreur à ce niveau-là quand même. Surtout en phase finale. Surtout en phase finale, ce sont des erreurs qu'il faut absolument gommer. C'est vrai qu'on se venge, on... la vengeance. Rob James, le meilleur réalisateur du top 14 devant Dourte Hernandez. Dans le ciel azur de Marseille, ça passe. Brock James double la mise. Clermont 6, Perpignan 0. Pénalité que n'aurait pas dû tenter James si Tinku n'avait pas riposté. Ouais, pour finir ma phrase, la vengeance est un plat qui se mange au froid. Et c'est vrai que là, Tinku a réagi trop vite. Il aurait dû attendre, mettre un bon plaquage plutôt que de venir faire cette erreur sur l'Edesma. Lui marcher dessus, ce qui coûte 3 points à son équipe, peut coûter très cher à la fin du match. Un drop et une pénalité de Brock James. Clermont mène 6 à 0 dans cette première période ici, au stade Vélodrome de Marseille. Vaki accroche Rougerie. Non, 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 non. Ça va de plus. Dégagement de Brock James. En touche. Ouais, Brock James, c'est l'assurance de cette équipe. Très grand coup de pied, très gros coup de pied qui permet de se dégager, de donner de l'air à ses avant. Joueur essentiel dans le dispositif clermontois. Une arme redoutable. Allez, lancez Marius Tinko, il faut qu'il se rattrape de sa petite bévue qui a coûté 3 points à son équipe. Non, 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 non. C'est la pagaille dans le couloir. On la refait, je vais devant, vous deux. Là. Ça traverse, on va le refaire comme il faut. 7-4-3, je viens. 7-4-3, jaune. 7-4-3, jaune. 7-4-3, jaune. Couteau en fond de touche sur Brit, la déviation récupérée finalement par Tinku, chassé par Mignoni qui lui échappe. Charge de Tinku sur Vermeulen. Passe par le sol. Libération, Durand, Larague, jeu au pied de Nicolas Larague. C'est une des premières chandelles de ce match. Dessous, il y aura Benoît Babi. Il y aura aussi, il y aura surtout Benoît Babi qui récupère, qui avance, qui peut servir Audebert. Audebert pour Nalaga. Et Nalaga qui a le couloir, qui rafute et qui va aller planter le premier essai de cette deuxième finale, de première demi-finale. Dans son plus pur style fidjière, Napoléoni Nalaga, sans doute le rafut le plus terrible du championnat. Clermont fait mal. Clermont a marqué le premier essai de ce match. Et au départ de cette action, encore Benoît Babi qui réceptionne son ballon et qui la lève la tête, donne à Audebert qui cadre magnifiquement. Et là, Nalaga, poussez-vous messieurs, je mets le ballon du bon côté, je mets un rafut et je vais marquer cet essai. Éclatant de facilité ce Nalaga, alors que là, Benoît Babi marque réellement de son empreinte cette demi-finale. Audebert, troisième ligne, vient fixer Monsieur Montgomery. Mais ce n'est pas fait. Nalaga part. Et là, toute la volonté de la Harag ne suffit pas face à la fusée fidjienne. Pour le 17e essai de Napoléoni Nalaga dans ce top 14. Brock James, on dirait presque qu'il a déjà le sourire, le demi d'ouverture de Clermont. La transformation du bord de la touche. Il va falloir que Perpignan se ressaisisse vite. Transformation qui passe entre les perches. Le score 13 à 0 pour Clermont ici au stade Vélodrome face à Perpignan. Quelle belle attitude Thomas de Benoît Babi. Il n'avait pas joué avec Toulouse contre Clermont la saison dernière. Il était en instance de transfert. Un des très gros transferts de l'été.
Voilà, il est arrivé comme centre, il joue à l'arrière, il a peu joué demi d'ouverture. Quand on connaît la qualité des joueurs qu'il y a autour de lui aussi, le danger vient de partout dans cette équipe de Clermont, une équipe exceptionnelle depuis le début du championnat. Allez, réaction rapide maintenant de Perpignan. Les deux matchs entre ces deux équipes cette saison, dans la saison régulière, ont été très serrés. Perpignan n'avait gagné que d'un point à Aimé Girard. Elle avait causé des soucis à Clermont au match retour à Marcel Michelin. Vaki, Durand, renversement d'attaque avec Laharague et Montgomery maintenant pour Gavin Hume. La passe au juge de touche. Candelon ne peut pas la récupérer. Ouais, une passe mal ajustée. Thomas, je vous coupe. Je voudrais qu'on fasse une fenêtre. On va demander à notre équipe en régie. Il vient de se passer quelque chose d'assez inattendu du côté de Limoges, où se déroulait la finale de Pro D2 entre le Racing et Mont-de-Marsan. Eh bien, après prolongation, c'est l'équipe de Mont-de-Marsan qui s'est qualifiée pour monter dans le top 14. Dans quelques secondes, prochain arrêt de jeu ici, on vous montrera. Je ne sais pas si on a vu la fenêtre. Mont-de-Marsan, après prolongation, a battu le Racing Club de France, qui était favori de cette finale de Pro D2. Et on retrouvera tout à l'heure à la mi-temps Stéphane Le Goff pour un résumé de ce match. Alors que les Clermontois continuent avec Marius Joubert maintenant à attaquer. Mignoni repris le relais d'Audebert. Et ce sont donc Toulon et Mont-de-Marsan qui vont monter dans le top 14. On vous en reparle après. On suit cette attaque de Clermont. Faut pas que Perpignan craque après 25 minutes de jeu. 13-0 déjà. Et... Non. Ça arrive, même chose. Thibaut Prouvard rentre sur le côté. Arrêt de jeu. La première est pour vous. Il y a un bleu qui rate. Le ballon, c'est la même faute que je retourne, le 5 arrive carrément sur le côté face à Police. Donc la première est pour vous, la deuxième contre eux. Encore un mouvement de cette équipe de Clermont qui est venue remettre la pression sur l'équipe de Perpignan. Et Joubert qui a été présent sur l'action par deux fois, qui s'est relevé, qui est allé au contact. Cette petite faute de Privat qui est venue priver Clermont d'une bonne position dans le plan. Catalan à nouveau. Quelle équipe Clermont, vraiment. Sans qu'ils veulent terminer ce match. Et là peut-être qu'il se laisse emporter par son élan. Alors Thomas, on sait que la chaleur a servi d'excuse ces dernières semaines. On reviendra par... Oula, deux bouchons quand même à la S. On parlera pas du premier France-Roumanie de l'Euro. Mais cette chaleur est-elle un handicap pour le pack lourd, puissant de Perpignan? C'est possible. C'est sûr, Perpignan a moins de... plus de puissance que cette équipe clermontoise. Malgré tout, la puissance vous empêche de pouvoir avoir des muscles endurants. Et donc dans ce type de temps, elle joue contre vous. Donc avec l'équipe de Clermont est peut-être plus préparée à ces conditions atmosphériques que l'équipe catalane. Allez, voici un bon groupe pénétrant dans lequel les Catalans excellent dans ce style-là. Ils écartent le ballon maintenant pour Laharague avec Gavin Hume, bien ceinturé par Bonner, qui lâche le ballon. Beaucoup de petites fautes qui coûte cher et qui offre des ballons de récupération à Brock James et au Clermontois. Marius Joubert perd le ballon sur l'impact mais sans en avoir. Et ce Nalaga qui trépigne sur son aile en attendant les ballons. Nalaga, dès qu'il rentre dans un regroupement, ça déménage. Ouais, il peut jouer troisième ligne aussi efficacement. Mignoni sert Brock James à l'abri dans ses 22. Coup de pied dans les bras directement de Percy Montgomery. Allez, champion du monde, il faut qu'il tente quelque chose, Montgomery. D'embarquer la défense clermontoise, ça n'est pas passé. Et en avant, non. Ce qu'a dit M. Verdos, non, il n'a pas vu d'en avant. Cette fois, oui. En avant encore du côté de Perpignan et Montgomery qui avait décidé de ne pas jouer au pied, de contre-attaquer, ce qu'il a bien fait. Malheureusement, le ballon est à nouveau perdu par Alvarez Carrieri sur ce contact. Allez, on y va, messieurs. Et sur le regroupement précédent, Napoléon Nalaga s'est fait marcher sur la main droite. Il semble souffrir un peu. C'est peut-être une bonne nouvelle pour son vis-à-vis. Quelle balance, Pierre Buet. Flexion, touché, stop, attaque, haut. Mignoni, vous tirez pas la bourre en bas, les gars. Non, Vermeulen. On approche de la demi-heure de jeu. 13-0 pour Clermont, le numéro 1 du championnat, qui fait honneur à sa situation de leader. Beaucoup de pieds. Rougerie qui entame un sprint de folie. Un peu long peut-être. Ouais. Et Montgomery peut aplatir. Ça se joue à peu de choses, mais Brock James avait vu
l'espace derrière la ligne de trois quarts. Dis-moi, l'ailier catalan avec un mauvais positionnement de Montgomery qui aurait dû se situer un peu plus au centre du terrain. Je pense qu'il est un peu usé de ses actions, il souffre de la chaleur. Il revient d'Afrique du Sud en long voyage. Ah, il a gagné les deux matchs contre Galles, il a fait passer son total de sélection de 94 à 96. Il attendra sans doute la centaine cet été pendant le Tri-Nation. Qui a été volé. Tu l'as dit, en avant encore le nombre d'en avant catalans depuis le début de ce match. Il a franchi la ligne, Peut-être. Il fait très chaud, on peut penser que le ballon est très sec. Et bien au contraire, toute la transpiration des joueurs sur les mains moites. Qui fait glisser ce ballon et qui pose toujours problème sur ses premières chaleurs. On n'est plus habitué à avoir un grip sur le ballon de la même façon. Enfin, du moins, c'était l'excuse que j'utilisais quand je tombais le ballon. Quand tu arrivais à Romain. Ce qui m'arrivait souvent. Ça arrivait à Romain. On fait le show. Touché. On se sent très seul quand on doit couvrir tout cet espace derrière. Difficile à l'arrière. Il y a une belle poussée là de la mêlée perpignanaise. On est à la demi-heure de jeu. Mignoni. James, long ballon encore une fois, ces passes de James sont magnifiques pour un Benoît Mabi qui a encore échappé au plaquage de Planté qui va pouvoir servir Nalaga qui ne capte pas ce ballon. Alors Benoît Mabi, ballon arrêté, cadé, Rafu, je passe mes bras, malheureusement ou heureusement pour l'équipe de Perpignan, on sent la frustration de Planté. Voilà, là il le loupe, hop, il va se relever, il va aller toucher ce ballon pour sauver cette passe qui se présentait à Nalaga avec un essai pratiquement tout fait. Bon, voilà, arrêté, cadrage, je rafute, je passe. Et là, toute la volonté de Planté qui se relève, il ne veut pas lâcher, il est frustré, mais il se relève pour pouvoir endiguer l'action carmontoise. Et bon ballon pris par Britz dans l'alignement perpignan avec un Moll qui progresse, mais les Catalans sont quasiment sur leur 22. Durand pour le dégagement, la passe n'était pas excellente, le dégagement de Nicolas Larrague directement dans les mains de Jacques Brunel. On les sent un peu impuissants. Hein, ouais, les supporters catalans un peu inquiets. Pourtant, il y a une plage des Catalans à Marseille. Et souvent, on les compare aux supporters de l'OM pour leur ferveur. Oui, Laguille. Rapidement, vous avez du mal. Hein. Vous n'avez pas de ballon, vous avez du mal à passer la ligne des 40. Le match est compliqué. Oui, compliqué, puis on se le complique nous-mêmes, hein, parce que les premiers ballons qu'on a eus, on les a rendus au pied. On n'a pas joué réellement. Première touche, on la perd. Enfin, on a perdu des ballons au point de rencontre. Donc, on a eu l'impression de démarrer. On était contre le vent, il a semblé qu'on veuille occuper le terrain, alors qu'il faut tenir le ballon. On s'est un petit peu trompé sur le début de rencontre. Merci. Espérons pour eux qu'ils vont corriger l'erreur pour la fin de la rencontre. Ce n'est évidemment jamais très bon de courir au score, même si Stéphane Le Goff vous expliquera tout à l'heure que le Racing avait mené 12-0 face à Mont-de-Marsan, avant donc de perdre le match. On verra ça à la mi-temps. Chandelle, Montgomery ne se rate pas, mais il est sous pression immédiatement de Canale et de Nalaga, puis d'Odebert qui arrive au soutien. Le champion du monde a sauvé son ballon. Derrière. Durand. Dégagement de Nicolas Durand. Perpignan souffre. Oui, clairement souffre aussi parce que Julien Bonner est touché. Au thorax apparemment. Voilà toute l'expérience de Montgomery sous la pression de Canale. Nalaga qui le propulse, mais il a trouvé les ressources pour pouvoir dégager son ballon. Julien Bonner, Thomas, qu'on n'a pas l'habitude de voir sans casque, mais vous aurez deviné pourquoi il s'en passe aujourd'hui. Julien Bonner, c'est le style de joueur dont on ne parle pas beaucoup pendant le match, qu'on ne mentionne pas beaucoup, mais quand on regarde le match à la vidéo au ralenti, vraiment, il couvre un terrain, il abat un travail absolument phénoménal. Et le casque lui donnait chaud à la tête, contrairement à Odebert par exemple, qui le supporte très bien. Allez, réaction catalane, bien joué cette passe pour Grand Claude qui perd encore le ballon sur le contact et Panté ne pourra pas en profiter. C'est dommage, première action un peu d'envergure menée par cette équipe catalane, propulsée par Hume. Et là, Jean-Philippe Grandcold qui vient se heurter à Brock James, qui lui substitue le ballon en petit vidou. Il sait qu'il ne pourra pas le défier physiquement, donc il se... Ravitaillez-vous sur l'arrêt de jeu. Il essaye de lui taper sur le ballon, chose qu'il a bien faite. Et ce qui traîne un en avant avec une mêlée pour Clermont. Alors la stat des en avant, est-ce qu'on l'a? La stat des en avant pour voir Perpignan 5 en avant, Clermont 3.
Ok, merci. Ouais, beaucoup de ballons tombés hein, depuis ce début du match, ce qui empêche réellement les actions de pouvoir se développer, des phases de jeu se créer. Mais malgré tout, on sent Clermont en supérieur. Clermontois quasiment au complet pour disputer ces phases finales. Seul le pilier droit argentin Martin Schelzo est absent. Côté Perpignan, on vous a parlé de David Marty. Chris Cusiter aussi, le demi de mêlée international écossais, a déclaré forfait. Bozzi ou Pérez récemment. Il y a aussi beaucoup de blessés de longue date qui ont petit peu limité la profondeur de l'effectif pour cette demi-finale. Enfin, on a vu que du côté de Clermont, quand on a tourné, c'était pas forcément la même équipe sur le terrain. Exactement. Notamment à Bayonne. Oui. Clermontois qui ont inquiété un peu leurs supporters ces dernières semaines et sont en train de les rassurer. Introduction, bonne poussée, sortie pour Mignoni. Rock James. Oh, le changement de côté, la passe au pied de Rock James vers l'aile de Nalaga. Ce sera pas simple pour planter face aux Fidjiens. Et il préfère dégager presto en touche. Dur pour le jeune Adrien Planté face à Nalaga cet après-midi. Dur, et là un coup de pied décroisé de Brock James qui voit le positionnement de Montgomery, décide d'aller jouer dans le dos de Planté, qui là qui ne voit aucune solution face à l'envergure du Fidjien, qui ne fait pas le voyage à vide, qui met un bon petit plaquage. Tiens, souviens-toi de ça. Il marque son territoire, Nalaga. C'est elle là, ce côté du terrain est à lui. C'est là qu'il est passé pour marquer le seul essai pour l'instant de cette demi-finale. Groupe pénétrant Clermontois. Nalaga, il a 21 ans. Oui, il est tout jeune. Allez, bon travail des avants de Clermont. Pour l'instant, contenu par les Catalans. Non, debout. Il faut sortir ce ballon. Mignoni va pouvoir écarter sur James. Brock James pour Nalaga. Deuxième joueur, Tinkou intercepte, mais Comé en nouvelle en avant. Nalaga, il est difficile à arrêter malgré Youm, le joueur catalan le plus explosif, le plus puissant sur les plaquages. On voit qu'il a du mal à le stopper. Un véritable poison pour la défense catalane. On attendait le pack catalan sur sa puissance pour fatiguer son adversaire, mais quelque part c'est l'inverse qui se produit. Pour l'instant, le jeu a trop bougé pour que le catalan ne peut pas fixer cette équipe. L'initiative du jeu est plus du côté de Clermont que de Perpignan. Le pack était plus au-dessus un peu le jet de Clermont, évidemment, donc ça les fait se déplacer énormément. Mais en même temps, ils ont peu d'arguments, ils ont des arguments, ils ont peu de ballons pour les exprimer. Donc. Tout à fait. À 5 minutes de la fin de cette première période. Touché. Top. Vermeulen, belle passe entre les jambes. Mignoni, James. James croise avec Babi. Bien pris. Par Britz. Ah, Mignoni, allez, on repart sur l'extérieur. James revient pour la charge d'Emmanueli. Bonne conservation du ballon. On repart au large. Mignoni, James. James avec Joubert. Joubert plaqué, lâche le ballon. Récupération. Tinkou et les Catalans avec Larag qui peuvent réexpédier le ballon dans le camp de Clermont. Ce ballon qui sort en touche. Laurent Emmanueli est au sol dans les 22 mètres. C'est le pili gauche de Clermont qui a chargé sur sa charge d'ailleurs. Ouais, sur ce retour, pas eu d'option, donc il a été obligé d'aller pénétrer au cœur de la défense perpignanaise. Et là on voit Brock James qui vient croiser au dernier moment Benoît Babi qui lui donne une option de jeu. Là on va voir sur le retour Laurent Emmanueli qui vient à l'intérieur de Brock James, qui va aller percuter. Et l'action va se poursuivre avec. On sent ici la griffe néo-zélandaise avec ce passage à vide du premier centre dans le deuxième centre, dans le dos, pour déstabiliser la défense. Mais là, ça n'a rien déstabilisé malheureusement et le ballon était perdu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Thomas, mais quand même, c'était une belle position de drop quand même pour James. 13-0 à 3-4 minutes de la première mi-temps. Tu passes à 16-0, tu marques les esprits, tu mets deux drops. Surtout. J'ai quand même l'impression que ça aurait été plus efficace. Il était vraiment en super position. Ce que je crois qui aurait été plus efficace, c'est vrai qu'il y avait le drop à tenter, mais surtout, c'est peut-être se croiser entre les centres, que ce passage à vide n'était pas forcément nécessaire. Gavin Newell s'est soigné. Je vous rappelle
La première grosse information de ce week-end rugby que vous avez peut-être suivi en direct sur Sport Plus, c'est la victoire de Mont-de-Marsan en finale de Pro D2 face au Racing Club de France. Résumé dans quelques minutes à la mi-temps avec notre envoyé spécial Stéphane Le Goff. Il y a du changement dans l'air côté Clermontois. Absolument, la sortie provisoire de Laurent Emmanuelli et l'entrée de Domingo. Thomas Domingo. Jeune pilier extrêmement prometteur. Très mobile. Champion du monde, moins de 21 ans. Ouais, très mobile. C'est là aussi le rugby moderne, ça. On peut faire sortir un pilier, faire rentrer un autre, si vous voulez, pour en rentrer plus tard. Laurent Emmanuel est victime d'un plaquage un peu haut. Hein. Prise de balle de Jamie Cudmore, le puissant international canadien du PAC Montferrandais. Ce qui avance. Oui, messieurs. Après, dans le deuxième temps, c'est votre 4 qui est cool. C'est vous qui vous retrouvez en position, c'est vous. Il y a un contact. À cause d'un contact, perd le ballon. Introduction catalane. Et là, l'arbitre a considéré que c'était le joueur Clermontois qui a écroulé son propre regroupement. Il y a beaucoup de confusion au niveau de ses molles. Allez, peut-être les trois quarts catalans avec le très rapide Julien Candelon qui donne à Montgomery qui repique vers l'intérieur. Le soutien là, c'est planté. Bonne défense clermontoise avec Audebert. Ballon conservé par les Catalans. Renversement, Durand, Larag, Youm pour Tinku. Affût de Tinku sur Zirakashvili. Attends, ballon perdu. Le ballon. Et encore un en avant. Ah, c'est le mal catalan aujourd'hui. Hein. Beaucoup de ballons perdus. On n'a pas beaucoup de possession. On n'a pas beaucoup le ballon et là Tinku va encore au contact, perdre ce ballon et empêcher son équipe de pouvoir créer des phases de jeu pour déstabiliser la défense clermontoise. Là, un bon ballon donné par Candelon à Percy Montgomery qui va dans la défense, il fait sa passe à planter. Il permettra à l'action de rebondir de l'autre côté. Allez, nouvel arrêt de jeu, regardez aussi tous les soigneurs qui se précipitent sur le terrain avec ravitaillement indispensable en eau. Parce que c'est un peu comme une étape de montagne du tour sous la chaleur. Il faut énormément se désaltérer. Thomas veut voir une stat et on voit dans son rôle de porteur d'eau, très esprit, très sport, Julien Malzieu qui parle même avec Napoléon Inalaga. Ça c'est une belle image, Thomas. Oui, il lui dit ce qu'il peut ressentir, c'est très bien. Alors, on voit ici la possession, le Clermont qui domine, alors pas réellement de façon, très très net depuis le début du match, mais on voit quand même qu'ils ont passé énormément de temps dans le camp adverse, ce qui leur a permis de pouvoir marquer des points importants pour pouvoir se dégager au score. Mignoni, James, jeu au pied, bien dosé, il fait cavaler Candelon, attention parce que Rougerie est sur lui, Montgomery en touche. Certains constats d'impuissance hein, côté catalan. Oui, et puis surtout, dès qu'on essaye d'enchaîner, on tombe le ballon, on n'arrive pas à créer des phases de jeu. Alors que l'équipe clermontoise, même si elle a tombé quelques ballons, a été beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus tranchante de par Babi. Rob James avec son jeu au pied, bien sûr Nalaga qui est venu concrétiser la domination de cette équipe. C'est complet, qu'il n'y a pas de défaillance au niveau de cette équipe. Super Mario a trouvé l'un de ses deux chouchous en touche. C'était Bonner. J'ai un doute d'ailleurs, Bonner et Privat, parce que généralement c'est ou Bonner ou Privat qui prend le ballon en touche. Julien Bonner plutôt en fond, Privat plutôt en début d'alignement. Et à eux deux, ils font une moisson terrible avec Domingo qui s'arrache et qui charge près des 22 catalans dans la dernière action peut-être de cette première période. Et c'est une pénalité pour Clermont. Faute de Tinku. Une nouvelle faute. Nouvelle faute de Tinku face à l'impuissance de son équipe qui a décidé d'écrouler son regroupement. Il ne savait pas comment arrêter cette avancée. À la sirène, Thomas. À la sirène. Il y a match nul concernant les pénalités concédées, mais Perpignan les a prises dans son camp. Oui, et puis un avantage indéniable à cette équipe de Clermont hein, qui a maîtrisé de la tête et des épaules ces débats depuis le coup d'envoi. On les voit ici, présents devant, présents derrière, capables de déstabiliser la défense catalane à n'importe quel moment. Et qui a fait moins de fautes, moins d'indiscipline. Et ça se ressent au score, bien évidemment.
Ce sera la mi-temps. Après cette pénalité que va tenter Brock James, qui a déjà réussi un drop, une pénalité et une transformation. Il ne reste plus que l'essai pour le grand Chelem. Et son échec marqué avec ce petit ballon rouge est survenu quasiment du même endroit. Ça passe. 3 points de plus pour Clermont qui vire à la mi-temps 16 à 0. Je veux un périmètre sécurisé à 2 mètres. Si un reporter essaye de passer, arrêtez-le. La victime a été coupée en deux. Elle a été vidée de tous ses organes et de son sang. Et sa bouche a été ouverte d'une oreille à l'autre. Monsieur, pouvez-vous nous assurer de capturer ce monstre avant qu'il ne recommence? Nous allons attraper ce tueur. Trouve quelque chose sur cette fille. Elle disait qu'elle voulait faire du cinéma. Pas étonnant qu'elle se soit fait tuer, hein. J'ai fait l'amour avec Elisabeth une fois. Je voulais voir comment c'était de le faire avec une fille qui me ressemblait autant. Le réalisateur de Scarface et des Incorruptibles plonge aux racines du mal. Rien ne reste enterré à tout jamais. Rien. D'après James Ellroy, le Dahlia noir de Brian De Palma, vendredi 20h50 sur Canal+. Suivez le Top 14 avec Orange. GMF, assurément rugby, assurément humain. Avec Société Générale, par amour du rugby. 40 minutes pour renverser la vapeur pour les Catalans, 40 minutes pour aller au Stade de France pour les Clermontois. C'est Thibaut Privat qui récupère illico le coup d'envoi. Pour Perpignan, il va falloir marquer vite. Vous l'avez vu, Mont-de-Marsan était mené 12 à 0 avant de gagner le match. Il y a 16 à 0 pour Clermont, mais il va falloir vraiment s'employer d'entrer dans cette deuxième période, comme Montgomery ici, donc il ne préfère pas jouer rapidement cette touche. Surtout, il va falloir scorer très vite pour revenir dans ce match. 16 à 0, c'est vraiment un gros handicap. Vous dites scorer, il n'y a eu qu'une occasion de scorer pour Perpignan, une pénalité de Montgomery qui est passée de peu à côté. Sinon, les Catalans n'ont pas réussi à menacer la ligne de Clermont. Lancé, Marius Tinkou. Cet enfant de touche pour Vaki. Non. Et encore un en avant. En avant Clermontois, c'est facile. En avant Clermontois, cette fois. Pas vous, votre forcément flagrant. Ouais. Allez. Le joueur Vaki qui ramène le ballon dans son camp. Pas de ballon. Difficile à juger. Flexion, touché, stop, un deux, plus haut, deux. Durant la rague pour lancer l'attaque catalane, croise avec Gavin Hume, bien pris par James. Ça rebondit aussitôt avec un ballon qu'a failli oublier Tuilagi, qui récupère une extrémiste. Charge de Tuilagi sur Canale. Ça ressort, renversement Durant, la rague. Allez, envoie du jeu les Catalans. Gavin Hume maintenant, intérieur, avec le fait là de Zira Kajvili sur le joueur catalan. Ça repart grand côté avec la rague, avec Porcu, Freshwater le capitaine maintenant. Sans qu'on veut dynamiser un peu plus. Vite, Larag qui attaque un peu plus la ligne. Durant. Alors voici Larag. Cette fois, c'est pour un jeu au pied. Pas très bien ajusté directement dans les bras d'Aurélien Rougerie, le capitaine Clermontois. Tranquillou. Un dégagement. Le beau contrôle de la poitrine en hommage à l'OM de Viljani Vaki. Un beau contrôle que Samir Nasri n'aurait pas désavoué. Attention, Lara le croise avec Gavin Hume encore, qui passe la ligne, qui est pris et qui a lâché le ballon. Tacage de Thibaut Privat. Malgré tout, ça va permettre à Perpignan de retrouver un peu de confiance. 3-4 temps de jeu sans perdre le ballon. On s'en est débarrassé un peu facilement. On va voir Tuilagi là qui essaie de récupérer avec Canale et Vermeulen qui essaie de le plaquer. Alors Tuilagi. C'est du béton, hein, il a fracassé les défenses anglaises au cours de ses années à Leicester et depuis qu'il arrive dans le championnat de France. Vraiment un élément important dans le parc catalan. Tu m'as dit d'ailleurs qu'il se plaisait bien là. Tuilagi ? Oui, Tuilagi. Brock James. Oh, Manas, lobé. Figurez-vous que les dirigeants catalans ont invité toutes les familles des joueurs
Et que tu la guis, lui, la famille, c'est costaud. Il y a madame, les 5 enfants et la nounou qui sont tous venus au stade. 18 places, oui. Pour soutenir leur équipe. Franck Azema ici, t-shirt blanc derrière Jacques Brunel. Azema qui a joué à l'ASM, qui a même gagné un bouclier européen avec les Jaunards avant d'entraîner maintenant les trois quarts de Perpignan. Perpignan qui a récupéré 3 lancers clermontois. Celui-ci, lancé de Tinkou, bien pris par Vaki. Vous voyez Canal Plus au cœur de la mêlée. Un beau ballon des phases finales du top 14. Ballon collector pour les heureux personnages qui réussissent à en récupérer quelques-unes. Malaga. Malaga. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il va s'empaler sur la défense et perdre le ballon. Comme quoi, même les meilleurs peuvent faire les fautes classiques. Durand. Allez, la réaction catalane peut-être maintenant avec Jean-Philippe Grand-Claude. Montgomery. Montgomery qui rapide vers l'intérieur. Trouve le soutien avec Nicolas Durand qui a du mal à capter ce ballon. Et encore. Il y en avant repris en jeu, mais c'est hors jeu accidentel. Un en avant. Il y a un blessé côté clermontois, fait signe au Debert. Ouais, j'ai l'impression que c'est Jean-Philippe Grand-Claude qui a bien. Et c'est Mario Joubert côté catalan. Non, je pense pas que ce soit grave ni pour l'un ni pour l'autre. Et là on voit Montgomery qui rentre bien dans la défense. Il voit que la défense glisse, donc il crochette intérieur, il essaye de garder ce ballon, mais malgré cela, la transmission avec Nicolas Durand ne peut se faire. Un petit en avant et empêche clairement de pouvoir attaquer, recréer une nouvelle phase de jeu. Un bleu. Alors du changement. Un bleu, changement. Et le 5. Alors que les supporters clermontois donnent de la voix. Freshwater sort et Porcus sort aussi pour peut-être le dernier match de sa carrière, puisque l'année prochaine il sera entraîneur-joueur en Fédéral 3 dans son cher club de Toreil. On va lui faire des statues à Toreil. Position, flexion, touché. Alors le speaker annonce que c'est Alvarez Carellis qui est sorti, mais je crois que c'est Porcus. Alors que Pignoni prend le trou. C'est sûr, on vient que c'est Porcus. Ouais. C'est sûr. C'est Porcus qui a été remplacé par Nathan Hines. Donc, hein. Ouais. Il y a une grosse semaine voilà. Catalane. Et Perry Froschwater est en train de se faire soigner sur le bord de touche aussi. On ne peut pas critiquer le speaker de Marseille qui, quand même, s'y connaît un blanchou, il y a plus en foot. Deux journées, il est bien l'Oïgui. Salut l'Oïgui. Bon souvenir pour lui. Allez, l'équipe de France vient régulièrement jouer des test matchs ici au stade Vélodrome. Tant qu'ils ne nous annoncent pas la rentrée de Zizou sur le terrain. Ça, ouais. Stade Vélodrome où Toulon, champion de Pro D2, envisage de jouer un ou deux matchs de championnat de top 14 la saison prochaine. Ce ne sera pas contre le Racing. Hein. Ce ne sera pas contre le Racing, la Guy, non, désolé pour toi. Mais ce sera peut-être contre le champion de France ou contre le stade français ou le stade toulousain. On en reparlera avec le président toulonnais, Mourad Boudjelal. Allez, charge catalane sur la ligne médiane, pile poil, ça ressort pour Durand. Là, allez, on combine tout ce qu'on peut derrière avec Grand-Claude, sans franchir ce rideau défensif. Clermontois, Durand qui lâche le ballon et qui va peut-être offrir un bon ballon de contre Clermontois. Marius Joubert, épaulé par Audebert. Mignoni. Avantage terminé. Brock James, passe au pied de Brock James. Sur l'aile, il y a Ledesma, il y a Rougerie aussi. Rougerie qui arrive face à Candelon, qui le plaque bien aux jambes. Qui sait que Candelon est difficile à saisir, qui s'est jeté dans ses jambes. Très bien joué de la part de l'ami Eternel. Allez, monsieur le ballon. Et hop, ça sort pour le dégagement de Gavinium. Qui marque un peu l'impuissance catalane. Il va jouer vite, Brock James. Pour son trois quarts centre, Gonzalo Canale. Canale, Nalaga. Nalaga qui a du mal à contrôler son ballon, qui échappe quand même. Ananas. Et Nalaga qui file vers le deuxième essai de Clermont. Peut-être un essai de la gagne, même s'il reste beaucoup de temps. Napoleoni, Nalaga, Monsieur Plus. 18e essai dans ce top 14. Quel phénomène. Non mais lui, il s'amuse comparé aux autres. Une facilité d'exécution. Capacité de raflure, on le voit là. Clermont s'en sert et s'en sert bien. Avec une belle passe. Voilà, et là on voit Manas qui essaye d'anticiper malgré tout, qui se fait prendre. Et puis impossible de le rattraper. Regardez ça, il court à la Fidjienne. C'est pas bizarre, il plonge. Il a le sens du spectacle. Inarrêtable. Et encore un raffut sur Manas. Regardez-moi ses cuisses. Il a une explosivité absolument remarquable. Il court comme un félin alors qu'il fait 110 kilos. Repéré au championnat du monde des moins de 21 ans qui avait lieu à Auvergne il y a quelques années et passé ensuite par le centre de formation
où il a progressé. C'est un gaillard invraisemblable qui peut jouer troisième ligne et qui explose littéralement cette année. Troisième ligne et centre. Ça oui, centre mal aussi comme contre-axe. Au point, on vous l'a dit en début de match, de reléguer en tribune, même pas sur le banc, un joueur qui était en équipe de France lors du dernier tournoi, c'est Julien Malzieu. Brock James pour la transformation qui va passer à côté de peu. Le score 21-0 pour Clermont. Voilà, Malzieu dans le rôle du porteur 2, mais qui en bon... Malzieu de Nalaga apprécie le travail de son pote rival. Bien sûr, mais Malzieu, il faut expliquer, Malzieu il joue n'importe où dans n'importe quelle autre équipe française. Donc il n'y a pas à craindre pour son potentiel. Mais alors Nalaga, ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il a fait tout au long de la saison, on disait, est-ce qu'il peut marquer face aux grosses équipes? Eh bien, on a la preuve aujourd'hui. Monsieur Nalaga est présent à tous les moments de la saison. Okay. Le top 14 a trouvé une nouvelle star. Il y avait Rupenissa, Osoni, Boussa. Regardez la stade des franchissements des deux équipes. Elle est parlante, hein. Elle est très parlante, Thomas. Oui, ouais, très parlante. De part aussi le fait que Clermont arrive à monopoliser le ballon, à créer des phases de jeu. Donc ils arrivent à s'engouffrer dans cette défense. Ils sont plus physiques. Et on sent véritablement le regard de Brunel est véritablement impuissant face à la densité et à la puissance clermontoise. Il y a une certaine logique, Clermont, premier de cette longue première phase du top 14. Perpignan, quatrième, qui a dû batailler pour se qualifier. Allez, les sursauts maintenant de Tuilagi. Et du coup, la logique respectée et le score lourd pour les Catalans, même si le match n'est pas fini, avec Durand qui essaye de s'infiltrer au ras du regroupement. Non. On se bataille dans cette nuit ouverte. Non, non, rien, ça passe. C'est pas que la frustration catalane se ressente par de l'indiscipline. Voilà la présence de Domingo qui fait un gros travail au sol, qui arrache ce ballon. On va voir les avants. Catalan qui était arrivé derrière pour le récupérer. Malgré tout, de bonnes actions du côté de Perpignan qui veut se ressaisir, qui ne veut pas laisser le match se terminer comme ça. C'est une humiliation pratiquement pour eux, donc il faut absolument marquer des points. Ouais, parce qu'être Fanny à Marseille, évidemment, ça a une saveur particulière. Encore un avant-ballon relâché par les Catalans. C'est l'avantage, ils maîtrisent pas le coup de pied, donc on revient. Ouais, c'est un peu aussi ce qui leur est arrivé depuis quelques derniers matchs. Pardon ? Alors qu'il restait sur une série de victoires impressionnantes, on vous avait dit, il y a 12 victoires sur les 14 derniers matchs qui leur avaient permis d'arracher cette place en demi. C'est vrai qu'ils n'avaient pas réellement convaincu au niveau du jeu. Malgré tout, ils avaient su retrouver les ressources nécessaires pour pouvoir aller gagner des matchs au dernier moment. Ils avaient fait ça à Bourgoin où ils avaient gagné un bon match. Et ils ont fait ça face à Clermont où ils ont gagné ce match dans les dernières minutes. Et ce qui leur a permis d'enchaîner, de pouvoir reprendre confiance et de pouvoir se qualifier pour les demi-finales. Malgré tout, aujourd'hui, on sent qu'il y a un gros manque du côté de Perpignan. Et il vous reste un petit peu pour de temps encore pour donner une note à ce match. La Guille, j'arrive comme lors des matchs de phase régulière. On ne change rien pour les demi-finales. Et la finale que vous suivrez sur Canal la semaine prochaine, la note du match par SMS au 616-16 à la Guille, pardon. Non, on va laisser passer la mêlée. C'est juste pour en revenir à cette analyse que tu faisais, Thomas. C'est évident que les grosses équipes normalement commencent comme une balle, ont un petit trou et après sont en pleine forme en phase finale. Là, il se trouve que c'est un peu le contraire pour Perpignan. Hop, attention maintenant, c'est Vermeulen qui s'arrache. Vermeulen, percussion. Montgomery met au sol. Ouais. Bonne libération du ballon pour Mario Ledesma. Et ça repart sur le grand large. La magnifique passe de James. Joubert, Babi, fête de passe de Jabi. Babi, c'est magnifique. Il se plie, il repique vers l'intérieur. Il est pris à un mètre à peine. Le plaquage de Vaki. C'est le troisième essai de Clermont qui chauffe. Mais ce sera une pénalité pour Perpignan. Très bien joué de la part de Candelon. Babi qui s'était engouffré, qui a peut-être oublié. On va le revoir sur son côté, son ailier rougerie. Le plaque rouge. Voilà, il voit la rague glisser, donc il décide de s'engouffrer. Là, peut-être il a l'occasion de donner la balle à Rougerie et Candelon qui va se ressaisir, qui va aller pouvoir lutter avec Babi au sol, pouvoir lui arracher ce ballon. Gros travail de Julien Candelon qui vient sauver l'équipe catalane. Qui peut se dégager par ce coup de pied. Il reste une demi-heure encore dans ce match quand même. 21-0. Oui, Eric, pour finir, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est évident que les Perpignanais ont fait un tel effort d'énergie pour revenir à hauteur des quatre premiers, tellement ils ont donné que physiquement, ils sont peut-être un peu... Ils ont fait une magnifique fin de saison, c'est vrai. Et là, on le voit, vous savez, depuis après un quart d'heure, là, vous savez, il y a Arnaud Coste, notre pitch reporter qui est dans le coin, qui travaille pour nous, et qui me disait que les Catalans sont souvent... Émoussés. Ils sont en posture de récupération assez souvent sur les touches. Lagui, quelle est la différence entre Perpignan et les trois autres demi-finalistes, Clermont, Toulouse et le Stade français? Effectivement, Perpignan a quasiment bataillé jusqu'au bout.
Alors que Clermont, Toulouse et Paris, ben, on fait tourner leur effectif, on fait reposer des joueurs très sollicités, même s'il faut rappeler que les Toulousains ont eu trois matchs de plus parce qu'ils sont allés en finale de la Coupe d'Europe, mais ils ont pu préparer ces demi-finales alors que les Catalans, eux, ne sont officiellement qualifiés qu'à peine depuis deux journées, je crois, avant la fin du Top 14. Il y a eu un retard à l'allumage du côté des Catalans, ce que l'on a expliqué en début de championnat pour les raisons que l'on a expliqué tout à l'heure, et puis peut-être qu'ils le payent aujourd'hui avec cette belle fin de saison, voilà, aujourd'hui avec un effectif peut-être amoindri par les blessures, et bien des joueurs un peu fatigués sous la chaleur marseillaise face à une équipe de Clermontoise remplie de convictions et de certitudes. D'ailleurs les buteurs, je suis persuadé que les buteurs catalans ont pour consigne de trouver les touches du côté de l'ombre du vélodrome. Ouais, de trouver les touches tout court, parce que dans l'imprécision, dans le jeu un peu confus, on sent que Clermont est capable de trancher à n'importe quel moment. Le jeune international Guillaume Guirado vient de remplacer Marius Tinkou. Lui, c'est un petit peu l'avenir de l'USAP, qui est en même temps une équipe en reconstruction cette année, qui a changé de président, d'entraîneur en cours de saison, qui a vécu les départs de joueurs cadres comme Bernard Gouta, qui est devenu entraîneur, Michel Cognac, qui a pris sa retraite, qui peut-être ne s'attendait pas forcément à être aussi compétitif dès cette saison. Qui veut changer son style de jeu aussi. Donc, et sur laquelle il faudra compter vraisemblablement dès l'année prochaine. Tout à fait. De toute façon, chaque année, il faut compter avec Perpignan, qui est une des grandes et belles équipes de ce championnat. Il y a oublié le ballon en route. Vaki s'est jeté dessus, l'a récupéré. Allez, réaction catalane, la passe pour Mas maintenant. Nicolas Mas, plaqué par Prival. Lâché ce ballon. Domingo le récupère. Aurélien Rougerie peut-être pour amorcer une relance. Rougerie accroché en raffut aussi comme Nalaga. Pierre Mignoni touché au visage. Brock James dégage alors que Mignoni se fait soigner. Brock James, Candelon sauve la touche. Un peu comme Montgomery tout à l'heure en première période. Et après l'avoir sauvé, eh bien, il ne la trouve pas. Contrôle de pied de Rougerie. Et c'est reparti pour les Clermontois. Rougerie qui résiste. Qui est plaqué par Chaubet. Roger, il a vu faire Malaga, il s'est dit, attendez, moi je suis capable de faire ce qu'il a fait. Exactement, on a rien perdu le ballon, les Clermontois, qui est ressorti pour Heinz avec Mas, Larag. Là, c'est une bonne opportunité. Gévignum qui a échappé un plaquage, passe au vide d'Aubert. Nicolas Mas perd le ballon encore une fois sur l'impact. Et va faire monter la stat des en avant de Perpignan, la Guille. Rapidement, parce que Marius Tinkou va sûrement se remettre avec les remplaçants là-haut dans les tribunes. Marius, on vous sent quand même difficilement physiquement. Hein. On sent que vous êtes fatigué. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous le ressentez, vous, collectivement sur le terrain? Je sais pas si c'est une fatigue, mais c'est une. On est pris à la gorge, quoi, depuis qu'on a commencé à être bien là, dans le championnat. On avait toujours un coup de chance, on s'en sortait. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre notre jeu. Ils ont un système de jeu qui pose beaucoup de problèmes. Et ils nous font courir partout et ça nous met en mal, quoi. Marius, c'est étonnant un Roumain qui a l'accent catalan comme ça. C'est joli en tous les cas. Ça fait 3 ans que je suis en Catalogne, là je vais être encore pour 2 ans, j'espère. Et bon, j'essaie de m'adapter à toutes les régions par où je suis passé. C'est pas difficile, hein. On en a envie. Merci Marius. Lagui, bravo, nous sommes à Marseille, vous interviewez Marius, Perpignan et Fanny. J'espère que vous aurez bientôt un César dans votre belle carrière cinématographique. Oh là, c'est très beau. Ouais, oh là là. Fallait pas la rater celle-là. Oh là là là. Regardez les en avant, 14 à 6. Allez, on y va. 14 en avant catalan dans cette demi-finale. Oui. Eric, changement du côté Clermontois, la sortie de Marius Joubert et l'entrée d'Anthony Floch qui va probablement se positionner à l'arrière. Benoît Babi passe au centre. Exactement. Anthony Floch, autre joueur international qui a joué le tournoi avec l'équipe de France et qui n'était pas dans le 15 de départ, c'est dire l'effectif, le potentiel de Clermont. Départ d'Elvis Vermeulen. Sortez, plaqueur. Mignoni. La charge de Super Mario Ledesma qui rêve du bouclier de Brennus. N'oublions pas que son petit frère Pedro l'a gagné avant lui l'an dernier avec le Stade français. De bataille. Vermeulen, Cudmore qui s'est beaucoup discipliné depuis que Ryan Cotter a pris les rênes de cette équipe clermontoise en le voit moins dans les mauvais coups, le Canadien. Chandelle, Candelon en dessous. On attend le petit éclair, l'inspiration catalane qui les remettrait un peu dans le match. Mais viendra-t-elle de Tuilagi, par exemple? Tuilagi bien pris, bien muselé, regardez le plaquage de Bonner, il n'arrive pas à se lancer, il n'arrive pas à créer des brèches dans la défense. On a mis un bon Ferrandez.
Durant, Montgomery impuissant, lui aussi, Manin, intérieur, ça ne passe pas. Surtout sous l'ombre, cette équipe. Durant, la rague, Tuilagi encore, Souba, oui, qui se démène, qui avance, mais ne crée pas, ne fait pas la différence. Durant, Alvarez, Kairedi, ça maintenant c'est Brix qui s'enfonce, qui cherche le soutien, qui joue au pied, pour lui-même ou pour Canelon, c'est pour Brock James, arrêt de voler accordé. Au demi d'ouverture australienne. Ouais, pour la première fois, on a réussi à franchir le rideau défensif Clermont-Trois sur une remise à l'intérieur. On va voir là, voilà, gros plaquage. Alvarez Carilis qui arrive à rester debout, qui fait sa passe à Britz, qui lui va très très mal jouer au pied en troisième ligne alors qu'il avait le soutien de Candelon. C'est un peu une occasion gâchée. Zirakashvili se fait soigner. Oui, et c'est très compliqué physiquement pour les deux équipes hein, parce que Zirakashvili souffre de crampes. Nicolas Mas est au sol aussi, oui. Et semble souffrir du genou droit. Il y a, j'aperçois aussi Jamie Cunmore qui a besoin de soins et Elvis Vermeulen qui a l'air aussi solé. C'est très très difficile pour tous les joueurs sur le terrain. Ouais, on perd beaucoup d'eau donc. Il y a quand même un énorme combat physique, une énorme bataille. Alors que Madame Tuilagi ici. Puis ouais, les exploits. Tuilagi souffre sans doute avec son mal. Il y a des joueurs perforants de cette équipe qui arrivent à franchir. Et pardon de vous interrompre Thomas, mais un changement très important. Zirakashvili est sorti, remplacé par John Smith, qui veut dire que John Smith va jouer au poste de pilier. On a vu là les franchissements 12-2. Véritable domination clermontoise, mais dans les deux franchissements catalans, Tuilagi a été très actif. Thomas et lui là, on parlait de l'effectif de Clermont. John Smith, capitaine des champions du monde, qui n'est que remplaçant, mais qui est sacrément utile puisqu'il peut jouer aux trois postes de la première ligne. Oui, quand on est capitaine de l'équipe championne du monde, on se retrouve remplaçant. Même si c'est Clermont, je pense que ça doit être frustrant. Malgré tout, Clermont a l'habitude de gérer ce genre de situation. Les joueurs se mettent au diapason. Tout le monde loue son état d'esprit. Et il rentre là, pilier droit, poste le plus difficile. Qu'il occupait en Afrique du Sud, qu'il a occupé, mais il n'y avait pas joué depuis 8 ans à s'y remettre cette saison avec Clermont. Tiens, d'ailleurs, la mêlée, petit peu souffert. Un peu de souffrance. John Smith, comme Montgomery, a disputé les deux tests et a gagné les deux tests contre le Pays de Galles avec les Springboks et est revenu pour disputer les demi-finales. Pour lui, il connaîtra le Stade de France où il a été sacré champion du monde, vraisemblablement pour la finale du top 14. Le match n'est pas fini, on va voir. Flexion. Mais même si ça en prend la direction, c'est vrai qu'être remplaçant, mais pouvoir peut-être toucher le bouclier de Vénus, je pense que c'est déjà quelque chose de très beau dans la carrière d'un joueur. John Smith d'ailleurs peut-être plus fatigué que Montgomery parce qu'il a davantage joué lors des deux tests contre le Pays de Galles. Tout à fait. Ouais, Montgomery était remplaçant, était rentré. Il a marqué un essai d'ailleurs lors du premier test. Flexion, touché. Ouais, mais cette était venu au bord d'un regroupement pour aller scorer. Durant, Larague, Youm avec Larague qui a redoublé. Montgomery maintenant, Montgomery un peu arrêté et facilement ceinturé par la défense de Clermont, épaulé quand même par Manas. Durant, Larague, allez on voit pas les Catalans ne pas sauver l'honneur. Britz maintenant, bien pris par Bonner. Ça ressort pour Nathan Hines avec Gavin Youm. Pénalité. Oh, c'est un rock, c'est immédiat, contact immédiat. Voilà, l'arbitre considère que le joueur de Clermont, Cudmore, a empêché le ballon de pouvoir être libéré. Il a gratté au sol alors qu'il était lui-même au sol. Alors les Catalans, vous le comprenez bien évidemment, ne vont pas tenter cette pénalité, quitte à risquer de rester Fanny. Il leur faut essayer d'aller marquer un essai pour revenir au score parce qu'effectivement il reste quand même 22 minutes. Imaginons qu'ils marquent un essai transformé et un deuxième dans la foulée, le match serait complètement relancé. Il y a eu des retournements de situation assez importants dans le passé, donc rien n'est acquis, surtout en demi-finale, et il ne faut pas nourrir de regrets à la fin du match. Lancé pour Guillaume Guirado. Allez, c'est peut-être l'un des derniers ballons permettrait à Perpignan de reprendre espoir, un tout petit peu dans ce match. D'abord bien assurer la conquête, ce qui est fait péniblement avec Vaki sans pouvoir organiser derrière. Reculez-vous, un groupe pénétrant. Pas de faute. On attend les Clermontois. C'est bon, elle est sortie. Elle est sortie. De faute, elle est sortie. Récupération Smith et puis Mignoni. Belle occasion perdue par les Catalans. Mignoni qui met la pression sur Candelon, qui réussit quand même à se relever avec le ballon, qui résiste.
Mêlée ouverte, Durand va pouvoir relancer l'attaque catalane qui a perdu quand même 50 mètres alors que certains joueurs catalans ont un peu de mal à se replacer. On sent que physiquement c'est émoussé. Et il y a même un joueur, Vaki, qui a des crampes. Pendant que Nicolas Mas, lui qui fait un bon match, charge et avance d'une dizaine de mètres. Durand, Larag, Larag lance Gevinium avec le soutien de Guy Rabeau. Non, lâchez ! D'ailleurs. Durand sur le fermé maintenant avec Gevinium. On a beaucoup loué la qualité du jeu de Clermont basé sur l'offensive. Il faudra aussi un peu parler de la défense avec Vaki en position d'ailier maintenant. Viviani Vaki, le ballon qui ressort, Durand, allez, renversement, ça va repartir avec Larag, Larag, la passe pour Guy Radeau avec Grand-Claude Paquet dans les 22 par Nalaga. Il faudrait que ce ballon ressorte vite pour les Catalans, c'est fait avec Gevinium. Avec Durand maintenant, pour Julien Candelon et ses appuis, sa vitesse, ça ne passe pas, il est pris par Bonner, par Domingo. Durand. Et cette équipe catalane qui cherche par tous les moyens à franchir le rideau défensif de Clermont, mais pour l'instant impénétrable. Thomas, on parlait, je vous le disais, beaucoup de l'attaque de Clermont alors que Verne Cotter est descendu de sa tribune. Ouais, qu'il a jeté son talkie-walkie qui ne fonctionnait plus visiblement. Mais Verne Cotter a amélioré Clermont en attaque, en défense, en discipline. L'an dernier, la défense de Clermont n'était que la 7e du championnat. Cette année, c'est la 2e derrière Biarritz et on en a une petite illustration aujourd'hui, Thomas. Pour pouvoir évoluer au plus haut niveau, il faut être présent partout. Alors faire du beau jeu, c'est bien, mais c'est surtout encaisser le moins de points possible pour avoir en scorer le moins possible aussi. Donc Clermont est présent sur tous les tableaux cette année, en attaque, en défense, sur le jeu au pied avec Brock James, même s'il n'a pas eu forcément la même réussite que l'année dernière, il est très présent dans le coup de pied de déplacement. Une équipe vraiment complète avec beaucoup de joueurs. Alors on voit ici la stat possession. Perpignan qui a beaucoup plus le ballon en deuxième mi-temps mais qui n'arrive pas à bien l'utiliser. Clermont qui subit, mais malgré tout, qui reste tranquille, qui n'a pas donné d'opportunité à Perpignan. Ouais, enfin, du changement côté clermontois avec la sortie de Jamie Cunmore et l'entrée de Christophe Sanson. Sanson qui a été préféré à l'international Loïc Jacquet. Il fait une belle saison, Christophe Sanson. Et Jamie Cunmore s'est testé à l'échauffement. Il avait ressenti ce matin une petite pointe musculaire. Il s'est testé. Alors qu'attention, il y a un magnifique striker. Oh non, c'est pas un vrai. Alors, il fait le malheur, mais quitte à le faire, autant le faire à l'intégrale quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'il risque pas de s'enrhumer avec le temps. Et maintenant, attention, le sprint des Stadiers. Et plaquage. Bien ceinturé. On dirait les vachettes. Elle n'a pas de corne, celle-là. Hein. C'est un enfer, ami. Il a l'écharpe de Clermont. Ah, voilà, il n'est pas sûr qu'il puisse voir la finale. Hein, il y a un dilemme entre les. Parce qu'ils ne savent pas où le ramener. Alors, à droite ou à gauche, alors, il tire les bras. Il est costaud, en fait. Ah, le soleil rend fada parfois. Ouais. Et une information, Eric, aussi très importante à propos de Jamie Cunmore. Vous parliez de ses petits soucis avant le match. Là, il en a de nouveau des soucis parce qu'il est touché à l'épaule. Cunmore, qui comme Priva l'an dernier, avait dû abandonner la finale contre le Stade Français en cours de match parce qu'il était blessé. Et ça avait compté dans le succès des Parisiens, comme le reconnaissait cette semaine dans la presse David Oradou, l'ancien capitaine du Stade Français. Candelon pour Perpignan. Allez, c'est crochet, hop, pris par Rogerie. De l'un des joueurs les plus percutants de l'équipe. Clermont, Thomas, ne lâche rien dans cette demi-finale. Ici même au Stade Vélodrome, où les Clermontois avaient battu le Stade Toulousain l'an dernier. Clermont se dirige lentement, mais très sûrement, vers le Stade de France. Avec une nouvelle charge de Nicolas Mas. Et le pilier international qui aurait été l'un des Catalans les plus en vue. On combine derrière, on croise beaucoup avec Alvarez Carelli. Ici, il tombe sur Bonner. Que peut faire Tuilagi? Eh bien voilà, peur une fois, un peu perforé sur quelques mètres, mais pas plus. Il a été plaqué par Sanson. Le ballon ressort. Larag, faites de Larag. Il va passer et il va aller marquer l'essai. Allez, on va dire l'essai de l'espoir à 18 minutes de la fin. Premier essai de l'USAP. Il ne repartira pas Fanny de Marseille. Maintenant, attention à ce qui peut se passer dans les toutes prochaines minutes. Ouais, très bon essai de l'USAP, Nicolas Larag qui a su identifier le joueur qu'il avait devant lui. Alors là, essai initié par Tuilagi qui est allé perforer. Et là, Larag qui voit qu'il a
un avant face à lui, Domingo, qui se replaçait et qui fait un crochet intérieur. Voilà, et qui court pour aller marquer cet essai avec une petite crampe sur la fin. Là, Nicolas Larrague qui s'est fait oublier. Voilà, regard extérieur, crochet intérieur, belle attitude. Il n'a plus qu'à sprinter, même si on sent qu'il est bloqué par sa douleur musculaire. Il était tard, il était plus que temps pour Perpignan de marquer les premiers points dans ce match, la guille. Oui, avec Jacques Brunel. Jacques, il s'est passé quelque chose à la mi-temps. La première mi-temps, la deuxième mi-temps vous donne beaucoup plus de ballons, vous êtes mieux, en jambes. Bizarrement, au moment où on pense que vous êtes fatigué et fini, vous revenez. Et on a commencé simplement à entreprendre, à jouer. Et au bout d'un moment, même si on a mis longtemps, puisqu'on a mis 20 minutes, on a réussi à trouver la faille. C'est ce qu'il fallait faire, sauf que maintenant, je pense qu'il sera trop tard. C'est beaucoup trop tard. Il aurait fallu commencer le match comme ça. Alors la faille est où? Elle est au centre? Comment? La faille est au centre, j'ai l'impression, non? Au milieu de terrain? 6. Dans les espaces. Il n'est peut-être pas définitivement trop tard si jamais Perpignan réussissait à marquer là, dans les 2 minutes qui viennent, un nouvel essai transformé. C'est jamais trop tard, demandez aux Turcs. Voilà, l'Euro peut nous servir de référence. Enfin, les Turcs, ils n'avaient pas 21 points à remonter. Ouais, mais quand ils étaient menés 2 à 0 en foot, et ils avaient gagné 3-2. 2 à 0, c'est comme 21 à 7. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas terminé. Clermont doit se méfier. Par contre, il a loupé la transformation. Il a loupé la transformation à un moment donné. Tiens, j'avais vu passer. Il ne semble pas qu'il ait loupé la transformation, les gars. Ben, je ne sais pas. Moi non plus. Non, il l'a réussi, la transformation. Je l'ai vu passer, moi. Oui, je l'ai vu passer. J'ai une 21-7 sur ma fiche. Ah, excusez-moi. C'est un petit instant rare d'inattention dans le cas régie où il y a tellement de choses à faire que parfois. On en oublie les deux petits points de transformation. Brock, je vais faire lui-même par-dessus, le Montgomery en avant. Et on peut se douter que Clermont va essayer, Thomas, de remettre un coup d'accélérateur illico. Porter la dernière estocade, marquer ces derniers points qui peuvent leur permettre de se mettre définitivement à la brise. On laissait Perpignan revenir dans ce match en deuxième mi-temps. Perpignan qui a mené dans la possession et la Brock James, hein, qui est un peu l'homme à tout faire de cette équipe de Clermont. Qui sait jouer au pied quand il faut, qui sait faire des passes à bon escient. Pendant que Vermeulen se fait soigner, Thomas, laissez-moi vous rappeler que la semaine prochaine, samedi, Canal Plus vous propose, comme ces dernières saisons, un jour de finale exceptionnel avant la finale du top 14. Nous prendrons l'antenne avant midi pour le premier test de l'équipe de France en Australie, Australie-France à Sydney. Nous suivrons l'Open de France de golf, le tournoi de tennis de Wimbledon et la grande finale du top 14, journée de sport exceptionnelle, samedi prochain donc, sur Canal, jour de finale, alors que Elvis Vermeulen, messieurs, va sortir. Oui, remplacé par Sam Brombol, le néo-zélandais. Je présume qu'on ne va pas prendre de risque du côté de Clermont. Au centre, là, René Fontes en chemise bleue, qui a fait le plus court déplacement de l'année pour lui, puisqu'il est maire d'une petite commune ici en Provence, pour venir soutenir son équipe. Brock James croise avec Canale. Oh, c'est Rock ! Vermeulen sort, c'est un international français qui sort, c'est un ancien All Black qui rentre, Sam Brombol. Les Clermontois ont remis la main sur le ballon, en charge de Audebert. Derrière. Mignoni avec John Smith. Mignoni encore. Ledesma. À un quart d'heure de la fin de ce match. Samson. Les Clermontois qui se remettent à dérouler. À pilonner. Pas d'Anavar. Non, c'est fini, bleu. C'est bon. Et Mignoni devrait écarter grand large. C'est fait. James Nalaga. Tiens, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Là, il n'était pas lancé. Il a été bien pris. Non, lâché. Il a été surveillé. Sortez, 13 bleu. Mignoni sur le fermé. Smith. Ledesma qui passe. Qui est repris par Manas. À une quinzaine de mètres de l'embute. Le relais maintenant de John Smith encore, le capitaine des Springboks. Et touche. On parlait de couloir. Hein. Ledesma qui est le maître de ce couloir des 5 mètres. Ah ouais. Voilà, il fait relais. Je pense que ça doit être un étalonneur qui marque le plus d'essais dans le championnat. Oui, Ledesma, 6 essais. Ouais. L'un des meilleurs marqueurs d'essais du championnat et c'est le meilleur avant en tout cas. C'est plus que certains avis. On voyait le président de Clermont qui disait l'an dernier, moi j'ai pas envie qu'on soit en finale tous les 10 ans, mais il faudrait qu'on soit en demi-finale tous les ans. Eh bien, c'est ce qu'ils font les Clermontois. Ils étaient en demi-finale l'an dernier, ils sont revenus cette année, mais ils vont aussi rajouter une deuxième finale consécutive, très vraisemblablement. Prise de balle
de Brits. C'est pas fait, mais... Le relayeur qui rentre. On sent dans ce match une certaine forme d'impuissance catalane. Sauf sur cette deuxième mi-temps. Ils ont monopolisé un peu plus le ballon. Ils ont réussi à le garder, à créer des phases de jeu. Et comme l'a dit Jacques Brunet tout à l'heure, à aller pénétrer dans les espaces de la défense clermontoise, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais ils ont trouvé la brèche. À eux de renouveler ça. Jacques Brunel, adjoint de Bernard Laporte pendant cette dernière Coupe du Monde, qui a essayé d'imprimer sa patte tout au long de la saison sur le jeu de l'USAP. Est-ce que vous avez annoncé que Chouli était rentré? Ça m'a échappé. Entrée. Qui, pardon? Chouli rentré, il me semble. Chouli, non. Nous n'avions pas vu. Voilà, Damien Chouli, à la place de Vaki. Rentré en troisième ligne côté catalan. Jeune, très bonne troisième ligne avec le départ de Guirado. Encore un quart d'heure. Larague. Il faudrait marquer très vite, on l'a dit. Intérieur pour de Grand Claude, pour Gavignoum avec Manas maintenant. La fameuse Fouria catalane va-t-elle payer dans les derniers instants de ce match? Avec Tulagi, accroché par John Smith. N'arrive pas à être décisif le Samoan dans ce match. Heinz, Durand pour Candelo. Ça découpe. Ouais, c'est beaucoup de générosité hein, dans les contacts. Durand pour Montgomery. Allez, on expédie ce ballon bien au large. Où Alvarez Carellis essaye de donner acrobatiquement. Gavignoum se couche sur ce ballon. Du coup, les Catalans ont un petit peu reculé. Nathan Hines va essayer de les remettre dans le sens de la marche. C'est fait avec Chauvet. Tu l'as guillé à l'écran. Ouais, la chaleur fait des dégâts. Non, ça donne rien. On tombe sur un nouveau partenaire. Des conditions de jeu que les joueurs n'avaient pas rencontré cette saison. On tombe sur un nouveau partenaire. 20 kilos dans chaque cuisse, ça pèse à un moment donné. On est obligé de payer dans ces conditions de chaleur ultime. D'ailleurs, tous les joueurs, on voit, les organismes sont fatigués. Christophe Porcu aurait pu rêver pour sa dernière sortie d'une finale au Stade de France. On a vu avec Guirado. Beau raflu à la Nalaga. Eric. Oui, Pierre. Est-ce qu'on a le temps de prendre une réaction auprès d'Elvis Vermeulen? Oui, Elvis, cette chaleur est étouffante. Est-ce que effectivement sur cette fin de rencontre, ça n'est pas un élément clé? Ah, si, je pense que la fraîcheur va faire beaucoup sur la fin de match. La chaleur nous a beaucoup écrasé en début de partie. Là, il commence à avoir un coin d'ombre. Je pense que les joueurs vont plus jouer au niveau de l'ombre plutôt qu'au soleil. Alors, on vous voit avec une poche de glace sur le genou droit. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, rien, je me fais prendre un peu par derrière tout à l'heure sur le trou et j'ai le genou qui part un peu vers l'intérieur. Donc, je préfère sortir et laisser l'équipe à 100% plutôt que handicapé. Merci. Et oui, parce que même quand il fait très chaud, tout est question de fraîcheur physique. Lequel? J'ai vu Seremaïa Baye qui se préparait sur le banc clermontois. Oui, le 12, absolument. Pardon, le 12. Pour remplacer Gonzalo Canale, l'international italien, qui est revenu d'une petite déchirure ces dernières semaines pour tenir sa place. Regardez ces visages marqués par les efforts physiques, la chaleur, le besoin de se désaltérer, de s'arroser. On y va. Conditions caniculaires, ce sera le cas aussi demain à Bordeaux, au stade Chaban-Delmas, entre Toulouse et Paris. 15h, le rendez-vous évidemment en direct sur Canal. Ah, ça me plaît parce qu'il y a la moitié qu'au soleil et l'autre, voilà. Entre sol et sombre, comme on dit pour les amateurs de tauromachie. La passe au pied de Larague, c'est bien joué. C'est même très bien joué, mais Manas ne peut pas se saisir de ce ballon. Perpignan est à deux doigts de revenir dans ce match. Clairement, on n'a pas su concrétiser, terminer le travail qu'il avait accompli au cours de la première mi-temps. Et là, Perpignan, petit à petit, revient. Se crée des opportunités et porte le danger dans le camp clermontois. Deux essais transformés d'écart entre les deux équipes. Clermont n'est pas définitivement à l'abri alors que l'on va rentrer dans les 10 dernières minutes. Lancé de Mario Ledesma, capté par Christophe Samson. Ce jeune joueur du centre de formation de Clermont qui s'est frayé un chemin dans cette équipe de vedettes. Belle touche trouvée par Brock James. Brock James qui calme le jeu, il sent que son équipe a besoin de respirer, de se retrouver. Attention, Fidji peut en cacher un autre. Seremaïa Baye est rentré aux côtés de son pote Napoléon Nalaga. Changement aussi à Perpignan de 2000. Changement important, changement de 2000. Nicolas Durand vient de sortir. Et entrée de David Mellet. Voilà, David Mellet. Vous connaissez dans les années 70 un coureur cycliste qui s'appelait Mollet. Et là, on a un joueur de rugby qui s'appelle Mélé. Qui est de Mélé. Ce s'appelle, c'est ce qu'on appelle des noms prédestinés.
Allez, sur les 40 mètres, Clermontois, 10 minutes encore. Si Perpignan marque maintenant un essai transformé, tout est possible, ils peuvent revenir sur le fil. C'est un ballon éjecté par Mêlée pour Largue avec Gavigno qui a voulu prendre l'intervalle, bien pris par Brock James, excellent défenseur aujourd'hui. Ça ressort pour Mêlée. Excellent défenseur, il subit quand même toujours un peu. Perpignan essaie justement d'aller s'engouffrer dans ce couloir. Il subit mais il fait tomber. Oui, il subit, il fait tomber. Il est courageux. Hein. Avec ici Poulou qui est rentré aussi en première ligne côté catalan. Le renversement initié par Montgomery, la charge de choper le gros plaquage de Sanson. Mêlée réussit à se saisir de ce ballon pour essayer de se faufiler. Il est pris en tenaille par deux avant Clermontois. Lâchez là, c'est bon. Et Clermont bénéficiera de cette pénalité. Là, le ballon a été conservé au sol par Mêlée. Il ne l'a pas libéré. Voilà l'arbitre. C'est un très bon match de M. Berdos depuis le début de la rencontre. Il participe justement à ce que les débats sont agréables. On voit là au contact. Alors c'est un peu significatif de ce match. Deux joueurs clermontois, un joueur catalan, surnombre clermontois. Je ne serais pas surpris qu'on assiste à une réorganisation en première ligne côté clermontois. La sortie de Ledesma, le retour de Zirakashvili et du coup John Smith qui se placerait au poste de talonneur. Ouais, peut-être. Et là on voit sur les franchissements Perpignan qui revient dans le match. Cinq franchissements qui essayent de recoller à Clermont mais qui peut-être ne pourra pas refaire le retard qu'il a subi. En première mi-temps. Tiens, c'est la fête de la musique aujourd'hui, y compris dans les tribunes du stade Vélodrome. Touche lancée Clermontois. Les Clermontois, moins de 10 minutes d'une deuxième finale consécutive au Stade de France. L'an dernier, ils avaient perdu une extrémiste contre le Stade français. Ils seront peut-être très difficiles à prendre cette année. Lancée de John Smith. Ouais, c'est marrant, les matchs, c'est un peu des résumés de saison. On voit ici aujourd'hui Perpignan qui a souffert en première partie de match. Première partie de saison difficile, deuxième mi-temps un peu mieux, plus de réussite. Ça correspond un peu à leur saison, alors que Clermont, la tête en haut du guidon, a accéléré d'entrée, s'est bon positionné en tant que leader et a géré son match jusqu'à la fin. Smith, fond de touche, ballon pris par Sanson. La puissance du pack clermontois. Il écroule, c'est bon. C'est debout. Le mot n'est pas écroulé, il tient toujours debout, effectivement. Et il avance et il rentre maintenant dans les 22 mètres catalans avec Zirakashvili. Derrière, lâchez. Et ce sera Mêlée, introduction, Pierre Mignoni. Un peu de confusion. Ça n'est pas trop réellement où est ce ballon. Il tient un peu dans tous les sens. Pour là-bas. Qu'est-ce que je peux vous assurer que ces arrières clermontois ont des fourmis dans les jambes et attendent ce ballon avec impatience. Peut-être se lâcher sur les dernières minutes. Touché. Mignoni. Pour l'instant, deux essais clermontois. Tous deux aplatis par le phénomène. Napoleoni, Nalaga. Accidentel. Et les supporters jaunes et bleus de Clermont qui sont en train déjà de chanter dans les travées du stade Vélodrome. Et de prévoir leur billet pour la finale au Stade de France la semaine prochaine. Mignoni pour James. James est derrière sur Aurélien Rougerie qui avait marqué un essai phénoménal l'an dernier. Il n'a pas marqué aujourd'hui pour l'instant. Il a perdu le ballon. Récupération cafouilleuse catalane avec Mêlée pris au pas. Sanson, l'arbitre laisse l'avantage. Candelon. Qui s'est fait ballon. Ah, c'est le ballon par Rougerie. Monsieur Berdos va revenir à la pénalité. Oh, c'est un réflexe. La pénalité pour plaquage. Peut-être un peu petit, mais sur un plaquage. Je sais de quoi je parle, j'en suis plus pas mal. On va savourer Thomas encore quelques instants. Ouais. Cette ambiance phénoménale dans le stade Vélodrome, les supporters des deux équipes qui, regardez, c'est vraiment magnifique. Ouais, magnifique. Hein. Des couleurs, on l'a dit, hein, dans tous les sens. Un état d'esprit remarquable entre supporters. Alors évidemment, ce sont plus les drapeaux jaunes et bleus qui sont brandis actuellement que les 5 et or, mais que l'on retrouvera vraisemblablement l'année prochaine à la fête encore. Et le peuple de Clermont, qui, on le rappelle, pour tous ceux qui... Bon, c'est des Clermontois, bouchez-vous les oreilles. Clermont, 8 finales perdues. Les Clermontois n'ont jamais encore ramené le bouclier de Brennus place de Jaude. Vous dire que tout un peuple attend ça, c'est un euphémisme absolu.
crois que c'est cette année ou jamais. Cette année ou jamais, c'est ce que l'on entend chaque fois que Clermont est en finale. Mais cette année, il y a une différence. Clermont a été numéro 1 du top 14, numéro 1 de cette première phase, qui lui permet d'endosser le costume de favori. C'est Remaya Baye maintenant pour l'une des dernières actions de cette rencontre. À 5 minutes, à moins de 5 minutes de la fin. Mignoni a oublié le ballon. Mignoni pour James. Brock James intérieur sur Domingo. Charge de Thomas Domingo. Beau plaquage. Bonjour. Mais le jeune pilier se relève. Oh, lâché. C'est perdu. 4 bleus. Tranquille. C'est terminé. Il joue un peu les mains en haut du guidon. Le demi d'ouverture de Clermont, comme ici, où il croise avec Smith. Sortez, plaqueur. Mignoni. Allez, ça va repartir en large. James Baye. Bien pris par Gavin Hume. Bonne conservation, Mignoni. Brock James encore. Cette fois, c'est pour l'accélération d'Anthony Floch. Floch qui est pris par Britz, qui trouve le soutien d'Odebert. Odebert, percussion sur Candelon. Mêlée ouverte. C'est Floch qui est en demi de mêlée. Mignoni, Brock James. Et la plaqué, pris par Nathan Hines. Lâcher le ballon maintenant. Ouais, parce qu'il n'est pas sur ses appuis. Mignoni lance Smith sur le côté fermé. John Smith qui avance. Mignoni, on insiste sur le fermé. Avec Baye qui a failli s'infiltrer. Bonne défense catalane. Pénalité pour Clermont. Mais surtout une concurrence vraiment positive. Tous les joueurs qui sont rentrés apportent un plus. Smith, Baye, Broumol, Floch qu'on a vu partir dans le petit côté. Hein. Vraiment, il y a une. Un groupe énorme du côté clermontois. Que va décider le capitaine Rougerie Thomas sur cette pénalité? Il y a une finale à jouer dans une semaine. Peut-être des forces à préserver. Aurélien Rougerie demande à son buteur Brock James de la tenter. Cela mettra Perpignan vraiment hors de portée. Il y aura plus de 2 essais transformés d'écart. Tony Floch, comme on a vu là, et qui a percé la défense. Baye à nouveau qui a porté le danger et qui a permis. Clermont de pouvoir avoir cette opportunité pour entériner les débats. Regardez les supporters de Clermont avec au premier plan ici, avec eux, Canalé et Joubert. Ouais, en même temps, tu la rates, la pénalité, tu peux prendre un essai de 100 mètres. Bien sûr, c'est tout à fait possible, mais ils ne voulaient pas nous infliger une séance de pick and go de 4 minutes. Brock James, 3 sur 5 aujourd'hui au stade Vélodrome pour le buteur de Clermont. Mais il a mis les points qu'il fallait mettre. Coup de pied qui va passer légèrement à côté. On en reste à 21 points à 7. Coup d'œil au chrono à moins de 2 minutes de la fin. Voilà l'impact. Hein. Siracashvili sur Poulou. Ballon perdu qui a permis justement à Clermont de pouvoir aller dans le camp. Thomas, les supporters de Clermont ont compris que la logique sera respectée sur cette première demi-finale. Le premier de la phase régulière va battre le quatrième. Demain, au stade Chamandelmas de Bordeaux, nous aurons le deuxième, le stade toulousain, contre le troisième, le stade français. Dans un match que l'on attend extrêmement serré. Sortie de Pierre Mignoni, préservé pour les deux dernières minutes par Verne Cotter. René Fontes est descendu aux côtés de son entraîneur. C'est John Seignot qui est rentré. Mêlée. Allez, les dernières cartouches catalanes, partie de leur 22 avec Percy Montgomery, le champion du monde, qui va essayer de peu de montrer sa classe en cette fin de match. Il est pris par la défense de Clermont. Ça ressort pour le jeune demi de mêlée de Perpignan. Larag avec Hume. Et un ballon perdu sur l'impact du plaquage par Montpellier encore une fois. Pour un contre mené par Smith avec la passe au pied de Baye sur l'aile de Rougerie. Ce ballon qui sort en touche juste devant la ligne de but de Perpignan. Brock James qui a vu la défense catalane était bien organisée, donc il a décidé d'aller jouer dans le dos. Mais encore un ballon récupéré, encore un impact gagné par l'équipe clermontoise. À l'affrontement, Clermont est plus présent que l'équipe catalane. Et ça se ressent au tableau d'affichage. On voit ici les supporters clermontois qui poussent derrière leur équipe, qui sentent. Thomas, ça ne leur est jamais arrivé. Hein. Pour la deuxième fois consécutive, Clermont sera en finale du top 14 contre Toulouse ou le stade français. Nous le serons demain. Ce sera sur Canal donc à 15h au stade Chamandelmas de Bordeaux. On ne peut pas avoir. Hein. Mais après une saison impressionnante où les. Compliments, c'est la sirène, n'ont pas manqué sur la qualité de jeu de cette équipe clermontoise. Eh bien, les Clermontois vont
gagné, et on va pouvoir même dire nettement gagné, cette première demi-finale ici au stade Vélodrome de Marseille, malgré le courage des Catalans ici à l'image de Guy Rado, qui n'auront jamais vraiment été en mesure d'inquiéter les numéros 1 de la première phase. Ils ont été courageux en deuxième mi-temps, ils se sont ressaisis. Et Monsieur Berdos va libérer les Clermontois, c'est fini. Clermont en finale pour la deuxième année consécutive. Deux essais de Napoléon Inalaga. Et les Clermontois vont retrouver le Stade de France un an après leur défaite contre le Stade français pour peut-être, pour la première fois de la longue histoire de ce club, ramener le bouclier de Brennus à Clermont, place de Jaude. Tout un peuple en jaune et bleu n'attend que ça. Avec Orange, partenaire principal du Top 14, retrouvez les meilleurs essais avec Orange World. Partagez les valeurs du rugby avec la GMF. GMF, assurément rugby, assurément humain. Retrouvez le Top 14 avec Société Générale, par amour du rugby. Tous les jours, en direct à partir de 13h55 sur Canal+. Tu es le seul homme en qui j'ai confiance ici. Savez-vous seulement ce qui se passe dans ce pays, docteur Garrigan? Je ne suis que son médecin personnel. Ce n'est pas à moi de juger le président. Un cannibale, moi! Il va nous tuer! Oscar et Golden Globe du meilleur acteur pour Forest Whitaker. Le dernier roi d'Écosse, demain 20h50. Oye Avec Orange, partenaire principal du Top 14, retrouvez les meilleurs essais avec Orange World. Partagez les valeurs du rugby avec la GMF. GMF, assurément rugby, assurément humain. Retrouvez le Top 14 avec Société Générale, par amour du rugby. On se juge, on se jauge, Thomas, ce sont toujours des moments très très forts. Hein. Ouais, c'est des moments très forts. On essaye d'observer l'adversaire, essayer de voir une défaillance dans son regard. Et quand on a affaire à des joueurs de ce talent et de cette expérience, c'est difficile de pouvoir réellement sentir des défaillances. Donc on essaye juste de peut-être d'impressionner ou de montrer bien qu'on va essayer de le dominer. Le Stade toulousain a déjà disputé et perdu une finale cette saison. Évidemment, c'était contre le Munster à Cardiff en Coupe d'Europe. Le Stade français de Christophe Dominici, champion de France en titre. Les Toulousains visent le 17e bouclier de Brennus de leur histoire et surtout le retrouver, ce bout de bois qu'ils n'ont plus brandi depuis 2001. La plupart des joueurs de cette équipe, à part Pelouse, à part Bouillou, ne l'ont jamais soulevé. Et côté parisien, on vise le doublé. Après une saison un peu en dents de scie, certes, mais les Parisiens sont toujours présents au dernier moment lorsqu'il faut gagner ces matchs couperés. Présents pour les grands rendez-vous, ils savent gagner ces matchs importants. On sait déjà qu'une équipe était déjà en finale l'an dernier, c'est Clermont, il sera encore la semaine prochaine. Monsieur Massiello, associé de Monsieur Gastou et Hadj Bachir, sera l'arbitre de cette demi-finale. Verra-t-on la revanche de la finale de la saison dernière, Clermont-Stade français, ou un Clermont-Toulouse que l'on a déjà vu plusieurs fois ces dernières années? Réponse donc au bout de 80 minutes et peut-être plus si affinité, parce que les matchs Toulouse-Paris sont souvent très très serrés et que des prolongations ne sont pas à exclure. Prenez le ballon. En tout cas, prenez le ballon. Les Clermontois, eux, sont dans leur fauteuil pour regarder cette finale. Il y a beaucoup d'envois fictifs avec Sylvain Marconnet et le petit Florian qui a reçu le ballon pour l'association ELA. Applaudi par le stade Chaban-Delmas pour un coup d'envoi que vont frapper les Parisiens. Laurent Dôme aux manettes de toutes les caméras de Canal avant cette
demi-finale. Il y a des visages qui en disent long. Oui, oui. Bon match à vous, là, okay. A dit Monsieur Massiello. Oh, okay. Juan Martin Hernandez, le coup d'envoi de ce stade français, stade toulousain. C'est parti, un coup d'envoi long, récupéré, réceptionné par Maxime Médard, l'arrière toulousain. Dégagement de Médard, ce sera dans les bras de Corletto, l'arrière parisien, qui joue aussitôt avec son demi d'ouverture. Hernandez, la première chandelle du match. Elle est frappée pour Hernandez, qui va essayer d'être dessous pour la récupérer. Il la récupère, Hernandez. Bien joué de la part du demi d'ouverture parisien. Mêlée ouverte, ballon rapidement sorti, chargera. Libération, Albouy, Hernandez lance à l'attaque parisienne, la percussion de Liebenberg qui a pu transmettre ce ballon. Toujours parisien. Albouy, même sens, Dominici, crochet de Dominici pris par du sautoir. Albouy, on insiste avec une nouvelle charge. Aura. Albouy, beaucoup de dynamisme, ça joue vite, ça joue en puissance avec Zarzewski. Albouy, Hernandez, Liebenberg. Liebenberg repris par le plaquage de pelouse. Sortez, Cap. Très bien. Albouy, longue séquence de jeu pour démarrer ce match du Stade français. Marconnet vient buter sur Omar Hassan. Albouy, Hernandez, le drop de Juan Martin. Hernandez, il est tendu à côté. Ouais, à côté, chose inhabituelle. Parce qu'il en a réussi quand même pas mal cette saison. 12, je crois. 12, très précisément. Mais une action bien construite de la part des Parisiens qui n'ont pas pu bousculer la défense toulousaine qui était bien organisée en ne mettant pas trop de joueurs dans les rugs, donc ce qui leur a permis de bien s'organiser sur la largeur du terrain et de pouvoir contrer la défense parisienne, l'attaque parisienne. Bravo 22, Jean-Baptiste Elissal. Ce sera Albouy qui récupère ce ballon. Oh là, il a joliment évité Emmanuel. Albouy qui retrouve du soutien, celui de Burban, Antoine Burban, titulaire numéro 6 aujourd'hui côté parisien. Pour l'instant, ce sont les Parisiens qui ont le ballon, sauf à l'avoir perdu sur cette action. Non, il ressort pour Albouy. Hernandez. Hernandez, on voit beaucoup de jeux. C'est Sergio Parissé maintenant qui n'échappe pas au plaquage d'Elissalde. Derrière. Albouy. Glas, Stéphane Glas face à Cunavor, il est pris. Voilà, on voit les Toulousains, ils ne s'affolent pas. Peu de joueurs consommés sur les rucks, ce qui leur permet de se réorganiser et de contenir la fougue parisienne. Les Toulousains qui disputent, c'est quand même une statistique invraisemblable, voilà. Leur 15e demi-finale consécutive. Mon voisin de bureau, Thomas Castagnéd, en ayant disputé lui aussi quelques-unes avec les Toulousains dans la fin des années 90. Prise de balle, Fabien Pelouse. Poirot, chez vous, mais là. Allez, pour se rassurer, il ne fait qu'un petit groupe pénétrant, surtout lorsqu'il est suivi d'une pénalité que joue rapidement Byron Kelleher. Le All Black de Toulouse avec le relais de Hassan. Il y a un joueur qui a perdu sa chaussure. C'est Rodrigo Ancero qui a perdu sa chaussure. Alors il est en moitié en chaussette. Attention, c'est ta première attaque au large peut-être du stade toulousain. Josion passe joliment. Non, raté par Cunavor. Récupération Dominici pour le stade français qui échappe au plaquage de Dongui. Là, il y a du rythme dans ce début de match. Pas vraiment de round d'observation avec Corletto en train de déborder, poussé en touche. Dominici et Mann, ça va être un bel affrontement. Et Liebenberg, Josion qui avait essayé de bouger Brian Liebenberg, de passer ses bras. Malheureusement, la balle n'a pas atterri dans les mains de Cunavoré. On va le voir là. Crochet intérieur, extérieur, affût. Voilà, et Stéphane Glas. Très bien joué de la part de Josion, hein, qui est un peu le... Il sait faire ce genre de ballon. Ouais, il vient dans l'intervalle, il passe les bras. Dommage, Cunavoré n'arrive pas à se saisir du ballon. Et là, petit duel entre Dominici et Mans. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le banc? Pardon Thomas, il y a les Parisiens, les remplaçants parisiens qui étaient au début sur le banc de touche, on leur a demandé de partir dans les tribunes. Et il y a eu un gros problème parce qu'en fait, eux, ils veulent rester couverts du soleil. Alors, il y a Mathieu Bien qui s'explique avec la sécurité. Du coup, les Toulousains, les Parisiens sont montés dans les tribunes. Merci Stéphane. Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux être à l'ombre dans ce genre de match, alors que Rodrigo Roncero ne se faisait non pas soigner, mais strapper les chaussures. Et reprend sa place. Lancé, William Servat. Prise de balle, Bouillou. Non ! Ok.
4, c'est bon. Allez, Maul qui se détache. William Servat avec le relais d'Albacete maintenant. Bien joué de la part des Toulousains. Albacete passe par le sol. Keller éjecte. Elissalde. Elissalde pour Jouzion. Lancé en puissance qui a buté sur Liebenberg. Ça poursuit Elissalde encore avec Gongui maintenant. Cunavor. Cunavor pris par Stéphane Glas alors qu'il rentrait dans les 22 du Stade français. Déblayage énorme sur Gongui. Cunavor garde le ballon. Déblayage fait par Hernandez quand même. Non. Et c'est solide. Jouez pas. Les Parisiens auraient-ils gratté le ballon? Bien oui, regardez comme il est pondu par cette mêlée ouverte côté parisien. Perte de balle toulousaine. Et le Stade français va pouvoir se dégager grâce à ce long coup de pied d'Hernandez qui atterrit dans les bras de Médard. Maxime Médard à la relance. Attention, il a des cannes terribles en ce moment en s'appuyant sur Dongui. Dongui crochette, il est pris. Peut-être sur le grand côté, il y a une occasion pour Toulouse. Ils sont remis en place, hein, les Parisiens. Ouais, c'est un match qui a démarré sur un tempo très rapide avec une chandelle maintenant tapée par Jean-Baptiste Elissalde. Josion sera dessous. Josion Hernandez. Le ballon est capté par personne. Sauverbi est là pour les Toulousains. Il n'y a pas eu d'en avant. Ballon pour les Toulousains toujours avec une plaquage de Burban qui était hors jeu sur le demi de mêlée du Stade Toulousain. Et Monsieur Massilo va siffler la première pénalité en bonne position pour le Stade Toulousain. Elissalde faisait mine de jouer vite. Et en avant. Hop, erreur toulousaine, non. Thomas. Oui, oui, non. Elissalde a joué la pénalité très rapidement. Trop rapidement. Et le ballon, il n'a pas pu récupérer ce ballon qu'avait récupéré Jean Bouillou. On va le revoir, je pense, sur le ralenti. En tout cas, très belle. Blessé parisien. Hein. Je ne sais pas, c'est pas Hernandez qui s'est blessé. Ouais, sur le contact avec Josion, je pense, sur la chandelle. Vous avez la pénalité. On va le voir là. Josion qui bat. La percussion. Et peut-être Hernandez qui retombe mal. Je pense que c'est en l'air qui se fait mal, hein. C'est pas en retombant. Hein. Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Mais attention, pièce maîtresse du jeu parisien, Juan Martín Hernández. Il venait à ne pas pouvoir se relever, ce serait une perte grave, d'autant que David Skrela est blessé. Regardez l'infirmerie parisienne d'ailleurs, avec Pascal Papé qui a dû déclarer forfait cette semaine. Ouais, on revoit ce choc Josion Hernández. Je pense qu'il a mal un peu à la mâchoire ou au cou avec le coup de deux. Voilà. Josion qui l'a. Lionel Boxis, Thomas, est sur le banc, mais David Skrela, qui rejoindra le Stade Toulousain la saison prochaine, et a déclaré forfait après cette blessure musculaire lors du match contre Biarritz. Côté Toulousain, puisqu'on est aux infirmeries, on rappellera les absences de longue durée, évidemment, de Clément Poitrenaud et de Vincent Clerc, qui se sont ajoutées à celles de Montoriol et de Le DVD. Et les remplaçants parisiens sont revenus sur le banc, au contraire des Toulousains qui sont toujours dans les tribunes. C'est la bataille des bancs. Pas, monsieur, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Pour avoir vu la même scène que Stéphane, je peux vous dire que le type de la sécurité, il a été très très poli pour demander à Finomaka de monter là-haut. Non. Absolument, une politesse. Non. On va regarder ça de près. On a senti que ce match était parti sur de bonnes bases. Stade Toulousain a eu l'occasion de pouvoir se créer une très bonne attaque avec Cunaboré qui avait été pratiquement passé, qui s'est fait rattraper. Et là, cette pénalité qui était offerte aux Toulousains, qui a été retournée. Et là, la mêlée parisienne ça va fait souffrir la mêlée toulousaine. Et donc, une fracassée. Quand Guinoves sera un peu plus tranquille, je lui demanderai quand même s'il aurait pris les 3 points ou pas. Hein, parce que c'est vrai qu'en début de match, commencer par 3 points, c'est toujours efficace. Hein. En fait, s'il avait marqué, tout le monde, personne n'aurait crié au scandale aussi. Ils ont cherché à ruser les Toulousains, ça n'a pas réussi. Une interception parisienne sur cette touche. Charge maintenant de Simon Taylor, l'international écossais. Oh, on est perdu. On est dans les 40 mètres. Toulousain, ballon récupéré par le Stade Toulousain avec Dongui pour la charge maintenant de Thierry Dussautoir qui lâche le ballon sur le plaquage. Monsieur l'arbitre, aidé par son assistant. Ouais. Ouais, très bonne intervention. Okay. L'assistant qui a. L'arbitre n'avait pas vu ça avant. On va le voir là, Dongui qui fait la passe à Dussautoir. Décide d'aller au contact. Sur le deuxième contact avec Liebenberg, perd ce ballon. N'arrive pas à donner de la continuité dans son mouvement. On attend. Ici, Taylor a haché par Keller. Touché, on parlait de Keller, sa puissance, sa force physique. Il porte énormément au Stade Toulousain. Il a déjà commis 3 en avant. En essayant de déployer quand même pas mal de jeux. Albouy derrière sa mêlée. Que Monsieur Massilo va faire refaire. On fait pas le bouchon, s'il vous plaît.
Remplaçant parisien à l'ombre. On attend. Petit jeu des surnoms entre les demi de mêlée. Keller est surnommé le bison et Albuy le moustique. Qui sera le plus fort dans cet après-midi caniculaire, le bison ou le moustique? Albuy, on vous l'a dit, c'est un peu la surprise dans cette équipe parisienne. Il a été assez peu titulaire cette saison, parfois même numéro 3 derrière Bourraoua et Fillol. Et il est titulaire pour affronter le Stade Toulousain et Byron Keller. Lui, l'ancien joueur du Castres Olympique qui se couche sur ce ballon. Mais en avant, il part devant, il part derrière. Pour l'instant, ne lui facilite pas la tâche. On a beaucoup de pression autour des rucks avec Burban qui est renvoyé derrière lui. Là, à juste titre, l'arbitre en avant d'Albacete. Il est le soigneur. Vous aurez noté qu'à Toulouse... Toulouse a un porteur d'eau, a plusieurs porteurs d'eau, donc Greg Lambollet qui... Oui, on avait Malzieu hier avec Clermont et Grégory Lambollet qui n'est pas dans le groupe, le troisième ligne ou deuxième ligne internationale. Qui est en prise directe avec son iPod là. Et qui peut lui aussi... Surtout avec les coachs, je pense. Voilà, c'est ça, transmettre quelques consignes. La statistique, Thomas, de l'occupation en ce début de demi-finale. Ouais, Paris qui a occupé le camp toulousain depuis le début de la partie. Il met de la pression, mais Toulouse, sur sa seule attaque, a été dangereux, donc méfiance. J'ai rien annoncé. Suite et fin de l'épisode, les remplaçants de Toulouse sont revenus sur le banc à l'abri du soleil. Merci, Lagui. Levez-vous. Ça fait donc match nul dans la bataille des bancs. Et voici casquette, il y a double protection. Il y a le banc et bonne protection pour la tête. Allez, les Toulousains ont choisi de jouer en blanc parce qu'évidemment lorsqu'il fait chaud, qu'il y a du soleil, maillot blanc réfléchit davantage la chaleur. Pour l'instant, une explication en mêlée solide, assez importante. Et les charges de l'ancien donc parisien Charles Sauverby. Derrière, reculé. Keller. Elissalde pour Servat. Grosse sortez montée rock. De la défense parisienne. Il a derrière ce regroupement. Récupération parisienne, il n'y avait pas faute. Marchois peut servir à Taylor, volleyé par Hernandez. Liebenberg, petite passe au pied de Brian Liebenberg. Maxime Médard récupère et dégagement de Médard. Monsieur Massiello a vu, je pense, un avant. Oui, un avant de Keller au départ de l'action, il me semble. Les Parisiens avaient récupéré ce ballon, mais comme l'arbitre a jugé que l'action n'a pas été profitable pour les Parisiens, il revient à cet en avant qui semblait oublié. On va voir là Keller sous la pression dans le regroupement, mal protégé par ses avants. Brian Liebenberg qui se débarrasse un petit peu du ballon. Permet pas à l'attaque. Oui, c'est ok. Byron Keller, All Black Emirates, champion de France. Ils n'ont pas été nombreux. Il y a eu Gary Wetton avec Castres. Il y a eu Lee Stensness aussi avec le Stade Toulousain. Allez-vous lier, vous, hein. Touché, stop, entrée. Introduction, Albuy. Sergio Paris, c'est pour son demi de mêlée. Hernandez, belle passe en avant de Stéphane Gla. Pour l'instant, il n'y avait que des en avant toulousains, c'est le premier parisien. Ouais, dommage, hein. Hernandez, il attaque bien la ligne, c'est une belle passe. Voilà, Stéphane doit se concentrer pour attraper ce ballon, se focaliser sur le ballon avant de se focaliser sur l'adversaire. Dans les tribunes, des joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match, on a vu Bousses, Mirko Mergamasco, David Skrela ici au premier plan, qui a donc disputé contre Biarritz sur les premières minutes, son dernier match avec le Stade français avant de rejoindre... Le Stade toulousain envoie Simutuga, Mauro Bergamasco, puis les jeunes comme Irech ou comme Payog qui ont beaucoup joué cette saison parce que les deux clubs, Paris et Toulouse, ont fait énormément tourner leur effectif pour reposer les cadres. Ce qui leur a coûté cher parfois, avec des défaites lourdes. Guinoves, la barbe pour garder l'influx, la barbe des phases finales. Grand compétiteur. Touché, stop, des mots pour motiver son équipe. Il est troisième ligne. Sauverby, Keller. Elissalde, chassé par Hernandez, pour donner à Jovion. Bien joué Jovion, le soutien à un chouïa tardé. Il est là avec Keller. Médard passe au pied sur l'aile de Dongui. Ce ballon qui sort en touche dans les 40 mètres parisiens. Alors c'est intéressant, on a vu une défense parisienne très pressante, mais alors là on voit Vincent Clerc
Ça vient de sa blessure. Ouais. Les Toulousains sont allés se préparer chez lui, c'est quasiment, à Cap-Breton, là où il est en rééducation. Puisque pour la première fois, le Stade Toulousain est allé en stage au vert un petit peu avant une demi-finale. Juste les statistiques des lancers parisiens. Vous voyez que Zarzewski n'est qu'à 72%. Mathieu Blin qui est remplaçant, 77% de réussite sur ses lancers. On en reparlera pour les Toulousains tout à l'heure parce que ça peut être une donnée importante de ce match. Derrière les pieds. Chandelle d'Hernandez. Montée très 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 haut. Les Toulousains ont peut-être même légèrement le soleil dans les yeux. Ça n'empêche Médard de bien capter ce ballon et de s'appuyer sur Emmans. Keller. Cunavour. Bien pris. France lâchée. Keller avec son capitaine Bouillou qui va jouer en pivot. Derrière. Pour redonner son ballon à Keller. Elissalde. Du sautoir. Volonté de mettre la pression sur Elissalde. Et qui peut poser problème, ça crée des trous derrière, on l'a vu tout à l'heure sur l'attaque. Et là encore, vous jouez sans ballon. Si les Toulousains arrivent à exploiter cette défense assez particulière des Parisiens avec une montée très rapide, il y a eu Hernandez, Zarzewski là. Alors les Parisiens, Thomas, ils montent très rapidement un peu en pointe et ils traînent un peu aux intérieurs. C'est pour ça d'ailleurs Dimitri Zarzewski a été sifflé, mais ils traînent un peu dans les intérieurs parce que j'ai l'impression qu'ils savent que les Toulousains reviennent souvent sur le... Il y a toujours des joueurs qui viennent apporter du soutien à l'intérieur, donc ils traînent un peu, ils traînent. Et Josion tout à l'heure s'est fait attraper aussi comme ça. Enfin, je crois qu'ils montent en pointe, ils ferment la boutique toulousaine et ils traînent un peu à l'intérieur des Toulousains, ce qui fait que ça les gêne beaucoup parce que quand ils cherchent un soutien à l'intérieur, ils n'arrivent pas à le trouver. Clément Poitrenaud, l'un des deux grands blessés de l'équipe toulousaine qui quand même a recommencé largement à trottiner et devrait être apte pour le début de la saison prochaine. Pour un concours de lunettes, les deux. Percussion de Poitrenaud. Pénalité contre Toulouse. Ballon gardé au sol par l'ancien capitaine de l'équipe de France. Il est sur ses appuis, il a le temps, on libère pas. Il a été généreux, il allait affronter. Malheureusement, le soutien n'a pas été assez rapide et il n'a pas pu libérer son ballon dans le temps. Fabien Pelous qui a annoncé qu'il voulait se rattraper de sa bévue de la Coupe d'Europe. Vous vous souvenez, ce petit coup de pied aux fesses d'un Irlandais qui lui avait valu 10 minutes de carton jaune. Enfin, il a fait tellement de bonnes choses au cours de sa carrière. Bon, une erreur. Qu'est-ce qui se passe là ? On va se mettre à l'ombre aussi, Max Cosini peut-être. L'apparition de Max Cosini sur le grand écran du stade a donné l'occasion à une hola. Là, attendez, non, on patiente un petit peu, regardez. On va faire rentrer. Blanc, décalé. Merci messieurs. Lancé Dimitri Zarzewski, alignement raccourci par les Parisiens. C'est pour Sergio Parissé qui est lobé. Récupération Keller pour le Stade Toulousain. Voilà une bonne munition lâchée en route par le Stade Français. N'y allez pas. Derrière. Charge au ras de William Servat. Derrière les pieds. Il se dépense comme s'il n'avait pas été incertain jusqu'à ce matin. Ouais, on n'a pas l'impression qu'il souffre de quoi que ce soit. Enfin. En fait, Max Wesley est venu voir l'intendant pour lui demander de protéger la tête des joueurs. C'est les boucliers d'entraînement qui servent de protection en remplaçant. C'est incroyable. Ils doivent faire bien chaud sur les bancs aussi. Ils n'étaient pas équipés de casquettes. Pourtant, Dieu sait si au Stade Français, on a des petits produits dérivés en pagaille. Mais ça gêne les supporters derrière, Stéphane. Ça gêne les spectateurs dans l'Amiral. Et ce sont des places qui sont quand même assez chères. Alors maintenant, ils vont se protéger par des drapeaux. C'est énorme. Alors les Toulousains, eux, alors on va continuer les épisodes. Les Toulousains ont choisi de mettre des serviettes de douche. Voilà. Et donc du coup, eux sont protégés du soleil. Et Galtier est à l'ombre, lui, en revanche, en train de visionner les images. Moi, je viens de vous passer un message. Il est en tribune, Fabien Galtier. Les choses qui doivent se passer dans sa tête soit aussi. Soit vous m'avez entendu. Imaginez, c'est le dernier match à la tête derrière, du Stade Français. Quelqu'un aussi flexion, de touché, stop, entrée. Chance overby pour Elissalde. Petit coup de pied par-dessus la défense. Il n'y a Cunavor qui se précipite sur ce ballon. Que Cafouille, un peu Corletto. Ballon qui traîne. Que Emmans essaye de jouer au pied. Et finalement, Dominici en touche sur les 22 parisiens. Ouais, ballon très bien tapé. Et Elissalde, un petit malin que l'on connaît, a tapé par-dessus la défense. Corletto était loin, s'attendait à un coup de pied profond.
Kunaboré vient mettre la pression sur Corletto qui n'arrive pas à se saisir du ballon. Et là, voilà, Cédric Emmans à la course avec Dominici qui, avec son expérience, décide de mettre ce ballon en touche. Belle action des Toulousains qui alternent. Côté. Joue à la main, il joue au pied, pose des difficultés aux Parisiens. Alors les Toulousains sont très à plat sur ce. Les arrières Toulousains sont très à plat. Je ne sais pas ce qu'ils nous prévoient, mais. C'est bon, les gars. Partez, Rose. Ballon capté par les Toulousains. Je m'enlèverai. Keller, on va assister dans un petit périmètre avec les avants. C'est Servat épaulé par Pelouse. Keller maintenant écarte sur Elissal. Le drop d'Elissal, non, la chandelle d'Elissal. Elle va retomber sous les poteaux parisiens. Il y a Josion qui se précipite. Les Parisiens sont un peu en retard. Non, Corletto lâche ce ballon. Et finalement, encore sauvetage de Dominici. C'était la première très nette occasion d'essai de cette demi-finale. On est surpris du positionnement de Corletto. Elissal de la bien vue. Et Josion va venir mettre la pression. Un coup de pied vraiment excellemment tapé qui empêche Corletto de pouvoir saisir. Et Dominici, toujours présent, qui arrive à se saisir du ballon pour empêcher Josion d'aplatir. Grosse pression des Toulousains. Et sur... deuxième sauvetage de Christophe Dominici, ouais, en moins d'une minute. À Dominici, on sait qu'on peut compter sur lui. Hein. Ça commence à chauffer. Contre ces années, il a été vraiment décisif dans son rôle de joueur et de capitaine. Il a toujours les rebonds favorables, souvent pour marquer des essais. Là, pour un empêché, faute parisienne, nouvelle pénalité pour le Stade Toulousain. Et le capitaine Jean Bouillou devrait demander à son buteur de la tenter. Ouais, logiquement, Toulouse peut prendre l'avantage. Ballon bien capté par Jean Bouillou. Dimitri Zarzewski qui vient se positionner hors jeu. Très grosse capacité de Bouillou dans les airs, pouvoir juger la trajectoire du ballon. Alors Jean-Baptiste Elissal pour tenter cette première pénalité du match. Son taux de réussite cette saison 75%. Et sur les très gros matchs, notamment par exemple la finale de la Coupe d'Europe, il n'était qu'à 50%. Coup de pied bien droit qui va passer entre les perches. Voici les premiers points de cette demi-finale après 20 minutes de jeu. Stade Toulousain 3, Stade Français 0. Éric, pénalité Jean-Baptiste Elissal. Éric, je suis avec Fabrice Landreau. Fabrice, il y a la chaleur, bien sûr, ça va être extrêmement compliqué aujourd'hui. Un demi-match compliqué pour l'équipe. Faut pas se mettre en difficulté comme on le fait là, notamment sur des fautes d'indiscipline, parce que voilà, on sait que ça va se jouer sur des détails, donc il faut faire preuve de maîtrise. Pour l'instant, les équipes s'observent, donc voilà, tant que le match n'est pas débloqué, il faut essayer de. Pédard par-dessus, il récupère ce coup de pied à suivre, peut transmettre à Jean Bouillou. Il y a Aimant sur son extérieur, Bouillou choisit l'intérieur avec Josion, repris par le plaquage terrible de Zarzewski. Ballon qui va ressortir rapidement pour du sautoir. La défense parisienne est en train de se replacer avec une nouvelle occasion d'essai, donc pour le Stade Toulousain qui envoie du jeu maintenant avec Elissa Lancroix qui lance la puissance de Servat qui rentre dans les 22 du Stade Français. Avantage en cours. Temps fort du Stade Toulousain, avantage en cours avec Keller qui sort pour le drop d'Elissal pour profiter de l'avantage. Ça ne passera pas, mais il y aura une nouvelle pénalité en faveur du Stade Toulousain. Alors, tout cela partie d'une relance de Maxime Médard. Maxime Médard, déterminant depuis qu'il est rentré dans cette équipe du Stade Toulousain, il tape un petit coup de pied par-dessus. Et là, on va voir Jean Bouillou qui ne va pas regarder Cédric Eman sur sa droite, qui aurait pratiquement entraîné un essai pour le Stade Toulousain. L'action va rebondir, les joueurs parisiens se mettent à la faute. Okay. Voilà Maxime Médard, à la grande classe, il tape ce petit coup de pied, un peu de chance, il récupère. Il a la faculté de pouvoir transmettre son ballon. Et là, Jean Bouillou qui ne regarde qu'à sa droite, il va prendre la mauvaise décision, donner à Yannick Josion, alors que Cédric Eman c'était sur sa gauche, totalement libre. Voilà, dommage pour le Stade Toulousain, mais malgré tout, l'opportunité de pouvoir mettre au point. Jean-Baptiste Elissal, pour l'instant, 100%. Face au virage des supporters toulousains, ça passe entre les perches et le Stade Toulousain mène 6-0. On disait au début de ce match, pourquoi Médard à l'arrière et Eman à l'aile. Quand on voit la confiance de ces jeunes joueurs aujourd'hui, on peut imaginer que les entraîneurs toulousains n'ont pas voulu perturber leur effectif et la capacité d'adaptation de Eman, qui peut jouer à tous les postes. Médard a fait des très bons matchs pendant qu'Eman s'était blessé ces dernières semaines à l'épaule. Et en même temps, Emmans peut apporter un petit peu sa folie sur l'aile, ce qui avait un peu manqué
en finale de la Coupe d'Europe où les Elie avaient été un chouïa frileux, me disait Guinoves hier, avec ce coup de pied en avant, la récupération de Parissé et coup de sifflet de monsieur Massiello. Je voulais juste qu'on vous montre, Thomas, la statistique des pénalités depuis le début du match. Ça ne fait pas sourire Fabien Galthié, parce que cette statistique, la voici. Ouais. Fabrice Landreau en parlait. La discipline du côté parisien qui paye au prix fort avec 5 pénalités concédées, donc 2 qui étaient tentables et réussies pour le mettre à jouer, Lissalde. Je suis à stop. Je suis à stop, messieurs. Flexion. Touché. Stop. Entrée. Lié, Seth. Lié. Albouy. Hernandez. Hernandez pour Liebenberg, belle passe de Liebenberg pour Corletto maintenant. Ignacio Corletto qui va essayer de prendre l'intérieur à Cunavor, il est plaqué par le Fidji. Une bonne libération, c'est Dominici qui est là au soutien. Plaqué aussi, le soutien de Paris, c'est ballon oublié en route et pénalité contre le Stade Toulousain cette fois. Ouais, l'arbitre a jugé que le joueur tout face de placage, qui est venu sur le côté. Le 7 arrive en travers, plaqué. Non, il vient hors jeu, messieurs. Il vient hors jeu. Le 7. Voilà, donc du sautoir. Non, le 7, il vient hors jeu sur les côtés. Ah, c'est marrant parce qu'on annonçait Bouillou capitaine au Stade Toulousain et là c'est Josion qui discutait avec l'arbitre. Pendant ce temps, la petite voiture rose a amené le tee à Hernandez qui va la tenter. C'est la Guy qui veut parler. Oui, non, c'est pour vous dire que je pense que c'est Josion, le capitaine. Bouillou, je vais demander confirmation, mais je pense que c'est Josion, d'autant plus que Guinoves ne s'adresse pratiquement qu'à lui en ce qui concerne les consignes. Voilà, c'est un changement de capitana ce matin. Attention, Hernandez pour réduire le score après 23 minutes de jeu. Hop, 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 ça va passer sur le poteau et ça passe. Finalement, le juge de touche lève son drapeau. C'est ce qui compte pour le Stade français qui revient à 6-3. Ouais, l'arbitre de touche a hésité. D'ailleurs, des joueurs toulousains ont un peu manifesté leur mécontentement. Malgré tout, la décision est prise. Donc maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Penser à reconstruire. Il y a vraiment un match chez les remplaçants parce qu'il y a les remplaçants de Paris qui se sont levés pour aller s'échauffer et du coup ceux de Toulouse ont suivi mais une demi-seconde après. Là, il y a un match, je monte, je descends. Bon, le ralenti n'a rien apporté sur la pénalité d'Hernandez. Récupération parisienne sur le renvoi avec Simon Taylor. 6-3. Ce match risque d'être serré, crispant jusqu'au bout. Derrière. Pas sur les côtés. 5, reculez. Elle est touchée, messieurs. Elle est contrée, ce ballon, ce dégagement. Ensuite, volée par Keller pour Sauerby, qui va essayer de remonter ce ballon. Charge bien pris d'entrée. Sauerby, bon plaquage. Non. Le pied, il y a un hors-jeu involontaire. Le par-deval est rabattu par un blanc. Ça sera une mêlée rose. Il y a un hors-jeu involontaire des blancs. Monsieur La première faute, c'est hors-jeu involontaire. On va voir là Sowerby qui va aller défier ses anciens coéquipiers, qui perd le ballon. Sylvain Marconnet qui se jette un peu sur son touché, sur ce ballon. Albouy, Hernandez. Coup de patte dans les veines de Toulousain. Maxime Médard. Trop de ballons comme ça, Maxime Médard. Cette fois, il joue la sécurité. Et il trouve la touche, Maxime Médard, qui a rasé ses favoris qu'il faisait ressembler ces dernières semaines à l'ancienne grande carrière du Pays de Galles, J.P.R. Williams. Ça pour toi, Kim, être particulier. Un joueur qui est passé par l'école toulousaine, qui a été formé au Stade Toulousain. Il nous reste de lui qu'il a le potentiel pour jouer la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr, qui est un peu frustré de pas... qu'on ne lui donne pas sa chance plus tôt et qui a su attendre et aujourd'hui ça paye. Déviation de Paris et qui profite à Albacete pour le Stade Toulousain qui gagne ce ballon. Keller, Elissalde. Il n'y a pas beaucoup de ballons les Parisiens pour l'instant. Coup de patte d'Elissalde. Dominici évite la touche. Il va se charger lui-même du dégagement malgré du sautoir. Avec un peu de chance, il trouve la touche. Eh bien joué. Un très bon dégagement de Christophe Dominici dans un angle improbable, difficile. Avec le petit coup de patte de... On dit toujours que c'est pas son point fort au pied, mais ils sont efficaces. Regarder. Efficace. Hein. On laisse et Elissalde qui avait tapé ce petit coup de pied dans l'angle. Calmement. Peut-être le dernier match de la carrière de Dominici, sauf si le Stade français se
qualifie pour la finale. Cette fois, c'est Taylor qui profite d'un lancer toulousain. On se rend la politesse. Hernandez, Liebenberg. Liebenberg sauté pour Corletto qui arrive lancé dans la ligne, qui a eu du mal à contrôler ce ballon qui finalement s'en saisit. Heureusement, parce que Dongui était monté en pointe, il y avait un trou. Dongui en pointe, Funaboré. Hop, il y avait un couloir. Albuy Hernandez va tenter le drop. Hernandez, drop de 40 mètres en coin. Juan Martin Hernandez qui passe à côté. Ah, il insiste un peu trop là. Je pense qu'il y a d'autres alternatives que de tenter le drop aussi loin. Il est en confiance, certes, mais. Reculer derrière les pieds, s'il vous plaît. Il y a un travail qui est fait par son équipe. Peut-être qu'il doit s'attendre à un positionnement un peu plus adéquat pour pouvoir tenter ce genre de choses. Et malgré tout, défense suspecte du Stade Toulousain sur les extérieurs avec une montée en pointe de Dongui, comme tu l'as dit, la guille. Et Cunavoré qui était un peu en retrait. Deux, trois fois, le Stade Toulousain semble hésitant à ce niveau-là. Absence de Fritz, peut-être, et qui a plus l'habitude de jouer avec Josion. Renvoi au N2, Elissalde. Capté par Boula Duploy, le deuxième ligne sud-africain numéro 5 qui joue aujourd'hui. Lui aussi, l'un des derniers matchs de sa carrière. Il a annoncé ce matin qu'il a arrêté le rugby à la fin de cette saison. Chandelle d'Hernandez sur laquelle s'est précipité Brian Liebenberg. Dessous, il y a Parissé. Parissé qui récupère et qui marque. Hop, Sergio Parissé sur la chandelle d'Hernandez. Monsieur l'arbitre va demander la vidéo pour voir si la troisième ligne italien a bien aplati. Voilà, la question c'est essai ou pas essai. Il lâche le ballon, Thomas. Ah, bien vu de la part de monsieur Massiello. Je n'avais pas imaginé qu'il puisse le faire, un duel entre les deux anciens numéro 8 du Stade français. Et là, on voit Cunavoré qui vient sauver son club. Il lui tape dans le ballon. Incroyable. Sergio Parissé qui lâche ce ballon juste avant d'aplatir. Incroyable, une occasion. C'est vrai que c'était bien vu de la part de l'arbitre parce qu'on avait l'impression qu'il avait marqué. Et l'essai devrait être logiquement refusé par Gérard Boréani. Ok. Merci Gérard. Merci. Reprise du temps. Mêlée. Ah, c'est un véritable tournant. Hein. On revoit l'action, Thomas. Ouais, très belle chandelle. Et là, Sowerby, le numéro 1 du Stade Toulousain, qui va être isolé sous la pression de Parissé, qui est dans un bon tempo, arrive à prendre le ballon et qui croit qu'il va marquer. Mais Cunavoré se bat jusqu'au bout. C'est la marque des grands. Hein. Allez, on revient sur cette mêlée. Introduction, Byron Keller à 5 mètres de l'embut toulousain. Départ de Sowerby. Il a échappé belle finalement grâce à cet en avant de Parissé. Son erreur est moins catastrophique. Dégagement contré. Du coup, et de nouveau, maintenant, ce sont les Parisiens qui mettent la pression dans les 22 Toulousains. Ah, il faut se ressaisir du côté toulousain. Deux actions parisiennes ont mis une pression assez grande et il faut se dégager de ces 22 mètres. Donc, tous les Parisiens font un bon quart d'heure et arrivent à mettre la pression aux Toulousains. Raccourci par les Toulousains, lancé Servat, contesté par Marchois et les Parisiens. Finalement, c'est Omar Hassan qui récupère et qui charge. Derrière les pieds là-bas. Keller va se charger lui-même du dégagement en touche. On approche de la demi-heure de jeu. 6-3 pour le Stade Toulousain, deux pénalités d'Elissalde contre une d'Hernandez. C'est bon pour toi, Kim ? C'est bon ? Avec un lancer à suivre. Dimitri Zarzewski pour les champions de France. Ça sent plus clair. 10, 2, 3, 4. Qui en veut aussi encore raccourci l'alignement. C'est pour Duploy en début d'alignement. Mais là, on peut cafouiller qui file le long de la ligne de touche, obligeant Dominici à se replier et à dégager. Directement dans les bras de Byron Keller qui va pouvoir servir Cédric Emmanse. Attention à Cédric Emmanse qui est lancé. Emmanse, ouf. Hors jeu de la défense parisienne. Ah, il est allé franco. Ouais. Et on se souvient tous de cet essai qu'il avait marqué. Vous convergez vers le porteur. Clermont. Face à Clermont qui avait été magique. Voilà, tout côté félin d'Emmanse. Et qui va aller au contact. Il sent qu'il n'y a pas de... Numéro 2. D'espace. Voilà, il est pris en sandwich par deux joueurs, mais qui étaient hors jeu. L'indiscipline aussi des ballons perdus en touche qui coûtent très cher de chaque côté. N'arrive pas à construire. Messieurs, il a pris un petit bouchon quand même. Mince, là, rapidement, il a récupéré la guille. Avec Guinovski, c'est encore parti pour être crispant cette histoire.
Mais c'est ça, c'est deux grandes équipes qui se rencontrent. Une occasion d'essai pour Paris, une occasion pour nous louper. Alors j'en ai 8 encore, c'est ça. On ne comprend pas. Un drop loupé par Hernandez. Voilà. Je pense que la première mi-temps est extrêmement équilibrée, comme on s'y attendait. Avec deux défenses très très vigilantes. On est obligé de passer par du jeu au pied, par-dessus. Et c'est le premier qui va craquer. Voilà, comme d'habitude, sous le soleil de Bordeaux. Merci. Elissalde, c'est trop court. Chouïa trop court pour Jean-Baptiste Elissalde. On en reste à 6-3 en faveur du Stade Toulousain. C'est hors-jeu, vous lui fermez la porte. Juste sous la barre. Il y a une époque, sous la barre, là, sur ce poteau-là, ça passe, c'était compté hein, par les arbitres. Vous il y a très longtemps. D'une belle histoire de rugby, là, la Guy, tout de votre à fait. Époque. Une demi-finale entre Paris et Toulouse aussi. Remémorer la... Voilà, redonnez-nous la mémoire derrière. Un petit peu de cette belle action qui avait valu un prix après, de après, play, après, hein, sur un arrêt de jeu. Un de vos collègues du Racing. Allez, attention. Ah, c'est le ballon pour William Servat à 8 minutes de la fin de cette première période. Médard, pris par Marconnet, lui échappe. Maxime Médard avec Sauverby pour Josion maintenant qui s'engage. Josion en avant de Cunavor, récupération de Dominici. Sous la pression de Médard, M. Massiello va siffler l'en avant. Oui, au départ, Maxime Médard encore qui est venu fixer. Donner un très bon ballon à Sauerby. Josion qui fait la différence. Peut-être sur l'extérieur, il va donner ce ballon. Et mauvaise entente entre les deux centres. Et pour les jeunes qui nous écoutent, Thomas, une belle histoire de sportivité, la Guy, lors d'une demi-finale ici. Oui, demi-finale en 91, oui, entre le Racing et Toulouse. Celui qui est devenu aujourd'hui l'un des associés de Guy Noves, Philippe Rouget-Thomas, avait planté un drop qui était passé sous le poteau. Et nous l'avions vu, et Jean-Baptiste Lafont l'avait même vu. Il n'avait pas signifié à l'arbitre spécialement qu'il était passé sous le poteau, ça ne dérangeait personne. Mais c'est vrai qu'on avait perdu une finale là-dessus, puisqu'en demi-finale, nous avons perdu 13-12 contre Toulouse, et que Toulouse était allé jouer contre Bègle la finale. Voilà. Et ça nous a valu par l'arbitre alors qu'il était passé. Voilà. Et ce qui nous a valu le prix du fair play. Voilà. L'année d'après. Sa console. Lancé parisien maintenant. On revient sur cette demi-finale après cette savoureuse anecdote du temps jadis. Avec un coup de pied directement tapé en touche de la part de Maxime Médard. Donc on revient à l'endroit où il se situait avec une touche pour Paris. Prise de balle, Marchois qui dévie sur Elboui. Hernandez, Liebenberg. Liebenberg pour Hernandez encore. Bien joué là, la passe dans le tempo pour Nani Corletto maintenant qui retrouve intérieur Sergio Paris et que le ballon en route. Interception de Keller qui peut essayer de donner vers Emmanse, pressé par Sobad. Médard, pardon, pressé par Sobad. Moi je trouve une belle action parisienne. Je sais ce que tu vas dire, la Guy. Très bonne action. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les Toulousains défendent très très serré, que ça va leur coûter cher à un moment du match. Ouais, ils défendent très serré, et puis il y a un gros espace entre Cunavor. Il y a un gros espace entre le deuxième centre et l'ailier. Et Corletto, on vient s'engouffrer dans cet espace. Ça fait deux fois que si les passes avaient été assurées, je pense qu'on parlerait d'un autre score. Ouais, tout à fait. En tout cas, Hernandez est qui est venu redoubler, donner une belle passe à son arrière. Chez vous, là. Reculez. Très bien. Keller, Elissalde. Coup de pied de dégagement du demi d'ouverture toulousain qui trouve la touche sur la ligne médiane. Il y aura un changement de programme, Eric, pour l'équipe de Paris qui ne restera pas à la mi-temps sur la pelouse, mais qui ira dans le couloir parce qu'il y a une différence très sensible de température. Il y a au moins, là, il y a un 10-15 degrés d'écart entre le couloir et la pelouse. Oh, pas fait. Il y a 12 degrés. Ouais, c'est je crois qu'il faut prendre le manteau pour aller sous le couloir. Ouais. C'est assez logique de ne pas rester sur la pelouse avec la chaleur fait alors que Florian Fritz sur le banc sera sans doute tout à l'heure. Et l'un des jokers du Stade Toulousain dans cette demi-finale. Il est certes revenu de blessure, mais maintenant il est bien revenu, il est de nouveau en forme. Duploy dévie sur Albouy, Hernandez, Liebenberg. Liebenberg attaque la ligne, plaqué par Elissalde. Albouy, un ballon qui n'est pas sorti très très vite. Des renversements d'attaque des Parisiens avec Brian Liebenberg encore, plaqué par Dan Newman, le pilier gauche du Stade Toulousain. Je vais pas. Albouy, c'est pour Christophe Dominici. Pas trop de solutions face à la défense toulousaine et préfère passer par le sol pour libérer son ballon. Bon plaquage d'Elissalde sur Dominici. Albouy, ça va jouer au pied. Chandelle de Juan Martin. Hernandez, elle est montée très très haut et dessous, il y a des Toulousains. Et un en avant aussi. Je ne suis pas sûr. Quand il n'y a rien, il n'y a pas en avant, je crois. Moi, je ne le vois pas en avant. Guy Noves non plus.
alors que Albouy est blessé. Albouy est au sol, le demi de mêlée parisien, et que le ralenti, Thomas. Arrêt du temps. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui se précipitent sous le ballon. Je pense que c'est sur Dongui qu'il faudrait un plan un tout petit peu plus large pour voir, parce que c'est quand le ballon rebondit sur les jambes de. Merci. Sur les tibias de Dongui que l'arbitre a jugé en avant. Ouais. Jérôme Filliol, attentionneur, peut-être va-t-il rentrer dans cette demi-finale tout à l'heure en deuxième mi-temps. Hein. Alexandre Louis, c'est pas sérieux pour lui. Le demi de mêlée parisien peut reprendre sa place. Ah, il y a une consommation d'eau là. Oui, c'est un peu normal. C'est la chasse à la canette, comme on dit dans le Tour de France. Stade de plaquage, Thomas. Ouais, stade de plaquage avec beaucoup plus de plaquage raté du côté parisien. Alors que Toulouse est bien mieux organisé. Paris doit faire attention, doit être vigilant. Mais malgré tout, je pense beaucoup plus de franchissement du côté parisien avec ce problème. Attention, ce ballon lâché par Sobad, la passe a été mal assurée, n'a pas pu profiter aux Toulousains qui ont commis un en avant. Problème entre le second centre et l'ailier. Et encore la défense toulousaine bien organisée qui a failli. Sobad qui est sous la pression. Ouais, parce qu'ils étaient un petit peu plus large. Voilà, ouais, avec une Amorée un peu mieux placée avec Emmans. Emmans qui avait peut-être l'opportunité d'aller. D'aller porter le danger dans le camp parisien. Voilà, on voit des en avant, beaucoup de ballons perdus comme hier. Je vous annonce que Jean-Baptiste Elistam est touché, qui a demandé un peu d'élasto, j'ai l'impression, pour faire le tour des côtes. Voilà. Ouais, c'est le demi-ouverture internationale du Stade Toulousain. Très sollicité depuis le début du match. Un joueur, peut-être un des joueurs les plus doués de sa génération, qui peut jouer à tous les postes. Véritable boule d'énergie pour une équipe. Il y en a deux comme ça, ils sont l'un en face de l'autre. Paris C, Dominici. Dominici résiste au plaquage, mis au sol maintenant par Bouillou. Sortez Blanc. Ça en sort pour Albouy. Hernandez, feinte de passe d'Hernandez. Bien pris. Le relais de Duploy chassé par Keller avec Stéphane Glas et en avant dans la transmission entre les Parisiens. Ouais, Hernandez qui est allé encore attaquer la ligne, mais c'est pas forcément suivi par ses coéquipiers. Et là. Oui. Essaye de se replacer, de rejouer, mais Cunabor qui vient mettre la pression. On va aller. Ah, ils sont déchaînés, Pierre et Poitrono, dans les tribunes, sur cette phase défensive de leur équipe. Ah oui, je pense que voilà, c'est ça, Jean-Baptiste se fait soigner là. Oui. Christophe et, il a mal, hein. Je ne sais pas. L'alternative à Elissald sur le banc des Toulousains, en fait, c'est plutôt Yannick Jozion qui pourrait passer à l'ouverture éventuellement si jamais Jean-Baptiste Elissald devait quitter ses partenaires, puisque Gyafi Dutoit, le sud-africain, n'a finalement pas été retenu sur la feuille de match. Il doit faire chaud avec ses belles perruques aussi. Même à l'ombre. Attention Keller. Il faut introduire. Il faut introduire. Non. Introduisez. Elle essaye de parler français. Keller. Flexion. Yannick Bou, l'entraîneur des avants, à côté de Jean-Michel Rancou, le chargé du recrutement au Stade Toulousain, gros poussé parisien. Ça sort pour Keller. Elissald, le coup d'œil, le coup de patte qui fait cavaler là-bas Ignacio Corletto. Bon dégagement de l'international argentin en touche directement dans les bras de Sauverbi. Il vaut mieux ne pas la jouer. Non. Ça n'était pas dans les intentions du Sud-Africain. Allez, ça baisse un peu de rythme en cette fin de première période. Ça sans doute les effets de la chaleur. La mi-temps fera du bien. Au cours de la mi-temps, nous reviendrons évidemment sur la qualification de Clermont hier aux dépens de Perpignan avec un beau résumé de cette première demi-finale. Lancé Servat qui échappe à du sautoir. Ballon gagné par les Parisiens, récupéré par les Toulousains. Mais deuxième rose. C'est un en avant toulousain d'abord qui va donner une mêlée. Introduction Stade français. Premier en avant blanc. Pour pouvoir gagner ses ballons sur ses munitions. Là, il y a trop de déchets, trop de ballons perdus en touche des deux côtés pour pouvoir réellement porter le danger. Touché, stop, après. Dans le camp adverse. Départ de Sergio Parissé derrière ce regroupement. Frac ! Leader, leader ! Derrière ! Albouy. Frac !
Non, c'est la fin de cette première période. La sirène ne devrait pas tarder à retentir avec Simon Taylor maintenant. La voici. Peut-être une occasion de score et peut-être une occasion d'égaliser pour le Stade français dans les derniers instants de cette première période. S'ils obtenaient là une pénalité, Albou, il lève les bras, réclame un coup de sifflet de l'arbitre. Le ballon va sortir. Hernandez va-t-il tenter le drop de 50 mètres? Oui, mais ce sera un drop plutôt rase-motte. Trois échecs, trois drops manqués par Juan Martín Hernandez en première mi-temps. Et fin de cette première période sur ce score de 6-3 en faveur du Stade toulousain. Bienvenue dans les coulisses de Rien dans les poches, une création originale Canal+, produite par Alain Chabat avec Emma Decaune. Le film démarre, elle a 17 ans, elle habite au Val de Fontenay et elle dit fuck à sa mère. C'est toutes les années 80 jusqu'à aujourd'hui. La nuit, Paris, la chanson. La coke, le sida. C'est pas du tout le trac. Alors mon personnage, c'est le personnage de Lolo. Lui, il fait de la musique depuis longtemps et il cherche une chanteuse. On n'attend pas, mais qui fait bien d'être là. Je pense que c'est un mélo. Je pense que Marion est en train de faire un mélo. Rien dans les poches, actuellement en tournage et prochainement sur Canal+. Suivez le Top 14 avec Orange. GMF, assurément rugby, assurément humain. Avec Société Générale, par amour du rugby. Ok, blanc. Coup d'envoi de cette seconde période, 6-3 dans 40 minutes ou plus s'il faut les prolongations. On connaîtra l'adversaire de Clermont pour la finale la semaine prochaine, que vous pourrez suivre bien évidemment en direct sur Canal. Au terme d'une journée de sport exceptionnelle où nous vous diffuserons le test match Australie-France, l'Open de France de golf, le tournoi tennis de Wimbledon et la grande finale du Top 14 au Stade de France. Jour de finale à partir de midi moins le quart la semaine prochaine, samedi prochain. Vous serez des nôtres, Thomas. Oui, bien entendu, bien sûr, d'avoir cette équipe de France face à l'Australie. Couloir, décalé de 5-4. Avec tous ces jeunes joueurs qui sont partis sous la houlette de Marc Liebremont et d'Emile Ntamack. Voilà, les deux tests en direct sur Canal. À Ciné puis à Brisbane. Ballon toulousain. Pas de mêle, hein, derrière les pieds. Keller va pouvoir servir. Oui. Son demi d'ouverture. Elissal, coup de pied long qui va atterrir dans les bras de Christophe Dominici. Un crochet, deux crochets Dominici. Hop, comme à ses plus beaux jours, Dominici qui sert Hernandez. Bien joué de la part de Juan Martín Hernandez qui va trouver le soutien intérieur de Sergio Paris. C'est repris par du sautoir. Les Parisiens sont déjà sur les veines de Toulousain, mais en avant. En avant parisien. Contesté par Parisien d'ailleurs. Toulousain, une chandelle des Toulousains. Une défense mal montée. La Dominici qui arrive à percevoir l'espace, à s'engouffrer. Hernandez qui vient croiser. Qui donne ce ballon à Parisien, mais qui est plaqué par du sautoir. Alors est-ce que c'est du sautoir qui rabat ce ballon? Oui, il me semble, je suis pas sûr qu'il y en a. Ouais, ou Parisien qui le perd. Lié. En tout cas, l'arbitre a tranché. Keller, Elissal va plutôt laisser le soin à Cunavor de dégager ce ballon. Cunavor trouve la touche. Ah, c'est une arme, hein, le pied gauche de Cunavor, qu'on ne connaissait pas trop, mais qui a été bien utilisé à bon escient. La stade des franchissements, Thomas. Stade des franchissements, oui, Paris qui arrive. Elle n'a pas eu beaucoup en même temps. Plus à pénétrer, on l'a dit, sur les extérieurs, à l'extérieur du centre toulousain, entre Cunavor et Dongui, souvent, ou alors le franchissement là, de Dominici sur un exploit personnel. Prise de balle de Bola Duploy sur le lancer de Zarzewski. Pour l'instant, les champions de France en titre, le Stade français, sont menés de 3 points par le Stade toulousain dans cette deuxième demi-finale. Groupé pénétrant qui progresse légèrement dans le camp toulousain. Très bien. Chez vous, 8 blancs. Un arrêt. Albouy écarte sur Hernandez. Hernandez va essayer de prendre l'intérieur. Il est pris par Elissal, puis donné à Liebenberg, ceinturé par Josio. Ballon récupéré par les Toulousains, gagné par le Stade toulousain, qui va pouvoir lancer le contre avec Cunavor. Cunavor qui préfère jouer au pied. Il y a le sprint de Médard, le sprint de Dongui aussi, le sprint de Sobad. Médard va très vite. Médard le sprint avec Sobad. Sobad, Médard, Médard, Sobad. Médard. Médard qui doit aplatir cet essai. Quel sprint extraordinaire de l'arrière toulousain qui a réussi.
réussi à prendre sur les cannes le pourtant très rapide de Julien Sauvade. Monsieur Massiello a quand même, je crois, demandé l'arbitrage vidéo. Maxime Médard a-t-il aplati avant Julien Sauvade? Thomas, le verdict. On va voir Médard qui prend l'ascendant. Il va mettre ce petit coup d'épaule à Sauvade pour permettre de passer devant et marquer cet essai qui va être accordé au Stade Toulousain sur ce coup de pied de Cunavoré dans la défense. Voilà Maxime Médard, joueur proté, des qualités exceptionnelles, de la vitesse, qui vient marquer cet essai. Alors, est-ce que cet essai va être accordé par Gérard Boréani, l'arbitre vidéo? Ce serait le premier essai de cette demi-finale après la navante tout à l'heure sur la ligne de Sergio Parissé. Essai accordé par monsieur Massiello, Maxime Médard. On vous disait tout à l'heure, Guidoves dit de lui qu'il a le potentiel pour être de la prochaine Coupe du Monde avec les Bleus. Et c'est parti d'un ballon récupéré par les Toulousains. Oui, Servat qui passe à Cunavor. Cunavor qui voit qu'il n'y a pas d'arrière, pas de couverture. Et là, Maxime Médard qui part en même temps que Sauvade. Sauvade très rapide, mais Médard exceptionnel qui arrive à le prendre de vitesse, passer son épaule et aplatir. Aplatir son 13e essai de la saison, parce que Maxime Médard est le deuxième meilleur marqueur d'essai du championnat. Derrière qui? Eh bien derrière l'inévitable, l'incontournable Napoléoni Nalaga, le Clermontois, qui a planté son 18e hier. Jean-Baptiste Elissal pour la transformation qui va passer entre les perches du Stade Chaban-Delmas et le Stade Toulousain mène maintenant 13 points à 3 face au Stade français. Jean-Baptiste Elissal, il va sortir. Hein, il est au max. Alors je ne sais pas comment ils vont se réorganiser, parce que je vois Florian Fritz qui se prépare. Je ne sais pas qui va passer à l'ouverture. Josion théoriquement, ouais, si ça se confirme. Alors qu'il y a le coup de pied de renvoi a été donné par les Parisiens et que les Toulousains sont présents dessus et récupèrent ce ballon. Maintenant cette demi-finale est lancée, bien lancée, parce qu'il y a 10 points d'écart et les Parisiens vont devoir sans doute se découvrir un peu plus avec ce rebond qui a failli piéger la défense parisienne, dont n'ont pas pu profiter les Toulousains. Et Cunavor d'ailleurs en avant. Ouais, on sent que ça tient à un fil. Ouais. Ballon perdu, ballon récupéré. Deux équipes qui sont capables de contre-attaquer de façon spectaculaire. Alors que va-t-il se passer? Florian Fritz, Thomas va rentrer. Ouais, et quel numéro dans ce match. Et 10. Florian Fritz va rentrer. Ok, merci. À la place. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vois du sautoir qui sort. Fino Maka aussi qui rentre. Fino Maka qui rentre. En même temps que Florian Fritz, du sautoir sort. Et il était incertain, n'oublions pas, il était incertain pour ce match. Ouais, oui, il n'avait pas joué depuis la finale de la Coupe d'Europe. Et c'est bien Jean-Baptiste Elissalde qui sort. Ouais. Thomas, le coup d'œil, c'est Josion qui va prendre le poste de numéro 10. Coup dur pour le Stade Toulousain qui perd une de ses pièces maîtresses. Son buteur, très précis aujourd'hui, qui a bien organisé son équipe. Christophe Dominici blessé aussi. Je pense que c'est Emmons qui va buter peut-être. Ouais, sûrement. Ouais. Ouais. Ah, Christophe Dominici, saignement. Ah, il touche à la commission des lèvres. Il est touché, Christophe Dominici. Emmons peut buter, bien sûr. Cunavor aussi. Eric, oui, avec Jérôme Fiol. Jérôme, qu'est-ce qu'il s'est dit à la mi-temps? De continuer à jouer, parce que je pense que dans l'intention c'est très bon. Il y a quelques maladresses dues à la chaleur, à la transpiration des joueurs, mais dans l'intention et dans le jeu on répond présent. Donc il faut continuer à produire notre jeu qu'on a mis en place. Merci. Bien sûr, ce ballon cafouillé est perdu. On a perçu Lionel Boxis qui est rentré côté parisien. À la place de qui Boxis est-il rentré, alors que c'est Fritz là qui vient de taper ce coup de pied? Donc si ça a dû rentrer à la place de Dominici. De Dominici qui est sorti. Oui, c'est un placement temporaire, oui bien sûr. Dominici sorti pour se faire soigner. On sent que le Stade Toulousain a l'occasion d'enfoncer le coup. Le Stade français est un peu sonné par cet essai. Ça va. Et c'est vrai que si Toulouse arrivait à marquer à nouveau, ça serait difficile pour le Stade français de revenir. Néanmoins, méfions-nous du Stade français qui revient tout le temps dans ses matchs et qui ne lâche jamais. Merci beaucoup. Sur la tactique les Parisiennes depuis dans leur histoire. C'est le dernier match de Dominici, c'est le dernier match comme entraîneur de Galtier. Il y a eu les blessures de Papé, de Strella, l'arrière de la carrière de Devilliers, aujourd'hui annoncé de Duploy. Il y a eu évidemment la disparition de Thierry Gilardi, leur vice-président. Vous pouvez faire confiance aux Parisiens sur l'affectif pour trouver les ressources pour revenir dans ce match. Ça risque d'être tendu jusqu'au bout avec une chandelle montée maintenant par le nouveau demi d'ouverture toulousain, Yannick Josion. Dessous, il y a Hernandez qui est pris. Albouy.
pour Simon Taylor, l'Écossais, qui a rebondi blessé sur la défense. Hernandez est blessé, il est au sol. Et les Parisiens quand même qui ont failli transpercer. Lâchez. Ballon toujours pour Albouy, la passe, Taylor, Taylor box 6, box 6 pour Hernandez qui s'est... Corletto, Paul Duplo qui tape à suivre, qui est contré par Sauverby. Récupération de Youman maintenant pour le Stade Toulousain dans les 40 mètres parisiens. Je vais pas. Sur Stéphane Glas, pris en position de hors-jeu par Monsieur Massiello. Bouillou, Servat pour le Stade Toulousain qui est en train de dominer ce début de deuxième période. Avantage en cours et pénalité en faveur des Toulousains, sifflé par Monsieur Massiello. Ouais, Toulouse marque son empreinte sur ce match, domine le Stade français. Stade français qui essaye de se débarrasser de la pression défensive des Toulousains, mais qui n'arrive pas à trouver les espaces. Il appelle Josy, il ne parle pas de sa fille, mais Cunavore. Bah, c'est-à-dire que Aymance est gaucher. Alors Cunavore peut buter, simplement son taux de réussite, qui est mesuré par notre expert Jérôme Collin tout au long de la saison, n'est que de 45%. Hein. C'est un très petit taux de réussite pour un buteur, il n'a pas buté très souvent. Ça ira, tout à l'heure, oui. Mais en phase finale, c'est important. C'est important. Bah, je disais qu'Aymance était gaucher, mais il me semble que Cunavore aussi. Oui, Cunavore est gaucher aussi. Fabien Pelousse, marqué physiquement et par la chaleur, par l'engagement de ce match, alors que Elissal aura peut-être une finale à jouer la semaine prochaine, alors il faut se soigner le plus vite possible. Il souffre. Maléli Cunavore. Voilà, beaucoup de pieds du Fidjier qui va passer entre les perches. Qu'importe ce que disent les statistiques, Cunavore rajoute 3 points alors que Elissal souffre sur le banc toulousain. Stade toulousain 16, Stade français 3. Ah, une image importante pour le Stade toulousain dans le cas où il devrait passer cette demi-finale. Mais belle pénalité de Cunavore qui remplit sa tâche de la meilleure des façons. Et marque 3 points pour Toulouse. Renvoi volé par Paris, c'est dans le camp parisien sur Marconnet. Albouy maintenant. Hernandez qui va mieux. Juan Martin Hernandez, il va falloir tenter des coups côté parisien maintenant. Stéphane Glas qui échappe au plaquage. Stéphane Glas toujours croise maintenant avec Boxis. Il a retrouvé Rémi Martin. Bonne défense des Toulousains avec Fino Maca qui met au sol le troisième ligne parisien. Albouy. Hernandez. Hernandez pour Lionel. Pour Sergio Parisse qui lâche le ballon et qui est récupéré, encore un ballon perdu par le Stade français et un contre mené par Byron Keller avec Dan Newman qui peut passer ce ballon à Médard. Les Toulousains qui adorent ce genre de ballon de récupération. Médard qui perce, plaqué par Albouy, ça ressort. Keller avec Josion, Fritz maintenant plaqué, le soutien est là, c'est Albacete avec Cunavore qui demande ce ballon de l'autre côté. Ah, ça avance, mêlée ouverte, ça ressort pour Byron Keller. Ce sera du jeu au pied de Yannick Josio dans les bras d'Hernandez. Coup de pied très tendu du demi d'ouverture parisien. Il ne va pas trouver la touche. Il ne va pas non plus sortir en ballon mort. Et va permettre à Shaun Sauverby d'aplatir tranquillou dans son en-but. Bravo 22. Ouais, Sauverby décide de faire reposer son équipe. Il y a eu beaucoup de tempo lors de ces dernières minutes. Beaucoup d'énergie dépensée. Il faut se ressourcer. Arrêt du temps. Il y a un changement de côté parisien. Mathieu Blin qui rentre à la place de Dimitri Serzeski et David Atoub qui va donc rentrer à la place de Rodrigo. Le temps est arrêté, messieurs. On sent que ce match peut rebasculer encore. Deux changements en première ligne côté parisien. Marconnet. Hein. C'est Marconnet qui sort. Ils avaient annoncé. Marconnet et Zarzewski. Il pourra revenir, Sylvain Marconnet, puisque un joueur de première ligne qui ne sort pas sur blessure peut revenir dans le jeu après. Renvoi au 22, tapé par Yannick Josion. Il reste une demi-heure dans cette demi-finale ici à Bordeaux et 13 points d'avance pour le Stade toulousain face au Stade français. Eric, il y a un problème parce qu'effectivement, regardez Fabrice Landreau avec les arbitres. C'est pas ça du tout qui a été demandé. Sylvain Marconnet devait rester sur la pousse. C'est Rodrigo Roncero qui devait sortir. Et voilà, Sylvain Marconnet qui va rentrer. Alors attendez, on n'a pas suivi là donc. Je vous avais dit que c'était Rodrigo Roncero qui devait sortir. Alors Marconnet revient. Voilà, et Roncero va donc sortir puisque c'est ça qui avait été annoncé au départ. Merci, comme ça Stéphane, vous aviez raison. Précision d'importance et Fabrice Landreau n'a pas hésité à intervenir. Prise de balle, Sauverby pour le Stade toulousain. Ça y est, on est dans la dernière demi-heure de cette demi-finale. Avec un groupe pénétrant des Toulousains.
ont déjà atteint cette saison la finale de la Coupe d'Europe. Vont-ils atteindre la finale du top 14? Coup de pied à suivre, chandelle de Byron Keller. Elle est un peu courte. Dessous, il y a un ballon volé par les Parisiens sur Corletto. Nani Corletto qui essaye de percer, qui trouve le relais de Brian Liebenberg. Accélération de Liebenberg qui avait été décisif la saison dernière, ici même contre le Biarritz Olympique lorsqu'il était rentré en jeu. Albouy a du mal à extraire ce ballon. C'est fait. Hernandez, Boxis avec le crochet d'Hernandez. Il est là, Hernandez. Il a retrouvé Lionel Boxis. Accélération de Boxis qui est retenu par Cunavor. Mêlée est ouverte. Est-ce que ce ballon va sortir rapidement pour les Parisiens? Avantage en cours et pénalité pour le Stade français. J'annonce Eric. C'est un 5. Voilà l'arbitre qui explique. Il avait annoncé Rock. Donc il ne voulait plus qu'il y ait de lutte au sol. Et Albacete qui a continué sur ses jambes, certes, mais l'arbitre lui avait donné consigne. Et là on voit Hernandez qui se faufile et qui va redonner ce ballon à Boxis, qui va s'engouffrer dans la défense toulousaine, être repris par Cunabor et entraîner cette pénalité pour le Stade français qui a failli marquer. Et Liebenberg s'était extrait de son regroupement, était repris in extremis par Keller. Thomas, les Parisiens veulent réduire le score avant tout et donc ils tentent cette pénalité par Juan Martin Hernandez, troisième réalisateur du championnat derrière Brock James et Richard Hurt, qui pour l'instant a réussi la seule pénalité qu'il ait eu à taper et va réussir la deuxième. Le Stade français n'est plus mené que 16-6, 10 points d'écart entre les deux équipes. Et Hernandez qui continue à buter malgré la présence de Boxis sur le terrain. Je suis avec Philippe Projet Thomas, je vous écoute, excusez-moi. Philippe, on sent que ce match vous menez, mais on sent que ce match peut basculer à n'importe quel moment. Tout à fait, oui, on connaît nos meilleurs ennemis, hein, c'est Paris. Et on s'équipe, on sait qu'à tout moment ça peut basculer, il faut serrer les rangs. La chaleur est terrible, on a perdu déjà Jean-Baptiste, le buteur, bon, et le jeu au pied qui nous a soulagé en première mi-temps. Et bien, il faut serrer les rangs et surtout ne rien lâcher. Voilà, encore une faute. Enfin, ça va être... C'est là-dessus que ça va jouer. Oui, ça va être dur chez la fin. Voilà. On le sait, tant mieux pour le rugby, mais bon, pour le cœur, moins bien. On l'a vu souffler tout à l'heure, Roger Thomas. Le renvoi direct en touche, Thomas. Ouais. Erreur rare. La sortie d'Elissalde pourrait être peut-être préjudiciable pour les Toulousains. Ça peut leur coûter très cher. Il reste. Alors que Dominici, et qui est allé se faire soigner là-bas au frais dans le couloir, va revenir sur la pelouse. Introduction d'Albouy. Paris C. Allez, cette demi-finale n'a pas encore choisi son vainqueur. Albouy pour Hernandez. Feinte de passe d'Hernandez qui est bien pris par Josion. Et récupération de Josion qui a arraché ce ballon. Sauverbi pour le contre du Stade toulousain. Hassan, Servat. Servat ceinturé, plaqué, mis au sol par Rémi Martin. Mêlée ouverte, ballon pour les Toulousains avec un renversement d'attaque de Keller pour Yannick Josion. Josion sauté pour Dongui qui prend l'intérieur de Sobad. Dongui qui retrouve du soutien à l'intérieur. C'est Jean Bouillou maintenant. Pelouse est là pour l'épauler. Mêlée ouverte, dit monsieur l'arbitre. Et pénalité contre les Toulousains. Aïe aïe aïe, là Fabien Pelouse, on va voir, mais il avait été pris en... Vous voulez soigner monsieur? Un ciseau. Vous voulez soigner monsieur? J'espère que ce n'est pas trop grave. Arrêt du temps. On va voir ici, regardez, il va être mal positionné, les deux genoux. Aïe. Il s'est un peu retourné comme ça là, arrive, Fabien Pelouse. L'arbitre a demandé à appeler les soigneurs. Sa cuisse. C'est au chevet de deuxième ligne internationale qui a prolongé sa carrière d'une saison encore avec le Stade toulousain l'année prochaine. Stéphane. Quel numéro ? Il y a Christophe Dominici qui va revenir. Le monsieur, c'est le 22. 3 points de suture. Hein. Monsieur. Retour de Dominici et sortie de Boxis. La guille. Oui, avec Jean-Baptiste et ça. Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je pense que c'est une grosse contusion aux côtes. J'espère que c'est pas plus grave. Je crois que Brian Liebenberg m'est tombé dessus et j'ai senti un peu craqué, enfin au moins enfoncé, voilà. Et puis comme j'arrivais plus à arquer sur le terrain et que ça me faisait trop mal, c'était plus la peine de continuer. Quoi. L'analyse de la première période et du début là, c'est quoi pour toi? Bon, c'est très serré, vous savez, la chandelle nous dans l'embut qu'on échappe de peu, la leur aussi, ça peut tourner en leur avantage, ça peut tourner dans notre camp, mais on a eu la chance d'avoir marqué en premier. J'espère qu'on va pouvoir garder le score, pas trop se débarrasser quand même du ballon. Et faire comme ce qu'on vient de faire maintenant. Si on arrive à faire ça encore deux fois dans les 20 prochaines minutes, je pense que ça sera bien parti. Merci. Et pendant cette interview, énorme touche trouvée par les Toulousains. Ouais, suite à une pénalité
loupé par Hernandez qui n'a pas trouvé la touche. Maxime Médard a récupéré ce ballon, fait un coup de pied décroisé, avait jugé qu'il n'y avait personne dans le dos de la défense parisienne et avec un peu de chance a trouvé cette magnifique touche. Très bien joué de la part d'un des grands artisans de la rencontre. Lancé de Mathieu Blair. Ballon très très important, volé par les Toulousains. Volé par les Toulousains, se lancer près de la ligne parisienne avec la charge de Fabien Pelouse qui va mieux. Mêlée ouverte quasiment sous les poteaux du Stade français. Sorti par Keller avec la charge. C'était Pelouse encore. Oui, c'est Pelouse. Le drop. Le drop, non, finalement. C'est pour Maxime Médard. Médard face à Liebenberg. Médard qui arrive à donner son ballon à son soutien. Bien défendu de la part de Liebenberg. Qui est seul face à Médard. Et on reprend un petit peu de temps pour s'organiser côté toulousain. Keller avec la puissance de Servat. Servat qui avance, même s'il était plaqué par Marchois. Ça ressort pour la puissance de Fino Maca. Maintenant, Fino Maca mis au sol par Rémi Martin. Quasiment à 50 cm de la ligne du Stade français. Avantage en cours pour les Toulousains. Byron Keller va y aller tout seul. Il est stoppé, bloqué. Avantage en cours. Non, 4. Ouais. C'est chaud. Pour un deuxième essai toulousain peut-être, alors qu'il y a toujours un avantage en cours. Ça ressort pour Josio, Josio qui va aller marquer. Deuxième essai du Stade toulousain, entre les perches s'il vous plaît. Aplati par Yannick Josio. Ouais, très bien joué de la part du Stade toulousain. Fino Maca qui est venu pilonner au ras des poteaux. Et là, cette passe de Keller, on le voit sur un ballon perdu en touche à nouveau par les Parisiens. Contre toulousain, Sowerby qui la passe à Pelouse. Qui va aller pénétrer la défense parisienne. Et là, on voit Sowerby encore et qui juge trop de pression sur ses joueurs proches du regroupement et qui fait la passe à Josio qui va aller marquer entre les poteaux. Le départ de cette action, Thomas, c'est une pénalité pour le Stade français. Ouais. Et Hernandez qui ne trouve pas la touche. Et une touche trouvée par Maxime Médard qui est depuis le début réellement l'élément déclencheur de cette équipe toulousaine. Et cette belle image de joie, Claire Poitrenaud, les deux grands absents, la transformation de Malélie Cunavor qui porte le score à 23 points à 6 en faveur du Stade toulousain. Regardez la pénalité d'Hernandez qui ne trouve pas la touche. Ouais, Hernandez qui ne regarde pas et puis Maxime Médard qui voit ça, hop, et il tape un coup de pied décroisé dans le dos. Et la derrière, défense, lancé toulousain, lancé parisien, perdu, gagné par les Toulousains. Deux erreurs à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre. Ça fait mal et le Stade toulousain prend le large dans cette demi-finale avec un ballon récupéré quand même là par les Parisiens. Par Marchois, ça ressort pour Albouy avec Hernandez, Liebenberg sauté pour personne, pour Dominici finalement. Allez, va falloir secouer le coquetier. Christophe Dominici qui est sévèrement retourné, qui perd le ballon contre de Emmans, coup de pied de Cédric Emmans et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Monsieur, je suis dans les tribunes avec Vincent Clerc. Si on... je vois qu'il y a une crampe sur le terrain, donc on va en profiter. Vincent, tu fais un peu de rééducation de genoux là, je vois tu montes, tu descends, tu montes. Ouais, je fais quelques squats là, c'est plus fort que moi, j'espère que les kinés ne me regardent pas, mais ouais, c'est tellement prenant, c'est tellement plus dur que pour le stress que d'être sur le terrain, qu'on le vit à 200% en plus, quoi, qu'ils font un énorme match, hyper réaliste, ils donnent un cœur énorme et donc bah, nous on est à 200% derrière. Ce sera plus cool maintenant avec les entraîneurs qui flippent quand ils sont à l'extérieur. Ouais, je comprends mieux les rides d'où ils viennent pour les entraîneurs. Je suis avec Clément Poitrenaud à côté de Clément. Vous vivrez ensemble ou vous parlez un peu ou pas du tout? J'ai l'impression que vous parlez pas du tout avec Vincent. Bah, vous criez mais vous parlez pas. Non, on est un petit peu stressé, énormément pris par le match. Alors voilà, on se saute dans les bras quand nos coéquipiers marquent des points, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le temps pour discuter tactique, technique. On est trop pris par le match. Merci. Tiens, juste j'enchaîne la Guy parce qu'il y a eu des changements côté parisien. Milton est rentré à la place de Ducloy. Boxis est rentré à la place de Nani Corletto. Merci, donc cela signifie Hernandez à l'arrière côté parisien. Boxis à l'ouverture. Mêlé. Il reste un petit peu plus de 20 minutes dans cette demi-finale. Pour l'instant, Clermont se retrouverait face au Stade toulousain la semaine prochaine au Stade de France. Autrement dit, numéro 1 contre numéro 2 de la première phase de ce top 14. Voici Lionel Boxis. Lionel Boxis a joué la Coupe du Monde, a joué le tournoi destination avant même de disputer un match de phase finale du championnat, puisqu'il n'était pas dans le groupe parisien la saison dernière. Albouy. Les Parisiens, il va falloir qu'ils tentent quelque chose et qu'ils tentent quelque chose vite. Charge de Simon Taylor qui perd le ballon à l'impact. Le contre mené par les Toulousains. Ah, le grand de Cunavor.
je pense pas qu'il y a un avant. Nyanga. C'est Nyanga qui est rentré? Oui, c'est Nyanga qui est rentré pendant que je faisais les interviews. Ah d'accord, oula, on est large. Alors, il va falloir voir ça. Et il s'est claqué peut-être. Ah, je suis avec le jeu là. Est-ce qu'il y a un avant? Il va récupérer le ballon, il me semble qu'il le retape avec le pied. Hop là. Ah lui. Oh, il le retape. Oui, mais je vous annonce qu'il s'est claqué. Oui, c'est pas mal. Il venait de rentrer, il était pas chaud, il vient de faire un sprint et il s'est fait mal. Yannick Nyanga qui était rentré à la place de qui en troisième ligne? Alors il est rentré à la place de Jean Bouilloux. Puisque Maca avait remplacé du sautoir. D'entrée il a eu cette opportunité, cette occasion et cette course, peut-être qu'il n'était pas prêt à faire une course aussi intense. Qu'est-ce qu'il dit Guido Vest? Il veut que Yannick Nyanga sorte alors que Jérôme Fillol est en train d'entrer à la mêlée côté parisien. L'ancien joueur absolument du Stade Toulousain. Alexandre Albouy sorti. Qui a été l'une des surprises de cette demi-finale, qu'il ne soit pas le titulaire. Bon, ça peut s'appeler en avant quand même, Thomas, même si effectivement il retouche après avec le pied. Et il ne contrôle pas le ballon, très bien jugé de la part de l'arbitre. Alors est-ce que Yannick Nyanga reste? Oui. Flexion, touché, stop. Je pense qu'ils sont en train de préparer la sortie de Yannick Nyanga. Ballon pour Sergio Paris, c'est derrière cette mêlée parisienne. Il est perdu. Encore perdu. Encore un ballon perdu par les Parisiens. Ça fait beaucoup, ça fera sans doute trop. Yannick Josio qui a marqué Boxis. Josio qui sprint, Josio qui va marquer. C'est le doublé de Yannick Josio qui envoie certainement définitivement le Stade Toulousain au Stade de France pour affronter Clermont la semaine prochaine. Trop de ballons perdus par le Stade français. Fabien Galthié l'a compris. Les erreurs parisiennes nourrissent Toulouse. Toulouse saisit ses opportunités, fait la passe à ses arrières et Josio qui a décelé cette brèche à l'intérieur de Boxis, on le voit là. Pas assez de Parisiens présents sur le regroupement et là Josio qui va voir qu'il n'y a pas de défense à l'intérieur de Boxis s'engouffrer et à la course prendre le dessus sur Hernandez. Ticket gagnant pour Josion à l'ouverture. Ouais, c'est dur pour Yannick Nyanga, obligé de sortir, il sort, à peine entré sur la pelouse. Je peux vous dire qu'il a des larmes parce qu'il sait que je pense que la saison est finie pour lui. Déchirure, problème musculaire à une semaine après de la finale. C'est triste cette image de Yannick Nyanga qui doit aussi toucher son copain Frédéric Michalak qui rejoindra le Stade Toulousain la saison prochaine. Cunavor pour la transformation de cet essai qui fait enfler le score en faveur des Toulousains ici à Bordeaux aujourd'hui. Cunavor, ce sera à côté. Le score 28-6 pour le Stade Toulousain. Eric, je suis avec Fabrice Landreau. Fabrice, il y a plus de 20 points d'écart. Ça commence à être très lourd. C'est quasiment fini pour Paris là. Ah, c'est très compromis. À moins d'un miracle, ça va être compliqué. Ce qu'il faudrait qu'on essaye, c'est de se donner un peu de morale, essayer d'inscrire un essai, ce qui est possible certainement parce qu'il y a quelques espaces à utiliser. Mais je crois que là, moralement, plus la chaleur, c'est un peu difficile de remonter une équipe qui est bien organisée et surtout qu'on perd de trop nombreux ballons faciles issus directement de notre conquête. Donc voilà, ça s'annonce très compliqué. Merci. Et il le sent. Coaching à Toulouse. Dan Newman vient de sortir, il a laissé sa place à Jean-Baptiste Pout. Et on a vu rentrer Romain Miouchuski, je pense, à la place de Nyanga. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser devant. Je pense que Pelouse risque peut-être de passer troisième ligne. Merci. Et voilà. Et Stéphane, et côté parisien, Rabadan est rentré à la place de Taylor. Merci beaucoup. Envoi de Hernandez. Et on le sent que moralement, les Parisiens vont avoir du mal. Fabrice Landreau, vous savez que c'est un Australien, Ewen McKenzie, qui a amené les Waratahs, l'équipe de Ciné, en finale du Super 14, qui prendra la suite de Fabien Galthié la saison prochaine. Peut-être avec Landreau et Dominici comme adjoint, mais rien n'est fait, rien n'est décidé pour l'instant. Et c'est le dernier match de la carrière provisoire de Galthié comme entraîneur, qui se joue ici à Bordeaux. Et cette magnifique attitude de Yannick Josion, décisive dans ce match. Deuxième essai du 3/4 centre international. 28-6. Il n'y a pas de point de bonus en demi-finale, mais sinon les Toulousains l'auraient. Pour Paris, il faudrait scorer plus de 3 fois. 3 essais transformés. Plus une pénalité. Paraît difficile, mais faisable toujours. Il reste 20 minutes, donc rien n'est joué. Malgré tout, Toulouse a pris un grand pas vers Paris pour cette finale. Ouais, prise de balle de Miloszewski, charge d'Albacete maintenant. Keller, coup de pied dans la boîte, comme on dit, sur l'aile de Dongui. Sobad. Relâche le ballon, prend un tempo de la part de Dongui. Pénalité puisque non, c'était plaquage sans ballon. Ouais, il a été plaqué en l'air donc.
Bon, justement, voilà. L'arbitre aurait dû contrôler son action, contrôler sa vitesse. Boum. Voilà, c'est des fautes, hein. C'est des fautes qui sont pas nécessaires, qui vous coûtent, qui peuvent vous coûter cher, donc faire attention. Belle touche trouvée par Lionel Boxis. Va-t-on voir une réaction du Stade français avec tiens l'acteur François Berléand qui est le parrain de ce top 14. Et devant lui évidemment le président du Stade français, Max Guasini, aux côtés de Christian Bagat qui est à la commission médicale de la Fédération française de rugby. Finalement, le score de cette deuxième demi-finale est aussi déséquilibré que le score de la première hier en faveur des Clermontois contre Perpignan. Et on risque de finir avec le premier face au second. Voilà, ce qui serait la logique après la première phase du top 14. Cunavor. Jeu au pied du Fidjien dans les bras d'Hernandez. Allez, il faut que le magicien tente quelque chose. Il tape à suivre par-dessus pour lui-même. C'est trop long. Finalement, c'est Servat qui récupère. Plaquage raté sur Servat. Pénalité pour hors-jeu. Voilà, hors-jeu. Joueur parisien n'avait pas fait l'effort de se sortir de cette zone de 10 mètres. Et on jouait suite au coup de pied d'Hernandez. Dans le public de Bordeaux, l'équipe de France de hand féminin que l'on retrouvera évidemment aux Jeux Olympiques que vous pourrez suivre à partir du 8 août sur Canal+. Puisque le hand féminin et le hand masculin sont les deux équipes de sport co qualifiées pour les Jeux. On va faire vibrer quand on a fait dans le passé. On sait que l'entraîneur de l'équipe masculine, Claude Onesta, est un grand passionné de rugby. Sans doute Olivier Crumbles aussi. Et ses filles qui sont là pour savourer cette ambiance qui commence à monter parce que les Toulousains, les supporters toulousains sont déchaînés. Évidemment, en charge de Fino Maca, Keller et on écarte Sauverby, ceinturé par Parissé. C'est un score lourd pour les champions de France en titre qui sont en train de voir s'enfuir le bouclier de Brennus alors que feinte de passe de Keller. Pelouse n'a pas bien contrôlé ce ballon. Ouais, Keller qui va apporter sa pièce à l'édifice. Pénalité pour Toulouse. Ça branche entre Fiol et Keller. À un quart d'heure de la fin de cette deuxième demi-finale. 22 points d'avance. Le Stade toulousain va pouvoir gérer avec en plus à suivre 3 points à prendre. 3 points à prendre parce que ça permet aussi de faire récupérer les organismes, Thomas. Oui, ça permet aux joueurs de pouvoir récupérer. On voit Keller qui a besoin, qui avait fait cet effort au ras du regroupement. Et Toulouse qui va gérer son match maintenant pour ses 15 dernières minutes pour prendre le moins de risques possible, laisser le moins de joueurs parce que cette demi-finale a laissé des traces et éviter bien sûr que la pression parisienne se refasse sentir dans les dernières minutes. Il est difficile de se concentrer pour un buteur avec la hola dans les tribunes du stade et du coup avec une avance, c'est assez nettement à côté. Je vous disais en avant-match, Guy Noves était persuadé que le Stade français avait tout fait pour rencontrer Toulouse en demi, parce que souvent les Toulousains réussissent aux Parisiens. Mais les Toulousains disaient, ils veulent nous rencontrer, on sera présents. Cet essai de Touilagi à la dernière minute sur Stade français Perpignan était difficile à juger. Contesté par les Parisiens d'ailleurs. Qui attaque là, ici avec Stéphane Gla. Gla pour Milton, le deuxième ligne sud-africain. Et puis donner son ballon à. C'est Rabadan qui s'est blessé dans la ligne de trois quarts des Parisiens. Fiol jouait assez rapidement. Lance Liebenberg. Comme hier, Perpignan, on attend la réaction d'honneur du Stade français dans cette fin de match. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer. Alors là, bon, ils ont. Soit ils tapent en touche, soit ils jouent sur pénalité rapidement. Hey, c'est pas facile pour les Toulousains, parce que figurez-vous que là, ils ont quand même un jour de récup en moins pour la semaine prochaine. Les organismes vont être fatigués, mais ils n'ont pas encore gagné. Donc ils ne peuvent pas vraiment gérer, parce que en un quart d'heure, je pense que le match peut encore. Bien sûr. Et puis Dominici, que l'on a vu là, dernier match de sa carrière, si le Stade français est battu aujourd'hui, il va bien tenter quelque chose dans les dernières minutes. Lancé pour Mathieu Blair. Capté par Cliff Milton.
à une dizaine de mètres de l'embut du Stade Toulousain. Un bol bien structuré. Hein. Allez, les Parisiens vont essayer d'aller en force. Ils sont pour l'instant bien contenus par le pack du Stade Toulousain. Allez, ça se met en marche. Non, ça va passer par le sol. Fiol extrait ce ballon. Fiol pour Boxis. Boxis avec Liebenberg. Et Liebenberg bien pris par Josion. Ça ressort pour Jérôme Fiol chassé qui a quand même pu donner. Et ce sera une pénalité pour les Parisiens que Fiol va essayer de jouer vite. Les Toulousains ne se sont pas repliés à 10 mètres. L'arbitre laisse jouer, ça ressort pour Jérôme Fiol. Il y a un avantage en cours pour le Stade français. Rémi Martin, on ne passe pas. Les Toulousains mettent les barbelés pour ne pas encaisser d'essai. Alors, passer par où, Thomas? Passer. Ça semble, la défense toulousaine semble bien organisée, prête à se défendre jusqu'au bout. Et le public toulousain qui donne de la voix pour essayer de soutenir son équipe, à ne pas encaisser d'essai à contact. Voilà, bah ça, c'est ce genre de petite faute, c'est quand rien ne veut sourire. Hein. Voilà, l'arbitre juge que le mol parisien s'est formé avant qu'il y ait un premier contact avec un joueur adverse. Arrêt du temps, attends, bon, ici, t'as pas le droit de faire ce genre d'action. Merci. Arrêt du temps, les soigneurs, s'il vous plaît. Allez, tiens, Marconnet va rentrer, va sortir, pardon, Rodrigo Roncero va rentrer et Roncero sera le capitaine de l'équipe. Merci Stéphane, je profite moi de cet arrêt de jeu pour vous rappeler que demain, à partir de demain, sur les antennes de Canal et Canal Plus Sport, le tournoi de tennis de Wimbledon. Un joli gazon comme ici à Bordeaux, mais un peu plus paisible tout de même. Avec des grands consultants de Canal qui sont prêts. Avec Guy Forget notamment. Monsieur Viard. Voilà, Frédéric Viard, Guy Forget, bien motivé pour le tournoi de Wimbledon. 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 Et avec de bons français en tennis. Attendez s'il vous plaît. Allez, Rodrigo Roncero revient et remplace donc Marconnet pour cette mêlée. Le Stade français va-t-il sauver l'honneur? Parce qu'on a l'impression que pour inquiéter le Stade toulousain aujourd'hui, c'est râpé. C'est pour vous, on vous appelle. Clermont a fait très forte impression hier face à Perpignan. C'est pas moi qui décide. Et le numéro 1 du top 14 s'est largement imposé. Le numéro 2 en fait de même aujourd'hui, alors que Virgile Lacombe remplace William Servat, qui sort sous les acclamations du public toulousain. Il était longtemps incertain, il a tenu et bien tenu sa place. Introduction, Byron Kelleher. On se lève, on se lève. On se lève. Même temps là-bas. Même temps là-bas. Allez, petit compliment de Yannick Bru. Touché, stop, entrée. Connaisseur. Alors, qu'est-ce qu'il décide, monsieur Massilo? La coup franc pour les Parisiens. Joué par Fiol qui lance Roncero. Roncero plaqué et déculotté par Pelouse. Ça ressort pour Fiol. Avec Sergio Parisse pris par Fino Maca et par Hassan. Ça ressort pour le demi-mêlée parisien. N'arrive pas à franchir. Blin. Fiol. Boxis, allez peut-être avec les trois quarts, Liebenberg pour Sobad. Sobad sur ses appuis, les ceintures, il est mis au sol lui aussi. Non, 14, non. Ne lâche rien les Toulousains. Un Josion. Hein. Avec Boxis. Fiol, c'est la petite passe par-dessus, captée par Byron Keller. Et arrêt de voler. Ah, le bison. Ah, il a joué à peine au pied, il est reparti. Hein, lui, pour l'arrêter. Et Byron Keller expédie un grand coup de pied dans le camp parisien. Et en plus, monsieur Keller trouve la touche, s'il vous plaît, à 10 minutes de la fin. C'est dur pour le Stade français. Oh, cette passe d'Hernandez qui a joué vite la touche. Ah ouais, mais il faudra la remontrer celle-là parce qu'elle est magnifique. Hein. Avec Rabadan maintenant qui s'engage dans la ligne, qui trouve le soutien. L'accélération de Mathieu Blair. Ce sont les vieux briscards du Stade français maintenant qui essayent d'aller sauver l'honneur en cette fin de match. Avec un ballon qui tarde à sortir, qui va peut-être être récupéré. Il y aura une faute toulousaine. Pénalité. Peut-être un carton. Hein. Non. Voilà, arbitre. Est-ce qu'il va sortir le carton? Je pense pas. Oui. Si, peut-être. Non, si, non, si, non. Il met en la poche. Non, messieurs, vous êtes loin. Trop de fautes. Voilà. Puis d'abord. 10 minutes dehors. Sans prévenir, des fautes répétées de la part des Toulousains. C'est là que c'est bien pour Toulouse d'avoir 22 points d'avance. Cette image-là n'ira pas dans le calendrier du Stade français. Sarzewski avec un bon bonnet de glace sur la tête. Ok. Il reste moins de 10 minutes.
Sans doute que Cunavor ne reviendra pas en jeu. Cunavor très présent sur le jeu au sol depuis le début de ce match. Il est où? Il est sorti. Qui retarde les ballons parisiens. On vous appelle. Et on se dirige tout doucement vers la finale rêvée par tous les amateurs, Clermont-Toulouse. Je dis rêvé parce que Clermont et Toulouse ont beaucoup montré, beaucoup prouvé tout au long de la saison. Les Clermontois en terminant premier, les Toulousains en allant en finale de la Coupe d'Europe. Les Parisiens ont connu quand même une saison chaotique, des blessures, la fatigue de la Coupe du Monde qu'ils ont ressenti comme d'autres aussi. Alors que Filleul, non, n'ira pas marquer. Il y a eu un coup de sifflet. Il y va quand même, lui, pour le bonheur, pour le plaisir. Il a sifflé, monsieur l'arbitre. Non, il a... Ah non, il n'avait pas sifflé. Il me semblait qu'il avait sifflé. Oui, on a entendu le coup de sifflet. Il m'a semblé qu'il avait sifflé. Est-ce que tu vois une raison pour pas que j'accorde l'essai? C'est curieux, cette action. Non, mais moi, je sais ce qu'il a fait, l'arbitre. Il pense qu'il y a une faute. Oui. Il ne pense pas que Jérôme Filleul va aller à l'essai. C'est sur le coup de pied du neuf qui l'intéresse. Donc, il commence un peu, justement, c'est par rapport au coup de pied du neuf. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il demande. Et après, il arrête parce qu'il se dit que si jamais il n'y avait pas de faute, et qu'il aurait empêché Jérôme Filleul d'aller à l'essai. Mais on a entendu un coup de sifflet quand même. Oui, non, mais je suis d'accord, il a sifflé. Il a sifflé. Ah, je suis sûr. Il a bien sifflé. Et maintenant, il va accorder l'essai si jamais. Alors, l'arbitre va peut-être pas pouvoir juger sur cette image, Thomas. Ok, cherche. Le temps est arrêté, hein. C'est curieux ça. Alors avec le score à 28-6, ça ne prête pas. Faudrait revoir la touche depuis le début. Voilà, on la voit. On dénonce un en avant en touche. Oui, un en avant en touche. Ouais, peut-être ça. Il a sifflé. Ouais. Il avait sifflé. Oui, il me semble qu'il avait sifflé. Les Toulousains d'ailleurs s'étaient arrêtés. Est-ce qu'il a pâti aussi? Oui, il a pâti. Oui. Alors, c'est Monsieur Boréani, je vous l'ai dit, qui prend la décision sur cette action un peu rocambolesque quand même. On va voir l'action. Là, déjà, ça l'arbitre. Fait pas 5 mètres, on dirait. Voilà. Et là, quand l'arbitre vient, on va voir, il va mettre la main sur sa bouche. Voilà, mettre un coup de sifflet. Les Toulousains s'arrêtent. On voit Sauberbi qui a écouté le sifflet. Ok. Alors, la décision de l'arbitre, j'ai entendu ok. Venez, les gars. Ah. Dicté par Monsieur Boréani, donc arbitre vidéo. Au départ, quoi ? Ça, il est aplati, ça, c'est sûr. Au départ, c'est bon. Sur la touche, il y a Blanc qui rabat le ballon. Donc l'action continue. Pour moi, il y a essayé s'il y a autre chose à faire. Ça va. Bien. Eh bien, écoutez, je pense que c'est une action. L'essai va être accordé. C'est une action qui aurait fait beaucoup jaser si le score n'était pas à 28-6. Parce que du coup, le score devrait passer à 28-13. Les Toulousains sont encore avec Guinoves. Ouais, il a dit pas prendre le coup de sifflet. Voilà. Et oui, on l'entend siffler. Oui, là, alors, faut pas dire qu'il est tort. Hein. C'est vrai. On peut pas dire qu'il est tort. On l'a entendu siffler. Et l'essai est quand même accordé. Bon. Chaque seconde est importante, hein. Le temps que Florian Fritz revienne. J'ai comme l'impression qu'il y a un petit peu de temps pour les spécialistes. Oui, là je crois qu'il y a de quoi faire. Oui, il y aura de quoi faire. L'émission est spécialiste mardi soir vers 22h après Wimbledon, justement, hein, sur Canal Plus Sport. On pourra revenir sur cet essai qui ne devrait pas avoir de conséquences sur le résultat. Quoique, il reste quand même 7 minutes encore et les Parisiens ont marqué alors qu'il y a encore un très beau coup de pied de Maxime Médard et que l'on revoit la transformation de Hernandez. Le score 28-13. Ce qu'il faut noter aussi, c'est vrai que Guinoves sait très bien que cet essai n'aura pas d'incidence sur le résultat. Il faudrait vraiment un miracle pour que le Stade français revienne. Néanmoins, sa volonté de ne pas encaisser d'essai, sa volonté de perfection, la pression qu'il met en permanence sur ses joueurs, sur les arbitres, et la volonté pour lui d'aller obtenir un nouveau bouclier. Donc tout ça fait que justement le Stade Toulousain est une grande équipe et arrive année après année à rebondir. Et le Stade français est quand même toujours une équipe dangereuse jusqu'à la dernière seconde. Et donc il se méfie forcément. Filleul a mis le pied en touche cette fois. Ah, il se méfie toujours. Mais c'est vrai que 15 points, ça fait quand même... Il faut marquer 3 fois, dont 12 essais transformés. Allez, c'est bon. Oui, à 6 minutes de la fin, ça paraît compliqué. Même à 14 contre 15. Parce qu'il manque Cunavor. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que Fabien Galthié y croit encore beaucoup.
les Parisiens, vous le savez, le Stade français qui sera la seule équipe parisienne dans le top 14 l'année prochaine. Après la défaite du Racing hier contre Mont-de-Marsan, le Racing était armé pour remonter dans l'élite. C'est sans doute que partie remise puisque l'objectif des Racingmen est plutôt sur 2 ans. Beaucoup de prétendants. Voilà, il y aura donc un derby landais d'Ax Mont-de-Marsan comme un derby Bax Bayonne Bulgariste, mais il n'y aura pas de derby parisien. En tout cas, pas l'année prochaine. Allez, gros pépé pénétrant. Regardez le ballon au chaud. Et au chaud, c'est facile aujourd'hui, côté toulousain, pour les dernières minutes de ce match. Et peut-être aller en planter un dernier pour la route, pour se donner grosse, grosse confiance avant d'aller affronter Clermont en finale la semaine prochaine. À Toulouse, en arrière de moins, donc garder le ballon avec ses avants. Et peut-être même va retarder. Keller va resservir sans doute Pelousse. Voilà, charge de Fabien Pelousse. Sortez Rose. Épaulé par Sauerby. Peut-être un drop après. Keller se positionne. Allez. On garde toujours le ballon avec les gros. C'est Youman. Et voilà, voilà le drop. Tiens. Le drop de Fritz. C'est bien. C'est bien pour Fritz qui passe ce drop. Et oui, Florian Fritz, ça lui arrive de passer des drops. Je me souviens d'un très beau drop avec l'équipe de France. Je crois que c'était en Afrique du Sud. 3 points de plus pour le Stade Toulousain. 31 à 13. Ouais, sous l'œil dépité du Stade Toulousain. David, c'est rapidement joué. Mais cette fois, l'arbitre n'avait pas sifflé. Tout à l'heure, pour l'essai, il avait sifflé. Et là, il n'avait pas sifflé. Voilà, William Servat, on récupère. Il y a une finale à jouer dans 6 jours pour les Toulousains. C'est sympa, oui, Florian Fritz, vous disiez, Thomas, parce qu'il a les pieds au frais. Florian Fritz, il va pas sortir, non, pas lui, parce que c'est le 13 qui va sortir. C'est le 13, donc, il a pris une jaune. Ouais, je pense que Yannick Josion va sortir. Ouais, ils vont préserver les joueurs. Je pense qu'il a maintenant, ça y est. Aotearoa. Oui, Aotearoa, comme tu dis, Eric. Et monsieur Yannick Josion, auteur de 2 essais aujourd'hui contre le Stade français. Homme de base du Stade toulousain, incontournable. Il est là toujours dans les gros matchs. Et avec les félicitations du coach. Allez, ça repart pour les dernières minutes. 4 minutes encore. Ballon pour Marchois et le Stade français. Box 6, Liebenberg. Liebenberg pour Juan Martin Hernandez. Ouh, pris sévèrement par Keller. Ballon conservé pour Fiol sur le côté fermé. La charge de Milton. Le Stade français avec Fiol. Avec Ramadan. Fiol encore. Charge. Oh, ah, et encore lâché, je crois. Keller. Il découpe tout ce qui passe. Et je peux vous dire qu'il est un petit peu blessé, parce qu'il est un petit peu secoué. Parce qu'il il est au taquet, comme on dit, avec la chaleur et tout. Et il s'est mis en réserve de la République là, sur le point. Là, et puis il s'est dit, tiens, 1-0, ça va être pour moi cette fois-ci. À part qu'il avait plaqué juste avant Hernandez. Oui, tout à fait. Il s'est replacé. Là, il s'est replacé juste pour prendre 1-0. Voilà. Il y a du temps. Il y a un petit, peut-être, petit litige entre les Argentins et les Néo-Zélandais. C'est possible. Il n'a pas l'intention de se réserver pour la finale. Byron Keller. 31 à 13, c'est un gros score qu'encaisse le champion de France en titre aujourd'hui sur la pelouse de Bordeaux. C'est assez rare les gros scores entre ces deux formations, en tout cas quand il n'y a pas d'impasse. C'est-à-dire dans les matchs couperés, le Stade français avec très largement battu Toulouse était au début de son règne en 98. Toulouse avait pris quelques belles revanches aussi. Et on était habitué à des scores un peu plus étriqués que ce 31-13. Oui, mais prenez le ballon. Qui va expédier au Stade de France l'équipe numéro 2 face à l'équipe numéro 1, Clermont-Toulouse. Et encore, si vous dites ça aux Toulousains, ils se chargent de vous rappeler qu'ayant joué 3 matchs de plus en Coupe d'Europe, ils ont lâché quelques matchs de championnat et ne visaient pas vraiment la première place. Ça mettra de l'ambiance avant la finale entre Clermontois et les hommes de Guinovès. Score fleuve, pas fleuve, mais score sérieux. Et comme me dit Stéphane Echeverry, le collègue de travail d'à côté, il me dit il y avait 6-3 à la mi-temps. Oui. C'était beaucoup plus étriqué. Et le public toulousain chante. Hein. Après Cardiff, ce sera un déplacement à Paris, au Stade de France, pour la 2e finale de la saison des Toulousains. Quand même, quel que soit le résultat, déjà, grosse performance, finale de Coupe d'Europe, finale de championnat. L'avantage pour les Toulousains cette année, c'est qu'il y a plus d'un mois entre les deux finales et que c'est moins pénalisant de les jouer les deux, puisqu'ils ont pu régénérer une partie de leur effectif lors des derniers matchs de championnat. Mais une équipe toulousaine qui peut-être ira dans cette finale avec beaucoup plus de joueurs blessés, de joueurs fatigués que cette équipe de Clermont, ce qui pourra peser sur les débats. Il faudra suivre les
des nouvelles de l'infirmerie tout au long de la semaine, notamment du côté des Issals. Et Guinovès sait que cette demi-finale est gagnée et qu'il pourra partir à la conquête d'un 17e bouclier de Brennus pour le Stade Toulousain. Et surtout, il y a dans cette équipe très peu de joueurs qui ont gagné le Brennus. Pelouse l'a gagné, Bouillou l'a gagné, Poitrenaud qui est en tribune l'a gagné aussi. Servat aussi, je crois, mais alors les Josion, Elissalde, Emence, Albacete, Hassan et autres Keller ne l'ont jamais brandi. Et vous me direz, les Clermontois non plus. Stéphane Glas oublie ce ballon. Là, devant. C'est la dernière minute de cette demi-finale à Bordeaux. Et Fritz qui encourage ses partenaires, Servat se réfléchit. Ça va fâcher. Cette action, cette dernière action est un peu à l'image. La performance de Paris aujourd'hui, ils ont laissé tomber trop de ballons pour pouvoir inquiéter le Stade Toulousain. Et créer des phases de jeu qui auraient permis de déstabiliser la défense toulousaine. Toulouse a été très opportuniste. La dernière minute de la carrière de joueur de Christophe Dominici qui a fait une si belle carrière avec Toulon d'abord, avec l'équipe de France et avec le Stade français et qui sera peut-être entraîneur la saison prochaine. La sirène et Monsieur Massiello qui libère les Toulousains. La finale du championnat de France de rugby opposera Clermont au Stade Toulousain. Autrement dit, le numéro 1 contre le numéro 2. La logique a été respectée sur ces demi-finales. Avec Orange, partenaire principal du Top 14, retrouvez les meilleurs essais avec Orange World. Partagez les valeurs du rugby avec la GMF. GMF, assurément rugby, assurément humain. Retrouvez le Top 14 avec Société Générale, par amour du rugby. À tous ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Tout de suite, on va refaire un point sur l'actu du jour avec les titres.